Salut à tous, les amis. Hey. Salut tout le monde, comment allez-vous? Voilà, enfin, pile à ça va bien? Oui, non, j'ai 14 heures pile. J'ai vu une image édition 2020, j'ai fait ah, qu'est-ce que c'est que ça? Sur ce, eh ben, bienvenue à toutes et à tous. On est parti pour une petite émission Magic. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué à Magic sur le stream, mais on aime bien ça. Du coup, de temps en temps, on le refait quand même. On est avec Ponce, on est avec Zary, on est avec Olivier en bout de table qui va, eh ben, évidemment, nous servir à la fois d'arbitre, mais également de compteur, puisque vous le savez, à un moment donné dans un cette émission, point de vie vivant. Voilà, nous allons vous présenter une nouvelle carte exclusivement de la prochaine extension Magic qui s'appelle Magic 2020. 2020. Édition de base 2020 dans sa version la plus longue. C'est assez moche comme nom. C'est assez, pour ça qu'on va dire M20. Ce sera très bien, c'est le nom de code. D'accord. Donc une nouvelle édition de base qui sort le 12 juillet. On y reviendra dans... On va faire une partie. Voilà. Histoire que vous voyez un petit peu, il y a peut-être beaucoup de gens qui ne savent pas quand on se joue Magic, donc on va peut-être reprendre un petit peu les bases, même si les decks que vous avez là sont quand même un poil plus complexes que les tout premiers que j'avais ramenés la première fois. Après on les a déjà joués en live. Vous les avez déjà joués, ouais, c'est avantageux. Ouais. On va faire une game et ensuite donc, on révélera la carte exclue, c'est-à-dire que personne ne sait actuellement dans le monde, à part les gens qui travaillent à Wizard, quelle est cette carte. Et nous quatre. Non, évidemment. Parce que vous l'avez vu, mais pas moi. Même Ponce ne le sait pas. On l'a dit, Rizzo, il l'a vu. On te l'a dit, le Ben Soccer à Gianni, le magnifique. Exactement. Donc vers 15h à peu près, on fera un reveal de cette carte. Et ensuite, on continuera à jouer. Vous jouez avec quoi? Vous jouez avec des decks Commander. On joue avec ça. Ouais. Regarde, tu peux mettre avec la Zenith. Des cartes géantes. Du coup, voilà, on fait quoi? On fait 30 HP ou on fait... Deck là pour le moment. Non, on fait 20 HP. Alors voilà. En gros, c'est donc les decks commandeurs qu'on avait sortis les deux dernières fois. Et ces decks-là, quelle est la particularité? C'est qu'en fait, on a un deck de 99 cartes, plus une carte qui peut être grande, mais qui en fait, c'est juste pour faire joli. Voilà, vous l'avez effectivement la carte normale ici. Vous avez 20 points de vie chacun en duel, vous piochez les mains de cette carte, c'est assez classique. Et en fait, à l'intérieur de ce deck, il n'y a que des cartes en un exemplaire. Donc ça permet, en fait, c'est vraiment un format qui va permettre de jouer plein de cartes différentes. Des parce que vraiment, le vrai format Magic, c'est 60 cartes et on peut jouer jusqu'à 4 cartes, 4 exemplaires d'une même carte. Donc là, hormis les terrains de base, vous avez plein de cartes différentes. Et ce que je vous propose, c'est que pour cette émission-là, on se mette directement sur le nouveau mulligan. C'est-à-dire que si jamais il y en a un de vous qui doit mulliganer, on fera le nouveau mulligan qui permet... Bon, on verra quand il y en a un qui voudra. Tu mulliganes, là, Xari? Oui, bon, il a mulligan. Bon, après, j'avoue que j'avais que des manas, donc j'étais en mode... Ok, donc en fait, on pioche une main de cette carte. Quand, si on n'est pas content de sa main, eh bien, on peut essayer de remélanger la main à sa bibliothèque et piocher. Donc avant, c'était on piochait une carte de moins et on faisait un regard. Là, on va piocher 7 cartes, Xari. On va faire le vrai. Tu pioches tes 7 cartes, regarde-les. Il les a. Est-ce que cette main te convient ou pas? Il y a une petite musique un peu de suspense en plus derrière. On va dire que oui. Donc, en fait, il aurait pu très bien décider de refaire un mulligan autant qu'il voulait, mais à partir du moment où il décide de garder cette main, il doit choisir X cartes, X étant le nombre de fois où il a fait un mulligan, et les mettre en dessous de sa bibliothèque. C'est le nouveau mulligan qui sera en vigueur à partir du 12 juillet, justement à partir de la sortie de Magic 2020. D'accord, c'est bien okay. qu'on l'essaye. Alors c'est évidemment moins cool qu'un mulligan gratuit, mais on va essayer de le faire comme ça. Est-ce que tu peux mettre une carte, donc du coup tu l'as choisi, en dessous de ta bibliothèque? Ce qui est sympa, c'est que du coup, même quand, si jamais elle devait remulliganer, normalement il piochait 5 cartes, et bien avec le nouveau mulligan, il pioche 7. Il regarde sa main, il dit ok, je prends, il met deux cartes dont il va pas se servir en dessous de sa bibliothèque. Donc, ouais, on va dire que c'est mieux dans le sens où t'as le choix, tu vois, mais bon, ça fait quand même mal de savoir que t'en mets en dessous, quoi. Certes, mais ça reste que bah, du coup, tu peux te refaire des mains si jamais ça te plaît pas. Oui. Et ce qui est bien, c'est que si j'aime... en fait, c'est vraiment un mulligan qui, à mon avis, va être extrêmement bien dans le standard, notamment, donc qui est le format le plus récent, et avec les cartes les plus récentes, et le paquet scellé, ce que vous pouvez faire donc, en avant-première. Mais dans les formats un peu plus anciens, c'est peut-être un peu plus délicat. On verra bien. Qui a décidé de commencer? Enfin, vous avez fait un toss? On a fait 18 et 18, là il fait 13, et là, tu vas voir, je vais faire 13, hop. 14. Bien joué, mec, allez, à toi la main. Il fallait ça pour décider de commencer ou pas. Alors tu commences? Ouais, je vais commencer. On fait ça avant de faire le mulligan, mais c'est pas grave. Oui, c'est vrai. Je commence, donc toi t'as déjà fait un mulligan, mais gratuit? Non, justement. Bah non. Je l'ai fait payer. Ah, tu? Je l'ai fait payer de ce moment. Pas gratuit, non. Non, c'est pour pouvoir expliquer le mulligan, okay. Ce qu'on appelle donc le London mulligan maintenant. Je vais jouer la Creek Tranquille qui arrive sur le champ de bataille engagé et qui me rend un PV.
enfin qui me donne un point. À moi. Ouais, donc à chaque fois, dites bien le nom des cartes, comme ça je peux les afficher. Oui. Normalement, ça marche. Oui, ça fonctionne ici. Bah, cric, tranquille, tout à fait. On passe direct à 21. Putain, t'es chaud, frère. Voilà. Bah là, je gagne. Donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout Magic, on va poser, on a dans nos mains des cartes de terrain et des autres cartes, cartes sort. Les cartes de terrain, on peut en poser un par tour, et c'est ce qui va nous permettre de puiser, de produire du mana et de pouvoir donc, du coup jouer les autres sorts. Là, en l'occurrence, elle arrive en jeu engagé, donc il ne peut pas l'utiliser tout de suite. Elle lui a fait gagner un petit point de vie et il pourra l'engager. Là, je suis totalement jaune, hein, au cas où, au niveau de la cam. C'est vrai qu'il y a un truc très bizarre sur... absolument pas normal. T'as vu comme j'ai bronzé, mec? Ouais. Je suis orange. Faites attention aux UV quand même, les gars, parce que ça peut vraiment faire mal. Je joue la tour de commandement qui me permet d'ajouter un mana de la couleur de mon commandant. Donc voilà, bleu et ou rouge. C'est juste un des meilleurs terrains en... Ah ouais, c'est insane. Oui, c'est insane. C'est un des meilleurs terrains en EDH, enfin en commandeur. Du coup, je l'active pour jouer Griffe racleuse. Qui ne sert à rien, mais c'est à toi. Bah, il y a l'avantage d'un artefact, et c'est ça qui te... Oui, parce que toi, c'est tourné autour des artefacts, ce deck-là. Ouais, des artefacts, ouais. Exactement. Okay. On reviendra après sur les commandants, pourquoi ils sont là, etc. Pour l'instant, ils sont pas en jeu. Là, Xari l'a mis à côté. Bon, c'est pas le même dessin, mais c'est pas grave. Nickel, merci. Xari l'a mis à côté de son commandant, mais son commandant n'est pas considéré comme étant en jeu. Il est dans ce qu'on appelle la zone de commandement. Oui, bon, ça va, il est non, mais non, il était bien, il était bien. Il était bien. Non. Je peux... Laisse-le révéler, juste, j'explique, parce que les gens pourraient croire, mais ah, il a déjà un truc en jeu. J'ai posé une île, ce qui fait que je vais en fait engager une île pour générer un point de mana et la crique tranquille pour générer aussi un point de mana mais blanc et pour poser le mage de l'équilibre. C'est une 2-2. Il est funambule, quoi. Il est complètement funambule. En vrai, il a un flow monstrueux, hein, je trouve. Et donc pour 5, je peux sacrifier le mage de l'équilibre et chaque joueur choisit un nombre de terrains qu'il contrôle égal au nombre de terrains contrôlés par le joueur qui en contrôle le moins. Puis sacrifier les autres. Les joueurs se défausent de cartes. Quoi ? Sacrifier des créatures de la même manière. En gros, c'est tout égal. Oui, putain, oui, c'est vrai. On va compter, c'est très simple. On compte le nombre de terrains, le nombre de créatures et le nombre de cartes en main que chaque joueur a. Et on va en fait ramener au plus petit. Oui, c'est ça. Ouais. Donc ça peut permettre de clean, ça peut permettre Ça peut permettre de faire des choses. Ouais, ça peut permettre de clutch, ouais. En vrai, elle est forte quand même pour deux et tout. C'est une bonne carte. Très bonne carte, mec. Un très peu, bonne carte. Un peu lente dans le sens où, en gros, t'annonces à ton adversaire, attention. À un moment donné... Mais c'est pas de suite, quoi. Oui, c'est clair et net. En fait, ça se base sur une carte qui s'appelait Balance, et qui, pour le coup, coûtait que 2, et tu faisais ça direct, et c'était vraiment beaucoup de... Je joue la Pierre de l'Esprit, qui est un artefact insane, qui me permet d'ajouter un mana incolore, et je vais dire à toi. T'es fou, l'artefact, hein. Ah oui. Bah, alors, en fait, on reviendra sur les commandes tout à l'heure, mais évidemment, chacun de ces decks a un thème. Ce sont des decks que vous... Excusez-moi, c'est pas la bonne carte, en fait, il a du mal à l'afficher, voilà. Voilà. Pierre d'esprit, c'est celle-ci. Donc, du coup, ce qui est bien. Alors, il aurait pu l'engager directement pour avoir un mana incolore, mais il a peut-être rien à jouer pour un seul mana incolore. Et ce qui est bien, c'est que du coup, ça permet à Xari de s'accélérer, puisqu'au tour d'après, au lieu d'avoir seulement 3 manas, il en aura 4 s'il joue en terrain. S'il joue en terrain, quoi. Si un jour ça ne lui sert plus, il pourra la sacrifier sans aucun scrupule pour piocher une carte. Je sais pas pourquoi il y a un carré blanc ici. Ça me stresse. Ah ouais, ça, j'avoue, il y a un petit carré blanc. C'est pas du tout. Non, ouais. C'est l'affichage Magic GIF. Qu'est-ce que tu vas faire? Ok, je vais poser une plaine. Oh non, ah, je te jure. Et je te jure que c'est vrai parce que là, j'engage en fait mes 3 terrains pour jouer la forme lumineuse. Forme lumineuse, quand elle arrive sur le champ de bataille, elle devient une aura avec enchanté de points créature. Donc j'ai le droit d'enchanter une créature. Manifestez la carte du dessus de votre bibliothèque et attachez-lui. La forme lumineuse. Donc manifester, ça fait quoi? Ça fait que je mets la carte du dessus de ma bibliothèque face cachée. C'est une 2-2 pour le moment. Et à tout moment, je peux la jouer si c'est une créature pour son coup en mana. C'est ça, hein? Ouais, tu peux la révéler. Voilà. Du coup, je peux regarder ou pas ce qu'il y a en dessous? Bien sûr, tu peux regarder. Non, là, montre pas, Xari. J'ai pas vu. Heureusement, il regardait pas. Il regardait absolument pas. Même. Non, je regardais. Ok, côté bluff. J'ai vu. Si ça se trouve, c'est une créature énorme. Mec, c'est énorme. Pour deux, je peux avoir une 8-8 piétinement, voilà, vol, voilà. Double célérité. Très bon bluff. Et du coup, tu la reposes, tu lui attaches l'équipement. Double célérité. Et du coup, en fait, pour l'instant, on a une 2-2 vol lien de vie. Exactement. Là, c'est une 2-2 vol lien de vie. À la limite, mets plutôt ça au-dessus, ouais. Hop. Bah, GG, mec, c'est gagné. Bah merci mec. Voilà. Et puis là ce que je vais faire en fait pour effectuer une pression perma sur voilà, toi, exactement. Je vais juste tout simplement t'infliger de dommages. Donc là, la créature qui vient de jouer là ne peut pas attaquer car elle a le main de la vocation. Oui. Mais par contre celle qui est l'autre, elle est arrivée en jeu au tour d'avant. Donc du coup Xari passe à 18 car c'est une 2-2 et du coup elle inflige 2 blessures à Xari. Insane ce que je viens de piocher, MDR. Ce serait cool d'avoir les cartes en HD. Eh oui, mais ils veulent pas parce qu'ils ont peur qu'on imprime des fausses cartes.
Voilà. C'est déjà mieux que le spécimen qu'ils peuvent mettre sur certaines cartes. En vrai, c'est gros, déjà je ça. Je crois que je préfère avoir spécimen et des cartes en HD. C'est vrai ? Ah ouais ? Bah ouais, parce que moins, là, en fait, sûr. Le truc, c'est que c'est flou et du pour coup, lire, les gens qui regardent sur un téléphone portable, bah, ils sont baisés. Et on peut pas mettre l'image en un tout petit peu plus petit pour que l'aspect flou, tu sais, soit. Je sais pas si ça changerait. Ça va pas vraiment aider. Ouais, je joue le chef de la fonderie, ouais. Et je dis à toi. Les autres créatures. Sur artefact que vous contrôlez gagne plus 1 plus 1. Va falloir se débarrasser du chef de la fonderie. J'ai pas de créature artefact. Okay. Là, j'ai la pire main du paf, on va pas se mentir. Hein. Ah, c'est vrai qu'on a connu des sorties un peu plus grasses de la part de Xari. Oublie pas que tu peux piocher, je crois, avec ta griffe. Un de ces quatre. Ça coûte 1. Tu peux pas me permettre. Là, t'aurais de payer. Pu éventuellement gambit un land, mais c'est vrai que c'était un peu greedy quoi. Ça coûte 1. Avec quand te payer 1. C'est Poncès qui a commencé ? Oui. Ok, donc ça veut dire qu'on a un problème de land au niveau de land à côté de Xari. Il a quand même 3 mana, il peut quand même piocher avec la griffe autour d'après. Donc bon, ça peut arriver. Et puis l'avantage de sa tour, c'est que ça lui fait même du mana rouge en fait. C'est vrai. Moi je joue ma porte de la guilde Azorius qui donc arrive engagée sur le champ de bataille. Et puis je vais juste attaquer avec ma 2-2 vol. Ouais. Et lien de vie. Ouais, bien joué. Ça fait une div de 4 quoi. Ça fait une div de 4. Div de 4 qui me fait clairement prendre l'avantage en vrai. Hein. Déjà qu'il y avait une div de 3. Il y a même une div de 6 uniquement. Ah non, t'attaques pas avec l'autre ? Non, j'ai. T'as une de 3. Non, il y a une de 3, j'avoue, je vais éviter. Donc Xari passe à 16 et Ponce est à 23. À moi ou tu fais un autre truc ? C'est bon. T. Ok. C'est quoi ce bruit de changement de point de vie ? Il y a un bruit pour les changements de point de vue ? Ouais, il y a le bruit de changement de point de vue de Yu-Gi-Oh. Oui, c'est le bruit de Yu-Gi-Oh, je l'ai enlevé. Merci. je mets ça, c'est un terrain, mais je peux l'activer direct ? Oui, c'est un terrain artefact, tu peux y aller. Ok, yes. Rappelez-moi son petit nom. J'ai l'oreille, hein, vous pouvez pas me baiser, les le gars. Le siège de Synods. Par contre, très bonne carte parce qu'il est à la fois terrain et artefact. Oui. Du coup, il fonctionne sur quand on doit compter les artefacts. C'est une très très bonne carte, évidemment. Et là, du coup, maintenant, Xari peut avoir ses 4 mana et peut-être invoquer son Planeswalker, on va voir. Il y a peut-être autre chose à faire en main. Alors, on n'utilise pas les Planeswalkers sur le côté parce qu'on les a pas encore invoqués. Ouais, ils sont pas là. Ils sont visibles, mais ils sont dans ce qu'on appelle la zone de commandement qui, pour l'instant, ça a aucun effet. Dès qu'il y en a un qui le joue, on raconte un petit peu l'histoire des commandants. Vous inquiétez pas. Ah, ça me stresse, il y a l'écran là qui saute depuis tout à l'heure. Ouais, ça me casse. Ah, oui, ça me stresse. Mec, okay. Je vais te libérer. Mec, je vais péter un plomb. Je te libère. Change ça. Calmez-vous, s'il vous plaît. Ouais, bah, je vais l'invoquer, hein, le commandant. Voilà, donc grâce à cette tour, il peut avoir un mana rouge. Du coup, invoquer son commandant qui est no d'autre que Saeli. Alors, faut que je trouve la bonne version parce qu'il y en a eu plusieurs. Ah, oui, mais attends, il vaut 4. Ouais, 1, 2, 3, 4. Ah, oui, pardon, j'ai peur. Saeli, la talentueuse en fait. Elle a beaucoup de talent, elle arrive avec... Donc, c'est un Planeswalker. Un Planeswalker, c'est pas comme une créature. Elle arrive avec 4 marqueurs de loyauté qui est le chiffre en bas à droite. Et ça. Ensuite, une fois par tour, pendant son tour, il peut faire une des capacités de loyauté. Soit plus 1, ça veut dire qu'on lui rajoute un compteur et donc il va faire une 1-1. Soit un autre plus 1 qui va avoir un autre effet. Soit moins 7, donc si un jour il arrive à 7, il pourra... donc à 7 ou plus, il pourra faire son moins 7, ce qu'on appelle un ultimate, et bien déchaîner les enfers. Pour l'instant, est-ce que tu préfères faire le premier ou le deuxième plus 1 ? Je vais faire le deuxième. Le deuxième, c'est le prochain... T'es sûr ? Prochain sort coûte 1 de moins par artefact, j'en ai 4, donc ça coûte moins 4, et je vais jouer... Mais quel boss ! L'archive Edrun ! Quel boss, effectivement, le fait que ce soit un artefact fait que du coup, parce que j'étais en mode, bah, si t'as pas de terrain d'étape, t'auras juste que de l'incolore, mais. Archive, Edron ? Je peux le remettre là ou quoi ? Oui. Pour la clarté, en fait, de la lisibilité. Oui. Bah, donc il avait pile 4, et donc ça lui permet, notamment, et c'est grâce au terrain artefact que tu peux avoir. Ça permet de rajouter 2 mana in color. Voilà, et là tu peux repartir en mode, je remets un truc pour 2. Ouais, c'est exactement ce que je vais faire, non. Est-ce que tu as mis. Oui, donc du coup, Saeli a bien 5 marqueurs. Je vais juste dire à toi, mec. Hein. Donc normalement, les commandants, on dit ça effectivement dans le chat, les commandants... C'est bon, ça, c'est ça qu'on veut voir, la fraternité avant tout. Toujours. Qu'est-ce que je disais ? Ouais, les commandants, normalement, sont des créatures légendaires, obligatoirement, pas des Planeswalkers, mais sur le... En fait, ça, ce sont des decks qui viennent donc de il y a un an, les decks préconstruits Commander 2018. Et en fait, regardez, il y avait... un petit texte sous le commandant qui disait qu'elle peut être ton commandant. Donc effectivement, c'est pas une créature légendaire, c'est un Planeswalker légendaire, mais grâce à... Il y en a quelques-uns comme ça qui existent.
grâce à sa capacité, il a pu la jouer en tant que commandant. En tant que commandant, ça veut dire que c'est comme si en fait elle commençait en sa main, mais donc elle n'est pas techniquement dans sa main, mais il peut la jouer comme si elle était dans sa main. Et en fait, si jamais Ponce décide de la gérer de façon sale, eh bien Xari peut la remettre dans cette zone où elle était au début et pourra la rejouer pour deux de plus pour le nombre de fois où elle a déjà été jouée. Donc ça permet vraiment de faire des stratégies autour du commandant, que ce soit une créature légendaire ou un planeswalker. Enfin, ça dépend quel planeswalker, évidemment. Alors moi je peux pas jouer donc pour le moment mon commandant dans le sens où j'ai pas de marée. Ouais. Donc mais j'engage 5 quand même pour mettre un golem de géode. Oula. Donc créature artefact 5-3 piétinement. À chaque fois que le golem de géode inflige des plaisirs de combat à un joueur, vous pouvez lancer votre commandant depuis la zone de commandement sans payer son coup de mana. Voilà. Donc il a trouvé une façon détournée. Si ça si ça arrive de pouvoir jouer son commandant. What you were. Mais il faut qu'elle attaque, il faut qu'elle blesse. Bon, on en est pas là. Ouais, on y est pas. Par contre, là où on est, c'est que clairement je vais attaquer pour 2 et voilà. Et donc là en fait, il a le choix entre soit attaquer les points de vie de Xari. Bam, directement. Descendre du coude. Soit attaquer directement le Planeswalker. En fait, le Planeswalker peut être attaqué. Et du coup, si elle se prend 2 points de vie, bah, elle repassera à 3 marqueurs. En fait, le truc, c'est que j'aimerais bien mettre une pression dans la tête de Xari. Ouais, le tu veux mettre la presse. J'ai envie. Tu peux mettre la presse à Xari, gros. Son esprit est impénétrable. Non, tu peux mettre la presse. Vas-y, comme les voix de Dieu, mec. Mets-moi la presse. Non, parce que. En fait, c'était une bonne stratégie dans les premiers tours, parce qu'il y avait là derrière. Là, en fait, en vrai, là, il détape Xari. Il a l'air d'avoir 3 terrains. En fait, là. Ah, il a déjà 6 mana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais. Voilà, et s'il refait son Sahel, il peut avoir du coup 11 mana. Donc c'est qu'en vrai, Xari, c'est impossible de lire dans son esprit. Des fois, quand on joue à Dragon Ball ensemble, des fois je le bats, et à aucun moment dans la partie, j'ai eu l'impression que je le battais. Genre, il est juste en mode, ouais, bah là j'ai perdu. Et je suis en mode, et gros, t'avais l'air tellement sûr de ça. Toi, s'appelle. C'est vrai que j'ai perdu, ouais. Bah, mais c'est un joueur de poker, hein. Poker face, voilà. Oui, hein. Alors que là, je l'ai gagné. Il est mort. Cool, bon, allez, t'attaques quoi? En vrai, je mets 2 sur ton commandant. Eh bien, sauf que j'ai un pouvoir spécial qui fait qu'au lieu de me mettre des blessures, tu me les donnes. Bien sûr, oui, sûrement. Je passe à 7. De quoi? Non, je passe à 3. Donc, Xari reste à 16, et par contre, sa Saheli retourne à 3. Le lien de vie fonctionne? Quoi? Oui, bah, le lien de vie fonctionne, tout à fait. Tu as gagné tes points de vie, tu as 25. Très lourd. Je sais pas si tu mets la pression, mais en tout cas, tu t'envoles en termes de points de vie. Tu mets une presse, tu mets une belle presse. Que je vais faire, ouais, en fait. En vrai, là, Xari peut avoir potentiellement 11 mana. Je vais faire, pour 4, je vais faire le deuxième. Ah ouais. Et du coup, j'ai. 5. Attends. Non. Tu mets un artefact avant, peut-être? Ouais, je vais peut-être mettre un truc avant. Donc. Je réfléchis. Si le commandeur passe à 0, ça fait quelque chose. Ouais, ça fait quelque chose d'assez funeste, puisqu'en fait, il est mis au cimetière. Et là, en l'occurrence, comme c'est son commandant, il peut le remettre dans sa zone de commandement. Mais oui, du coup, il décède. C'est un des meilleurs moyens pour pouvoir gérer un Planeswalker, parce que sinon, c'est pas évident. Il y a très peu de. Rizzo fait un truc bizarre. Il y a très peu de cartes qui permettent de gérer des Planeswalkers, enfin de plus en plus. On peut aussi remettre des blessures directes. Il y a pas mal de cartes qui disent mettez 3 blessures au Planeswalker. Après, bon, il retourne dans la zone, mais bon, vu combien il coûte, tu peux le rejouer le tour d'après, quoi. Ouais, sauf qu'il aura pas du coup son effet. Oui. Non, quand même, c'est chiant pour lui. Je vais faire ça. C'est chiant, mais ça t'impo bien quand même. Puis ça. De devoir focus le Planeswalker en soi. Ah ouais, mais attends, parce que là. Quelqu'un dit ça m'a manqué cette émission Magic. Ouais, mais nous aussi. Moi aussi. Nous aussi. Voilà. Tu sais que mec, ça fait un mois que. Je joue à Arena, de toute façon. Mais mec, moi, ça fait un mois que je lance Arena, et puis là, d'un coup, je regarde l'heure, je fais ah oh, putain, j'ai pas le temps ou quoi, tu vois. Et genre, ça fait un mois que je joue pas au jeu et que je lance, et je fais ah oh, putain. Et j'ai genre une quarantaine de boosters à ouvrir, enfin, j'ai masse de. Ouais, mec, j'ai. Genre, j'ai précommandé l'édition 2020, donc c'est là que tu vois que je suis vraiment un bon Yankee. Ouais, le Yankee est là. Mais j'avais un peu peur avec tous les jeux que tu fais en ce moment, que tu délaisses totalement Magic, et en fait, non. Toujours là, dans ton cœur, ça c'est bien. Ça va. Non, en vrai, je délaisse pas grand chose, hein. Juste je dors moins, quoi. C'est... oui, c'est ça. Mais tu devrais prendre exemple sur Max, hein. Lance Arena et tu te dis, putain, il est tard, je m'en fiche. Je joue jusqu'au. c'est vrai, je pourrais. Bon, alors, Xari. Il joue aussi parce le golem. Parce que pendant ce temps-là, il t'a défoncé. Non, je sais pas. Alors, t'as fait quoi? T'as fait pour 5, t'as joué la même chose, c'est ça? Ouais. Donc, il a lui aussi joué son golem de géode au cas où. Ils ont tous des golems de géode. Sa bête devrait être gérée. Enfin, sa bête, son planeswalker. Il pourra le rejouer. Du coup. Après, je vais passer du coup à 4. Alors là, en fait, on est d'accord, c'est 6. Ouais. T'as 5 artefacts plus le terrain, donc 6 mana. Comment il s'appelle?
machine de mort. Donc déjà, galopante. Déjà, quand t'as une machine de mort qui galope après, je peux te dire que tu fais pas mal. Attends, je vais faire juste ça et ça plutôt. T'as une question intéressante dans le chat. Y aura-t-on du Keyforge un jour ? Oui, car, bonne nouvelle, j'ai enfin reçu la boîte de base. Merci Asmodée, ça fait un an que je vais sortir. Non, peut-être pas un an, mais ça fait 6 mois que j'ai pas eu la boîte de base, j'ai eu la boîte de base en fait de la deuxième édition. Ah, voilà. Mais du coup, au moins, j'ai les tokens, j'ai les trucs, donc on va pouvoir jouer. C'était vraiment. Quoi le problème que t'avais eu ? Mais en fait, on n'avait pas les tokens ni rien, donc c'est trop chiant de jouer à jeu quand t'as que les cartes en fait. Les tokens, c'est. En fait, la boîte de base a été mise en. Enfin, a été en rupture très très vite. En gros, si tu veux, t'as une boîte de base dans laquelle t'as. En fait, c'est un jeu où tu as besoin de compteurs, tu as besoin de marqueurs, tu as besoin de trucs comme ça. Les tokens, c'est les compteurs. Est-ce que tu peux décaler un petit peu tes cartes ? Et le problème, c'est que. Et pareil, en gros, dans le jeu, tu vas gagner des ressources, tu vas créer des clés, etc. Et le truc, c'est que tu peux le fake avec. Si tu veux, tu peux prendre des papiers, ça marche aussi. Mais c'est moche, j'avais pas envie de montrer un truc moche. Donc j'attendais d'avoir la boîte de base. Et le truc, c'est qu'ils en ont plus. Et ils, je te jure, j'ai demandé tous les mois depuis que c'est sorti. Non, introuvable. Et du coup, là, il y a l'édition numéro 2 qui est sortie avec des nouvelles cartes. Et là, et du coup, ils ont eu des nouvelles boîtes de base. Et du coup, ils m'en ont envoyé une. Donc là, on va pouvoir jouer avec les tokens machin de l'édition 2. Plus avec des cartes de l'édition 1 et des cartes de l'édition 2 parce qu'ils m'ont envoyé aussi des boosters. C'est un jeu qui n'est pas édité par Wizards of the Coast, mais qui par contre a été créé par notamment par Richard Garfield, qui donc. Et le jeu est bien ou pas parce a créé. Moi, pour avoir un peu testé, je trouve ça sympa parce qu'en fait, c'est différent de Magic vraiment. Genre, c'est pas Magic 2.0. On est d'accord qu'avec un deck. Enfin, oui, alors le principe en comment fait. Comment tu upgrades ton deck tu peux pas. Justement, tu peux pas. Ce sont des decks qui sont préconstruits, mais au hasard. Et tu ne peux pas les modifier. Mais c'est interdit en gros, et impossible parce que genre, le dos des cartes est unique. Ok, mais alors comment tu fais pour En fait, tu dois acheter plein de boosters. Plein de decks. C'est donc pas des boosters, c'est des decks préconstruits. C'est ça, les boosters sont des decks en fait. Qui coûtent 10 balles. Ouais, mais est-ce pour que 10 le balles, t'as un deck. Tu l'achètes, si ça c'est trouve, ce que c'est. Non, ça se trouve. Non, si ça trouve le deck en fait, t'as le meilleur deck du monde ou t'as le pire. Mec, ils ont juste inventé la loot box en jeu de cartes. Ouais. Ils ont réussi à faire en sorte que, je sais pas, dans la première édition, il y avait, je dis une connerie, peut-être 400 cartes. Et en fait, à les mélanger en faisant en sorte que du coup, chaque deck était unique. Il n'y a pas un deck qui a les mêmes cartes à l'intérieur. Et du coup, tu as des decks qui peuvent être pas terribles, des decks qui peuvent être très bons. Et du coup, tu peux faire tout comme ça. Mais après, du coup, il y a des versions de jeux qui sont intéressants. Genre, tu ramènes ton plus mauvais deck et tu le passes à l'autre, par exemple. Ça peut être. On a plusieurs decks à sélectionner. On va miser sur quel deck on veut prendre et on aura des défauts suivant ce qu'on a misé. Enfin, tu vois. On faisait ça, nous, sur Hearthstone avec Zulu et tout. On faisait des trucs, des défis en mode. On doit faire le deck de l'adversaire et le premier qui meurt a gagné. Par exemple. Genre, du coup, tu donnais qui donnait du heal et tout, et tu devais te suicider, etc. Ponce, est-ce qu'avec tout ce temps de réflexion, tu vas nous faire quelque chose de spectaculaire ? Alors, pas de coaching ici. Non, spectaculaire, je ne crois pas. Après, je vais juste attaquer au moins avec ça sur toi, pour le coup. Ok, vas-y, baise-moi. Et Donc, sur toi, ça veut dire que tu passes à 14 Xari, que Ponce est à 27. Ponce, il gagne 20 mach HP. Est-ce que c'est le moment d'échaîner les enfers, monsieur Ponce ? Non. Bah non, parce qu'en fait, si je déchaîne les enfers, toi, c'est toi qui as le moins de terrain, t'en as 3. Ouais. C'est ça. Hein. Du coup, au final, moi, je vais défausser 2 terrains. Puis après, je vais défausser quoi ? Tous mes créatures, toi, tu vas devoir en défausser 3, donc tu vas aussi en défausser 3. Attends, c'est pas ça, excusez-moi. C'est celle-là. En fait, sur les artefacts, si je le fais maintenant, je me fais niquer. En gros, le mal. Est-ce que ça marche sur les artefacts ? C'est terrain. Créature et défausse. Défausse et créature, ouais, donc effectivement. Donc je me fais niquer. Si je effectivement, il y a de chances que. Bon, alors tu fais quoi du coup ? Bah, du coup, je fais ça et puis ensuite, j'engage juste. 4 terrains pour mettre. Juste ouais. Le ninja des heures noires, c'est une 2-2. À chaque fois qu'elle inflige des blessures de combat à un joueur, vous piochez une carte. Okay. Pas évident. Voilà, t'aurais pu le mettre en ninjutsu sur ta bête et je crois que ça fonctionnait d'ailleurs. Ah, t'aurais peut-être dû faire ça gros. Bah non, renvoyer en main un attaquant non bloqué, tu veux dire sur ça là ? Ouais, c'est ça en fait, le principe des ninjas à Magic, c'est que tu vois, ils croient que c'était quand Xari se fait attaquer par cette 2-2 vol. Ils croient que c'est qu'une 2-2 vol, et en fait derrière il y avait un ninja. En gros, fais-le parce que si tu pioches un land... Non mais comme ça on voit donc, l'utilisation en gros, du exactement. Truc, ouais. Vas-y, donc détape tes landes. Ouais, je détape tout. On était là. Tu attaques avec sa 2-2 vol, de toute façon il peut pas te bloquer. Exact. C'est très bien, et là vas-y, tu payes 2. Hop. Et tu renvoies, donc elle est en fait là, elle est attaquante, pas bloquée, mais elle n'a pas encore mis ses dégâts. Oui. Et là en fait, derrière un nuage de fumée, il y avait le ninja des heures noires. J'essaie de la faire un peu relou. Il y a un nuage de fumée. Ok. Donc ce que tu fais, tu renvoies la carte manifestée dans ta main. Donc la carte qui est en dessous. Oui. Ouais. Elle revient dans ta main. L'enchantement va au cimetière parce qu'il a plus rien à enchanter. Voilà. Mm-hmm. Mais du coup, t'as ton ninja. Cimetière. Mets-le au cimetière face visible pour ta bibliothèque.
Voilà. Merci, et ton ninja, en fait, tu le mets engagé. Voilà. Et en fait, il est toujours attaquant. Enfin, il est attaquant, il y a marqué. Et du coup, Xari ne l'a pas bloqué, parce que c'était après les blocs. Du coup, il touche Xari, il le passe effectivement à 14. Mais toi, par contre, tu restes à 25, parce que tu n'as pas le lien de vie. Mais tu pioches le terrain qui va te sauver. Ah, okay. Ici, là ? Ouais. Tu crois vraiment ? Celui-là, là. Ouais, ouais. C'est un marais. Si c'est pas un marais, je t'encule, mec, en direct. Bah, écoute. Vas-y. Allez. Est-ce que tu peux te pencher ? Mec, on va se mettre juste dans le coin, là. Lourd. Bah, je suis refait de ce move. Après, t'as dépensé moins de mana. T'as dépensé moins de mana, oui. Mais ouais. Et t'as récupéré une carte dans... Peut-être qui me permet de lander, j'avoue. Bon. C'est un insane. Terrain de plus. Ah, c'est un nice try. C'est à moi ou pas? Et là, du coup, il te reste 4 mana. Ouais, bah c'est à toi. Franchement, je fais ce que je peux pour... En fait, tu vas pas mettre de terrain en plus, comme ça, en si vrai... jamais il fait ça, il pète tous ses terrains. En vrai, c'est vrai que si j'avais le moindre marais, bah en fait, ça débloquerait pas mal la situation. C'est vrai, c'est vrai. Le truc, c'est que je trouve ça un peu boldy, j'avoue, d'annuler pour le moment, ma seule chance de victoire qui était cette carte-là, en vrai, qui permettait quand même de... Non mais joue. Je pense qu'il fallait le tenter, parce que en fait, en faisant en lui mettant deux par tour, sachant qu'il était à 14, t'inquiète pas, dans cette tour, il t'a défoncé. Donc il fallait autant... Parce que regarde, si jamais tu pioches un marais là, au-dessus de ta bibliothèque, en fait, tu l'aurais eu un tour plus tard. Tu vois ce que je veux dire? Ça décale. Oui, non, c'est sûr que j'ai. Oui, bien sûr. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Là, je décale de pour info, donc ce sont des decks préconstruits, donc qui coûtent entre 30 et 40 euros, et qui, du coup, effectivement, ont une mana base qui est OK, mais sans plus. En gros, vous pouvez évidemment les améliorer et rajouter moult biland, donc, terrain qui rajoute plus qu'un mana, pour pouvoir éviter ces problèmes de mana en jeu tricolore notamment. Après, là, je pense que j'ai aussi pas de chance, parce qu'honnêtement, j'ai pas de problème de mana. Mon seul problème de mana, c'est que j'ai pas de marée. C'est la couleur. Mais... Tu as aussi pas de chance, écoute. Pas de chance. Voilà. Ta vie pue la merde, en fait. T'es ténace. Voilà. Je vais faire pour 2 et 3. Je vais faire l'œil du pèlerin. L'œil du pèlerin qui me permet d'aller récupérer une carte de mana de base. Il la met dans ma main. Parfait, je cherchais une montagne. Pour bien te foutre le seum, en fait, il va te montrer que lui, il a des cartes pour aller chercher des terrains. Donc, c'est parfait. Ouais, du coup, j'ai pris une montagne. Et après, du coup, je vais utiliser le plus 1. Et donc, du coup, je gagne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mana incolore. Aucun sens. Peut-être, Xari, est-ce que tu peux mettre ta pierre de l'esprit et ton aideron dans tes terrains? Bah ouais. C'est plus lisible. Vite fait, quoi. Regarde ce qu'il joue. Vite fait. Bien, parce que c'est moi. Et je joue une 5-5 de célérité. Comment s'appelle-t-il, ce petit dragon, monsieur? Embraseur Escouffe l'enfer. Mais par contre, en vrai, moi, je trouve que Saïli, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que ça devrait être moins 1. Non, c'est vrai, c'est fort. Plus que plus 1 pour... ça aurait pu... c'est vrai que c'est fort. En fait, le truc, c'est que vous avez des decks qui le laissent un peu faire. Et que si vous laissez faire... De toute façon, tu vois, t'as 2 de vol. En vrai, elle aurait vu un embraseur en face, elle aurait pas fait la maligne. Ah, c'est pas faux. Bon, ceci, il l'aurait attaqué. J'attaque. C'est pas faux. Alors, t'attaques avec quoi? J'attaque. Voilà. Quel enfer. Bon, déjà, je me prends 5. 6. C'est 6, ça. C'est grâce à ça, il gagne plus 1. Ah ouais. C'est... Oh. Donc, effectivement, il y a un truc qui te booste les bêtes, mais artefacts. Donc, la machine de mort, elle est 7-6, mais de toute façon, elle ne peut pas être bloquée par des créatures avec une force inférieure à la 2. Donc, tu pourrais éventuellement la bloquer avec ta 5-3, mais c'est pas forcément worse pour toi. Non. Et en plus, quand elle meurt, elle te fait encore plus mal. Donc, oui. Limite, autant la laisser galoper. Ça, c'est utilisable de type éphémère? Oui. Juste par cause des... D'accord, ouais, c'est pas juste la mana. Bien sûr, c'est une capacité. À moins que ce soit. Non, c'est une capacité active. Vous pouvez la jouer en éphémère, mais n'importe quand. Tu me réduirais à néant. Après, là, il met combien? 5, 6, 5, c'est ça? En gros, il met 16. je viens de lire le pouvoir qui coûte 7 à Saïli. Mec, c'est abusé. T'as pas envie, quoi. Ah, mais c'est abusé, mec. Du coup, c'est pour ça que je comprends pas pourquoi c'est 18 là. Parce que si tu prends tout. Parce que oui, c'est vrai. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi c'est un plus 1 l'aspect de. C'est trop chelou. Ah, c'est ça, Ellie. En gros, tu mets 18 là, c'est ça. Tu tankes comme un grand ou pas? Tank. Ouais, je tank. Vas-y. Oh, vas-y. Vas-y. Okay. Et on va peut-être révéler une carte beaucoup plus vite que ce qu'on ne pensait. Bien joué. Du coup, il se passe rien, moi. Tu veux y en vrai, effet, en vrai tu veux un tips? Ah si, je joue le commandant sans payer le coup de mana. Donne-moi un tip. Le tien. Qu'est-ce que tu racontes? Bah, je joue un commandant, donc je prends celui qui n'est pas jouable. Je vais faire le moins. J'ai commencé. En vrai, fonce, il y avait un play. Vas-y. Le play, c'était de full. C'est trop tard, non. À toi. Ouais. Non, mais si, c'est intéressant peut-être. Oui, mais c'est le play, c'était de dire. C'est trop tard peut-être, ok. Le play, c'était de dire, tu bloques avec ta 5-3. Ça t'évite de te prendre 6. Ok, elle meurt.
Ouais. Et au tour d'après, tu casses ton mage, et du coup il peut garder qu'une seule créature. Vrai. Oui, c'est vrai. Mais bon. Mais c'est trop tard. Dommage. Non, parce qu'en fait, là, ce qui va se passer, tu vas voir. Regarde. Regarde bien. Allez, ton marais donc. La race absolument absente de Xari. Il m'a regardé. Je ne sais pas si c'est. C'est Magikarp. Bon, j'ai juste pioché Magikarp. C'est un saumon, il est génial celui-là. Il est génial. Il va peut-être te faire piocher le marais un peu plus tard, peut-être. Un saumon, mon préféré. Mais je suis refait. Non, par contre, en vrai. Non, en vrai, Xari était super sympa. Parce que ta merguez, là, elle est où? Ma merguez. Ta merguez 5-3, là. Celle de quoi, elle peut maintenant toucher Xari. Ouais. Oui. Et faire que tu as enfin ton général. Enfin oui, parce qu'il y a piétine. Tu piétines. Elle va me toucher, mec. Touche. Touche-le, mec. Il a 14 et à 7, hein. Il s'est peut-être permis ça aussi parce qu'il s'est dit bon. Je me suis permis surtout parce que je vais sacrifier ça et infliger si ça ton planeswalk. Ce que je peux faire, c'est que en vrai, je peux attaquer avec mon golem. Non, mais tu peux même toucher le joueur. Donc si je sacrifie ça, t'es à 1. Tu sacrifierais sur quoi? Grâce à quoi? On peut pas tout dire. Vous pouvez pas évidemment mettre du sacrifice gratuitement. Hein. Il faut quelque chose pour le. C'est chaud. Hein. Mais mec, t'es large, t'es à 7. Hein. Ça va. Bolos, vas-y, je c'est trop chiant. Mais du coup, si je golem de géode, on est d'accord ça, que. Ça arrive, ça. Derrière, je peux mage de l'équilibre, quoi. Après. Et même attaque avec ton ninja, peut-être s'il bloque pas et tu draws. Oui, en fait, de toute façon, ça revient au même, mais. Si, parce que là, il y a ça 2-3. De toute façon, tu vas die. Ah oui, il y a 2-3, j'ai pas vu. Ouais, c'est vrai, mais c'est trop tard, c'est engagé. Il a engagé la carte et il a changé d'avis. Non, bah écoute, je t'attaque avec le golem de géode. Allez. Ok, je prends. Alors, tu prends 5, ils arrivent et passent à 9. En fait, vu qu'il s'il fait le truc, autant que je bloque un dégât. En vrai, oui. Limite, même aussi avec la 2-3. Et limite même, puisque la 2-3 a boosté la 1-1. Bah tu me tues en fait. Non mais... Non. Bah en fait ça change rien. Ouais si, parce qu'en fait il peut garder une carte de plus. Bon jouez. Ah mais si en fait, si je fais... Laisse les jouer. Si je bloque comme ça et comme ça, il me touche pas. Je crois qu'il te touche quand même. Elle file 1. Bah elle file combien? Elle file plus 1 plus 1. Elle file plus 1 plus 1. Enfin, le mec qui pardonne. Oui, c'est vrai. Allez. Okay, on fait ça, donc c'est nickel. De toute façon, j'aurais pas joué mon commandant. De toute façon, t'es mort. C'est tranquille. Tranquille, ça va. C'est tranquille. Pas le faire, non, en vrai, je suis très très bien là. On dirait pas, mais je me dis. Là, j'engage une plaine et une île. Mm-hmm. Ce qui fait que ça va me permettre de complètement pouvoir. Non, je dois engager tout ça, ouais. 2, 3, 4. Puis je vais jouer celle-là. 5. Puis je vais faire en fait juste le match de l'équilibre. Okay. Donc sacrifier le match de l'équilibre, donc je le sacrifie. Ouais. Chaque joueur choisit un nombre de terrains qu'il contrôle égal au nombre de terrains contrôlés par le joueur qui en contrôle le moins. Qui donc en 4. Contrôle le moins. Toi 4. Donc c'est toi. Le pauvre, même sacrifier ses terrains. Sacrifie tes terrains d'étape. Ça donc, c'est pas tous les terrains. Engagé, je veux dire. Non. Oui. Donc 4. Donc moi en gros, faut que j'en sacrifie jusqu'à en avoir 4, c'est ça? Ouais. T'as joué un terrain ce tour-ci ou pas? Ouais. Ah, grave erreur. Tu peux le jouer après. Ah non, j'ai. Non, t'as pas joué. Non. T'avais joué de toute façon. Hop. Et puis ensuite, les joueurs se défaussent de cartes et sacrifient des créatures de la même manière. Donc. Xari, il y a une carte, on a combien? Moi j'en ai. 2, 3, 4, 5. Oui, mais gros, de toute façon, c'est la seule solution. Moi j'ai perdu le tour prochain. Qu'est-ce que je vais faire? Moi je vois ça et je suis. Tu vois, j'ai l'impression d'être complice d'un donc là, tu dois défausser de toutes tes cartes. 2-4. Vas-y. 2-4. Attends, il m'a dit que Magikarp était pas immonde. Ok, il y a pas de tous. Mais de toute façon, gros, t'as juste 12. En fait, non, c'est sûr. De toute façon, que je fasse ça ou pas. Non, mais fais-le, okay. Et après, j'ai juste explosé. Ok, donc là, je défausse 4. Ensuite, les créatures. Donc, moi, évidemment, je vais envoyer celle-là. Puis je vais t'infliger 6 dans la tête. Voilà. D'ailleurs, du coup, il reste ton ninja. Pourquoi? Parce qu'en fait, justement. Il faut commander un chacun. C'est le seul truc qui fait que tu sacrifies pas. Exact. Et au prochain tour, le dragon. Donc toi, tu prends 6. De Xari. Oui, tu prends 6. Xari pense à 1. Est-ce qu'on peut arrêter les frais, s'il vous plaît? Ça me fait mal pour Ponce. On prend et qui a tout donné. Attends. Xari, vas-y. Parce que là, pour 1, tu peux même pas jouer ton saumon. Exiler le permanent non terrain ciblé. Exile le joueur ciblé. Vas-y. J'exile donc l'embrasseur. Ok, vas-y, montre-moi la carte. Non, mais c'est 1, du coup, je vais sacrifier ça. Puis je vais exiler un truc pour piocher 1. Voilà. Allez. Bravo. Attends, laisse-moi attaquer. Regarde-le, il peut juste me mettre 14. Bah, TSL, on joue. On joue. Ok. Techniquement, Ponce a le droit de concéder à n'importe quel moment. Et c'est vrai. J'attaque. Mais non. Voilà. Eh bien, en fait, je bloque. Parce qu'en fait, le ninja peut parfois, un tour sur deux, sauter. Bien joué, Oxar. Bien joué.
Ah, c'était compliqué pour la performance. Effectivement, parce que tu l'as laissé installer des artefacts. Ouais. Mais je pouvais pas faire autrement. Tu l'as laissé. On t'a vu, tu as dit vas-y, passez. En vrai, j'ai rien pour tuer ces artefacts. Et t'as de la chance, j'ai même pas sorti une seule carte de mon top 10. Ah, j'ai oublié de tuer. Non, c'est vrai. Ah ouais ? Ouais, j'ai pas sorti une seule carte de mon top 10. Imagine, il a fait un top 10, c'était quoi ? C'était pas la dernière fois, c'était l'avant-dernière fois. Ouais. Les rediffusions sont sur YouTube hein, de le stream. C'est vrai que j'ai fait un top 10, j'en ai pas sorti une. Imagine si je l'avais touché. Mais c'est vrai que la créature 6-6, qui fait que quand elle meurt, t'inflige 6, et vu que tu me la sacrifies, je suis en mode bah yes, bah je t'inflige 6. Ah ouais, mais en fait, quoi qu'il arrive, je me prenais 6. Oui, oui, t'étais mort. T'es blessé en fait. T'es mort, petite merde. Et si on vous disait que la carte exclusive qu'on a révélée est justement artefact. Un artefact. Non, sérieux. World Premiere. Alors, est-ce qu'on peut afficher la première image? Est-ce qu'on est à peu près bon dans le... Impeccable. Wow. Alors, wow. Je vais commencer. Ah, c'est qu'on voit pas le fait que ce soit édition. Non. Wow. Wow. Tranquille. Heureusement que c'était pas la suivante. La suivante, non. Ah, wow. Mais ah, qu'est-ce qu'il fait? T'es en diaporama ou quoi? Si t'es en diaporama, bah toutes les 5 secondes, tu reviens en arrière. Pour qu'on... Bon, on voit pas parce qu'il y a ma gueule dessus, mais vous vous doutez qu'évidemment, c'est l'édition de base 2020. Puisqu'un peu comme les FIFA, eh bien, on a à chaque fois un an d'avance quand on parle d'édition de base. Depuis déjà un moment. L'édition de base, qu'est-ce que c'est ? C'est une édition de 250 cartes environ, je crois 280, peu importe, qui, en version physique, sort le 12 juillet. C'est le jour de la Saint-Olivier, voilà, pour vous rappeler. Et il y a 21 ans, on gagnait la Coupe du Monde de 98, pour info. Donc c'est facile à retenir. Ça, c'est la sortie version physique. Mais, une semaine avant, il y a les AP, ce qu'on appelle donc les avant-premières, les 6 et 7 juillet, donc le week-end, où vous pouvez donc jouer en format pack et scellé, c'est-à-dire qu'on va vous donner 6 boosters et vous allez faire votre petit deck avec, deck de 40 cartes. Vous pouvez du coup venir même sans avoir de cartes, ça c'est plutôt cool. Donc vous pouvez faire votre petite démo sur MTG Arena, apprendre un petit peu à jouer à Magic et venir le jour des avant-premières. On vous passera des terrains, on vous donnera des boosters, etc. pour que vous puissiez faire un deck. Donc ça c'est cool. Si pareil, si vous n'avez pas joué depuis très longtemps, que vous n'avez plus de cartes, vous pouvez faire les AP. Alors vérifiez quand même qu'il y a encore de la place hein, parce que ça se remplit vite. Donc vous regardez un petit peu quel est le magasin local le plus proche et ensuite vous pouvez le contacter pour vous réserver vos AP. Et exceptionnellement, alors que normalement ça a toujours été à partir de samedi, eh bien le 5, donc le vendredi, les avant-premières seront ouvertes dans certains magasins. Donc pareil, encore une fois, contactez votre magasin local à partir de 15h. Moi, personnellement, je sais que je serai dans une avant-première à 15h à ouvrir les nouvelles cartes de l'édition. Tu seras où, toi ? Avec grand plaisir. Je serai à mon ancienne boutique, donc Magic Bazar, à Paris. Donc, on peut te retrouver là-bas si on veut signer des autographes. Si tu vois, si vous voulez faire signer vos plates, etc. Effectivement, okay. je serai là-bas. World Premiere. L'Open House, qu'est-ce que c'est ? Parce que c'est quand même une semaine avant. Qu'est-ce qui se passe une semaine avant ? Ils ont quand même bien fait les choses. Pour ceux qui, justement, n'auraient pas de cartes, etc. et se disent, ouais, mais commencer par une AP directement, est-ce que c'est compliqué ? Eh bien, vous pouvez aller une semaine avant dans vos magasins, pareil, vous vous renseignez pour être sûr qu'ils le fassent, au moins le dimanche notamment. Open House, Magic Open House, ça veut dire que vous allez arriver et que dans la limite des stocks disponibles, on va vous donner des cartes, un mini deck en fait, voire deux mini decks de 30 cartes. On va vous apprendre à jouer et vous repartirez avec une carte promo s'il en reste, encore une fois. Donc, deux semaines avant la sortie, une semaine avant les avant-premières, vous pouvez aller dans vos magasins pour récupérer des cartes gratuitement et apprendre ou réapprendre à jouer à Magic. Ça, c'est quand même plutôt cool. Et en version digitale maintenant, donc Magic Online, on ne parlera pas trop, mais surtout MTG Arena, évidemment, c'est un très très bon moyen, puisque c'est, notamment il est gratuit et qu'il a été vraiment très bien pensé pour pouvoir se mettre au jeu ou se remettre au jeu. Eh bien, c'est le 2 juillet, donc 10 jours avant la sortie des cartes version physique, vous pouvez aller sur MTG Arena. Les précommandes sont déjà ouvertes, hein, on en a parlé tout à l'heure, Max et moi avons fait les Yankly, et pour $50, on a précommandé 50 boosters de la nouvelle édition, qu'on pourra donc ouvrir le 2 juillet. Mais j'aurai la chance de faire partie de ceux qui sont qui ont été sélectionnés dans le programme. Des streamers qui peuvent l'ouvrir à 17h. Et voilà, des streamers. Belle. En fait, certains de vos streamers préférés peuvent, un jour avant, donc le 1er juillet à partir de 17h heure française, auront accès à l'édition de base en entier et pourront faire des paquets scellés, pourront jouer en standard avec cette édition-là et tester évidemment le nouveau Mulligan. Le mode Mulligan qu'on a fait tout à l'heure. Mais ça, tu vas pas pouvoir ouvrir tes cartes non. À toi. Tu seras sur un compte spécial. Je serai sur un compte spécial et du coup, sur ma chaîne, je pourrais vous montrer les cartes. Et en fait, ça permet de faire que on peut voir quels sont les prochains decks en standard. Et est-ce que cette carte-là est bien à crafter ou pas parce qu'elle est bien dans un jeu ou pas. Ouais, non mais c'est. Donc c'est plutôt cool. Image numéro 2, s'il te plaît.
Chandra. Voilà, c'est la première carte qui a été révélée de l'édition, parce qu'en fait, comme vous pouvez le voir, effectivement, comme vous pouvez le voir, Chandra sera donc la planeswalker de feu, la pyromancienne sera au cœur de cette édition. C'est vraiment une édition qui fait un hommage à Chandra. Et elle a trois versions de sa carte, une version unco, une version rare et une version mythique. Là, je vous ai montré évidemment la badass, qui est donc, on va la commenter ensemble. Un planeswalker pour 6, c'est un peu cher, mais déjà, elle ne peut pas être contrecarrée. Donc déjà, ferme-la quand elle arrive. Ça, c'est évidemment, pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait autour de Chandra? Enfin, je sais pas si c'est pour ça ou si c'est une conséquence, mais la série Netflix Magic sera également tournée autour de Madame. Oui. Alors, en fait, effectivement, Netflix, avec les frères Russo, va faire une série animée sur Magic très bientôt. Enfin, ils l'ont annoncé maintenant, donc je pense qu'elle n'est pas sortie tout de suite. Ça mais doit sortir en 2020. La seule image... Et du coup, édition 2020, Chandra, Magic, 2020, c'est super Netflix... La première image qu'on a, c'est une image de Chandra. Donc, elle tournera notamment autour de Chandra. Donc Chandra, fournaise éveillée, donc bah, elle est chaude, hein, comme on dit. Yes. Elle arrive avec 6 marqueurs loyauté, ce qui est vraiment très fort. Son plus 2. Est-ce que Ponce, tu veux nous lire je l'image. Alors le plus 2, c'est chaque adversaire gagne un emblème avec... Au début de votre entretien, cet emblème vous inflige une blessure. Qu'est-ce qu'un emblème ? Un emblème, c'est un truc qui est à côté du jeu et qui ne bouge pas jusqu'à la fin de la partie. Il est exactement dans la zone des commandants, en fait. Il est dans la zone D'accord. de commandement. Donc c'est une zone, en fait, qui est intouchable, entre guillemets. Donc votre adversaire ne pourra pas, à moins de concéder, ne pourra pas se séparer. Il aura vraiment cet emblème jusqu'à la fin de la partie. Et du coup, à chacun de ses entretiens, donc au début de son tour, il va prendre une blessure. Voilà. Mais ça veut dire que vous pouvez le faire aussi une autre fois. Donc il peut avoir deux emblèmes. D'accord, donc ça, voilà, donc dans 20 tours, t'es mort. Mais tu vois, ça aussi, ça met plus 20 tours. Et le fait d'avoir plus 2, ça veut dire que... Après, toi, tu l'as aussi l'emblème, donc elle te met aussi des dégâts. Non, c'est que ton adversaire. Ah non, non, c'est chaque adversaire. Ah, c'est chaque adversaire, je crois que c'est chaque joueur. Chaque adversaire, tu joues à 4. Tu te fais 3 bons potes. Tu mets une cloque sur chaque. Ah, dégueu. Ok, pas mal. Mais pourquoi plus 2? Et du coup, plus 2, en plus, ça veut dire qu'elle a 8 marqueurs loyauté bonjour pour la tuer. Ok. Si on n'a pas envie de faire ça, on peut faire le moins 3. Mettons qu'on soit un peu derrière, parce que ça, c'est bien quand on est devant. On est devant, on dit, bon, allez, hop, je te mets un petit sucre là sur ta tête. Wow, et puis, le moins 3. Moins 3, elle met 3 blessures à chaque créature non élémentale. Donc, bah, elle rase un peu le board, parce que les élémentaux, il n'y en a pas non plus des milliards. Mais aussi la tienne, là, on est d'accord. Là aussi les tiennes. Mais comme tu joues un deck Chandra, en fait, même la version Unco, tu vas jouer des élémentaux. Ouais, tu joues quelques élémentaux, évidemment, bien placés. Et donc, ça peut être sympa. Donc, elle peut le faire directement, puisqu'elle arrive avec 6 compteurs. Et. Normalement, c'est un ulti. Enfin, généralement, les planeswalkers, c'est plus, un petit moins et un gros moins. Et là, même le gros moins, en fait, tu peux le faire dès qu'elle arrive. Parce qu'elle fait... Ponce, tu laisses lire. Le moins X, pardon. Chandra, fournaise, éveillée, inflige X blessure à une cible, créature ou planeswalker. Si un permanent ayant subi des blessures de cette manière devait mourir ce tour-ci, exilez-le à la place. Ah bah il s'est fait cramer, il s'est fait carboniser le truc. Quoi, c'est insane. Donc en fait ce qui est bien, c'est que si jamais t'as un board avec des bêtes, etc. Tu veux pas toucher tes créatures, tu peux aussi faire ça et dire bah tiens t'as 5-5 là, ton dragon, le dragon de Xari de tout à l'heure, hop, il se fait fumer. Il dégage et en plus il meurt même pas, il est exilé donc tu pourras même pas aller le rechercher. Voilà, donc ça c'était. Après l'ulti, je trouve pas si fort par rapport. Oui, mais c'est pas un ulti. C'est ça qui est fort. Ouais. C'est qu'en fait du coup elle arrive, elle peut pas être contrecarrée et elle a 3 capacités que tu peux faire. Donc c'est très très versatile. C'est soit je suis devant et je te mets un emblème histoire que tu meurs plus vite, soit je suis très derrière et je fais une sorte de vrasse, enfin, j'essaie de raser le board avec ça moins 3, soit j'ai juste un truc qui m'emmerde, soit un de tes planeswalkers, soit une de tes créatures et je fais le moins X. Et après, au tour d'après, tu peux refaire les plus 2, évidemment, pour pouvoir regrimper. Donc, un planeswalker qui est fort sympathique. Mais il y a un autre planeswalker qui a été révélé, alors qui, du coup, est vraiment à l'opposé, parce que là, on est vraiment dans une sorte de rouge, je veux te faire perdre des points de vie. Hein. Je l'aime bien. Est-ce qu'on peut passer à l'image numéro 3 ? Adjani, force de la bande. Oh, c'est Isabelle. Isabelle, effectivement, qui revient en forme de chat. Et qui... mais c'est le premier à la faire sur Terre, et c'est ça qui est bien. Full poil. Alors, donc, elle arrive avec 5 marqueurs loyauté. Voilà. Il arrive sur un 5ème. Adjani. Donc, déjà, arrive avec 5 marqueurs pour 4, c'est vraiment très bien. Plus 1, je te laisse lire, réponse. Ouais, vous gagnez un nombre de points de vie égal au nombre de créatures que vous contrôlez, plus le nombre de planeswalkers que vous contrôlez. Donc, déjà, il y a un planeswalker. Déjà, il y a au moins lui, c'est sûr. Et ensuite, le nombre de créatures que vous contrôlez. Donc, ça met plus 1 sur le planeswalker. C'est pas mal du tout. Hein. C'est pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal le fait tout. De pouvoir mettre plus 1, donc ça veut dire qu'il est à 6, et pouvoir gagner au moins un point de vie, voire, j'imagine que dans un deck comme ça, vous avez au moins 2-3 bêtes, et pourquoi pas un planeswalker sur la table. Je pense que ça peut facilement faire gagner 2-3-4 points de vie. Donc c'est vraiment plutôt sympa. Bah, en fait, c'est marrant parce que c'est un bon moyen de se maintenir en vie, mais ça maintient aussi en vie ton planeswalker, donc c'est quand même des barres, quoi.
c'est ça. Genre, c'est... Ah mais Gianni, il est plutôt cool à ce niveau-là. C'est totalement débarre. Que débarre, quoi. Non, faire moins deux. Que fait le moins deux? Alors, le moins deux, crée un jeton de créature 2-2 blanche, chatte et soldat, appelé frère de bande d'Adjani, avec, donc, à chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur le frère de bande d'Adjani. Voilà. D'accord. En vrai, ils avaient déjà fait une créature qui s'appelait frère de bande d'Adjani, et qui était une 2-2 pour 2. À chaque fois que tu gagnais des points de vie, il gagnait un marqueur +1/+1. C'est vraiment une très bonne carte. Très relou. C'est... Et là, du coup, en fait, il peut les pondre. Il peut dire, hey, les bros, là, venez m'aider un peu. Donc, en fait, pour moins 2, il va te mettre une 2-2, qui, à chaque fois que tu vas gagner des points de vie, oups, si par exemple tu fais le +1 au tour d'après, eh ben, tu vas le faire grossir. Putain, c'est insane. C'est vraiment très, très bien. Et ensuite, pareil, il a un ulti qui est un peu bizarre, parce que c'est pas vraiment un ulti, parce que tu peux le faire dès qu'il arrive. Alors, donc pour 0, donc ok. Si vous avez au moins 15 points de vie de plus que votre total de points de vie de départ, donc 35, ouais, bon. Oh, c'est chaud quand même. Et ouais, faut y aller, faut y aller. Mais bon, avec le +1, c'est possible. Exiler Adjani, force de la bande, hein, c'est ça, ouais, force de la bande, et chaque artefact et créature que vos adversaires contrôlent. Donc en fait, tu peux clean le board. Tu vois là, contre le père Xari, parce que non, ça ne passera pas. Jamais. Mais en tout cas, c'est une carte que tu pourrais mettre éventuellement dans le deck à Minatu. Clairement, parce que c'est un bon petit Planeswalker. Et que voilà. Donc voilà, ça fait partie. Alors en fait, il y aura 5 Planeswalkers différents. Il y a déjà les decks. J'ai oublié de dire ça d'ailleurs. Pendant l'open house, si jamais Magic vous a plu et que juste vous voulez vous faire kiffer, en plus d'être des mini decks gratuits, vous pouvez acheter exceptionnellement, parce que normalement ils ne seront pas encore sortis, des decks de Planeswalker de la nouvelle édition, de l'édition de base. Okay. Dans ces decks de Planeswalker, c'est 60 cartes. Vous pouvez déjà jouer avec. Il y a un booster au lieu de deux habituellement, mais du coup, ils sont un peu moins chers. Et donc, il y a Adjani, mono blanc. Alors, c'est un nom chinois pour et un Planeswalker qui est assez inconnu pour la bleue. J'ai plus son nom, je suis désolé. Okay. Chandra. Chandra, évidemment. Vivienne. Oui. Pote Vivienne. Vert. Pour le vert. Vivienne. Et Sorin pour le noir. Sorin qui aime bien les vampires, notamment. Mais du coup, c'est très peu, en fait, 5 Planeswalker, parce que alors, sur l'édition d'avant, évidemment, il y en avait 12. D'habitude, il y en avait des Planeswalker, il n'y a jamais une édition avec plus que 6 Planeswalker, normalement. Normalement, c'est 2 Planeswalker par édition. C'était exceptionnel. Et c'est très bien. War of et là, ils ont dit, vas-y, on met tout, on met des Planeswalker rares, même des Planeswalker Unco, on se fait kiffer. Et en tout, en comptant les Planeswalker des decks de Planeswalker et la Biobox, il y avait 39 Planeswalker dans cette édition. Trop bien. Mais c'était... C'est une spécial. Fois par an, quoi. Okay. Même, c'est une fois par vie, à mon avis. On en aura plus depuis très longtemps, des éditions avec autant de Planeswalker, je pense. Ouais, je pense, ouais. Alors, peut-être que maintenant. Faut jamais dire jamais. Hein. Faut jamais dire maintenant. Bon, là, du coup, il y aura les 5, plus les 5 dans une version un peu moins bien, mais plus simple à jouer, donc dans la version deck de Planeswalker, plus 2 Chandra en plus. Donc, il y a de quoi se faire plaisir. Est-ce qu'on peut passer à l'image numéro 4? Oui. Voilà. Donc, ça, c'est pas du tout une carte qui est dans l'édition. C'est une carte qui en fait était sortie pour la première fois en épopée du Rosa, quand j'ai commencé à jouer à Magic, c'est-à-dire il y a 22 ans. Ça ne nous rajeunit pas. Qu'est-ce qu'elle faisait, Ponce? Donc l'élu de Titania. Non, Titania, pardon. C'est une créature elfe et archer, et c'est une 1-1 qui coûte 3, donc cher pour une 1-1 quand même. Mais son effet, c'est qu'à chaque fois qu'un joueur lance un sort vert, mettez un marqueur +1/+1 sur l'élu de Titania. Alors moi personnellement, j'avais un deck avec Ruffalos notamment, la carte dont je tiens mon pseudo, qui jouait beaucoup de cartes vertes, et du coup cette petite carte pouvait m'aider à avoir une bête qui au début était 1 pour 3, mais qui au fur et à mesure grossissait, puisque je lançais évidemment plein de sorts verts par tour. Pourquoi je vous parle de cette carte? Eh bien parce qu'en fait, ils s'en sont inspirés pour faire le spoiler donc on va vous révéler tout à l'heure. Juste avant ça, en fait, la carte qu'on va vous révéler, c'est un mix entre Élu Titania et l'image d'après, qui est la Jument du Diamant. Jument du Diamant, qu'est-ce qu'elle fait? Créature artefact cheval. Tout à fait. Au moment où la Jument du Diamant arrive sur le champ de bataille, choisissez une couleur. À chaque fois que vous lancez un sort de la couleur choisie, vous gagnez un point de vie. Donc ça, c'était la carte de l'édition Magic 2009, donc l'édition d'avant, qui avait donc la particularité de pouvoir, quand elle arrive en jeu, vous choisissez la couleur que vous voulez, donc en fonction évidemment de votre deck. Donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez la jouer dans techniquement n'importe quel deck. Tous les decks, ouais. Et ça va vous permettre, à chaque fois donc, du coup, que vous lancez un sort de la couleur, de gagner un point de vie. Et du coup, si, je ne sais pas si ça vous le fait, mais moi, la Jument du Diamant, quand elle a l'espèce d'image où elle se retourne un petit peu, on a l'impression qu'elle cherche un petit peu son cavalier, elle cherche un petit peu son maître. Eh bien, ils l'ont fait un an plus tard. Voici notre carte exclue. Chevalier de Diamant. Wow. Un peu un mix entre les deux cartes que je viens de vous montrer. Puisque, donc ça, c'est voilà, World Première. Hein, je ne sais pas si on a le jingle, mais c'est vraiment...
Alors apparemment, elle a été tweetée. Elle a été tweetée il y a 2-3 minutes. Ah, on a eu un petit leak de notre part de la part de Sylvain. Bon, c'est, bah, c'est pas grave. Ça va vous faire donc une 1-1 pour 3 qui a la vigilance. Donc attaquer ne fait pas s'engager. Et au moment, donc exactement comme la jument, bah vas-y, je te laisse lire Ponce. Alors, au moment où le chevalier de diamant arrive sur le champ de bataille, choisissez une couleur. À chaque fois que vous lancez un sort de la couleur choisie, mettez un marqueur +1/+1 sur le chevalier de diamant. Donc en fait, c'est exactement la même chose, sauf qu'en plus, il y a la vigilance et que ça n'a pas de rapport avec le vert. C'est que ça peut être n'importe quelle couleur. Voilà, c'est ça. C'est exactement c'est ça. C'est un pur mélange. Ce on a le mix entre les deux. Sauf que donc, cette fois-ci, on peut même la jouer dans un jeu, bah, par exemple, mono-blanc, ça peut être sympa. Alors qu'on a Gérard Darmon qui vient de passer. Bref, donc on a sur un deck. Non, mais c'est pas des choses à vous dire. On a sur un deck. C'est vraiment Gérard ? Oui, mais fais gaffe, si ça se trouve, fallait pas le dire. Ah, ah merde. D'accord, non, bah, donc bah, vous n'avez pas un pote à moi qui sent vachement. Donc, le chevalier de diamant, dans un deck éventuellement Adjani, que je vous ai montré tout à l'heure, bah, vous dites blanc, Adjani arrive, vous gagnez des points de vie. Non, n'importe quoi, pardon, c'est pas celui-là. Je confonds avec la jument. Non, ça, ce qui est bien, c'est que donc, dans n'importe quel deck, vous pouvez avoir. Alors, évidemment, c'est mieux si vous avez un deck monocolore, comme ça, vous dites la couleur que vous jouez. Et en fait, vous avez une bête qui va grossir au fur et à mesure des tours, puisque donc, vous allez lancer des spells de cette couleur. Donc, on va être honnête avec vous, à jouer en standard, je ne sais pas si ce sera joué en standard parce que c'est un peu faiblard quand ça arrive, puisque c'est que 1 pour 3. Par contre, en limité, donc notamment si vous avez la chance de l'ouvrir dans vos paquets scellés d'avant-première, eh bien vous allez pouvoir éventuellement la jouer, puisqu'on joue généralement bicolore en avant-première, et du coup, bah, mine de rien, une carte pour 3 mana, ou même si j'avais un problème de couleur, vous pouvez la jouer, qui peut faire à la fois attaque et défense, puisqu'elle a la vigilance, donc elle attaque et ne fait pas s'engager, et qui va grossir au fur et à mesure, ma foi, ça peut être pas si mal. Et autre truc un peu notable, c'est un chevalier. Et il y a pas mal de cartes qui boostent les chevaliers. Pas forcément dans cette édition-là, mais dans le standard. Donc voilà. Alors je sais pas si ce sera jouable dans un deck chevalier. Sans doute dans l'édition de milieu. Mais en tout cas, il y a des choses qui peuvent fonctionner avec les chevaliers. Donc voilà notre première carte, qui est une Très bien. On espère que la prochaine fois, on aura la meilleure mythique du monde. Pour l'instant, on commence tranquillement c'est avec une petite Unko. C'est la première fois qu'on fait ça. C'est la première fois qu'on a une carte exclue. On est très contents. Ouais. On remercie évidemment Wizard of the Coast et notamment Nicolas Gabillon, le community manager de Wizard of the Coast France, pour nous avoir fait confiance et nous avoir passé cette carte en exclue à vous présenter sur le stream. Après, ce sont les cartes nulles qui font que les autres cartes sont fortes. Donc, voilà. Oui, bah, c'est bien dit. Non, parce que j'avais dit avant l'émission, bon, la carte, c'est pas la meilleure. On va essayer de donner des arguments et Zary a l'argument massue qui est de dire que c'est grâce à des cartes comme ça un peu en deçà des autres que les autres du coup deviennent plus fortes. Voilà, sûr. Ouais. C'est un peu une carte qui se sacrifie pour les autres et ça c'est quand même plutôt cool. Bon allez, game. Je te laisse jouer contre Ponce pour qu'il puisse gagner. Oh là, j'espère, je sais pas si t'auras le temps, j'espère que t'auras le temps de prendre ta revanche. Ponce. Je te roulais dessus en fait. Eh bien, je vais te coacher, mec, parce que t'en as bien besoin, grosse merde. Ah là, mais l'humiliation est la plus totale. Quel jeu tu joues? Mais il a jamais perdu ce deck. Je joue le Seigneur Vent des Vertus. Il a vraiment jamais perdu ce deck. Si, il a perdu quand toi tu l'as joué. Seigneur Vent des Vertus, c'est un chat. Serrez-vous la pince, messieurs. Ok, faites 10 pas en arrière. Retournez-vous. Il se met vraiment à côté de moi, ce chat. Bah je te regarde un peu. Alors t'as réussi à déjà changer les noms, ça c'est cool. J'ai pris les 7 cartes déjà. Voilà. Impeccable, c'est un boss. À savoir que ce format-là commandeur se joue extrêmement bien en multijoueur. À la base d'ailleurs c'était en format multijoueur. Alors vous avez plus que 20 points de vie, vous avez 40 points de vie. Peut-être que tout à l'heure on aura le temps peut-être d'en faire une petite partie. Ce serait des barres en vrai si on fait une partie à 3. Peut-être jouer l'un contre l'autre. Ouais déjà, tranquille. Déjà, volo. Mais ouais, je vais rejouer ce deck même si je suis pas, j'avoue, est-ce que tu veux tenter? Parce qu'en fait, on l'a très peu vu. Qui commence, le deck que j'avais joué la dernière fois, tu sais, avec les masques et tout, les enchantements. Non, il veut pas jouer ça, il va jouer son deck. En fait, j'ai jamais gagné avec ce deck, mec. Okay. J'ai jamais gagné avec Après, il va lire 3 fois les cartes. C'est celui-là le deck que t'as joué? Ouais. En émission, donc ça joue. Je vais le lire. Allez. Xari va essayer de masteriser un autre deck. Mais t'avais déjà joué. Il devrait être normalement simple pour lui de masteriser. C'est bon, je t'ai battu. Ouais. On nous dit dans le chat 100% Maxime a triché en prenant ses cartes. Je pense que c'est pas du tout le genre de la maison. Il me bat pas. 20! Ah oui, là, par contre, c'est peut-être une petite triche, c'est vrai que... Mais faut peut-être pas le dire cette fois. Ouais, faut peut-être... Ouais. Non, dis pas. Il y avait dis pas. Ah. Mec qui ressemble à... Oh, Dicap. Du cap. Exactement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9...
L'enfer. Donc là, j'ai droit à un mulligan gratuit. Mulligan. On fait le London Mulligan. Oh non. Non. Allez, c'est bien, tu vas voir. C'est génial. Ça chier. Le fais pas. Non, mais, mec, là, c'est un jeu. Enfin, c'est pas d'accord. C'est injouable, mais... relance. Bah, j'ai un jouable. C'est injouable. Okay, oui, tu mélanges tout. Allez. Quelques heures. Tu veux que je mélange peut-être. Tu mulligan, vas-y, j'ai mulligan aussi. C'est vrai, t'as pas une main terrible. J'ai une main qui est ok, le problème c'est en fait j'ai des trucs qui coûtent trop cher. Et ben, donc, tu vois, ça j'ai envie de dire chez. J'ai envie de dire chez à celui ou celle dans le chat qui t'a dit que tu devais tricher parce que t'avais pris ta main en avance. Je pense que s'il avait dû tricher en prenant sa main en avance, il n'aurait pas d'essayer de mulliganer. Non, en gros, c'était pour rire. Je pense que je t'encule. Voilà, tout simplement. La prochaine fois que tu me traites de tricheur, je te retrouve et je brûle ta famille en fait. Par contre, il y a Bastis qui dit que Maxil Dan est un BG. C'est vrai. Lui, par contre, ça c'est vrai. Je te refais ta maison. Voilà, je t'invite à bouffer. Il y a pas de. Et en l'occurrence, tu pourras du coup. Jamais tu me traites de tricheur, t'es malade ou quoi toi? Non, c'est pas un tricheur en vrai, Max. C'était une blague. Si un tricheur ici, c'est moi. Il avait même mis un petit smiley blague. Si un kappa, c'est ok. C'était pas un kappa, c'était un rond, deux points et une parenthèse. Je sais pas ce que ça veut dire. On dirait une auréole. Donc là, on est d'accord que je dois mettre une carte en dessous. Donc voilà, donc là, en fait, non. Alors, tu regardes ta main de cette carte. Vous avez bien pêché cette carte. Si ta main est vraiment aussi naze que celle d'avant, voire pire, tu peux essayer de refaire ça, de remulliganer, etc. Et une fois que tu seras à peu près satisfait de ta main, là tu vas mettre X cartes en dessous de ta bibliothèque. Vas-y, je pars sur ça. X est un nombre de cartes. Donc Max décide d'arrêter là, donc il va prendre une carte et la mettre en dessous. Moi j'arrête là aussi. Non, moi je garde tout. Et, et là je triche. Là je t'encule. Voilà. Il va mettre une carte en dessous. Donc en fait ce qui est bien c'est que ça donne un choix. Quel choix, quelle carte veux-tu mettre que en dessous? Je vais jeter. Oh. Ouais. Non. Je sais pas. Hop. C'est bon. Moi, je mets un truc en dessous là. Ouais. Vas-y. Non, mais je réfléchissais. Hop. D'accord. Allez. Tu m'as regardé avec une telle intensité. Ouais, tu me dis, il veut mon approbation. J'ai pas vu sa carte. Sous le deck, c'est ça? Ouais. Ça. Ah, tu l'as mis en 90. Je rigole. Vas-y. Je rigole. Allez, on est parti. De toute façon, tu vas sûrement changer. On y va. Allez, qui commence, c'est toi, Jean-Michel. Vas-y, ouais. Quand tu veux. Alors, pour ce premier tour, ça va être très simple pour moi. C'est que je vais mettre les profondeurs de Halimar qui arrivent engagées. Quand elles arrivent engagées, j'ai le droit de regarder les trois prochaines cartes de mon Zaik et de les mettre dans l'ordre que je veux. Et puis ensuite, c'est une carte qui était un peu frustrante parce que des fois, tu gardais en main avec juste ça et tu la jouais et tu révélais pas de terrain. Tu disais, bah. Ça va être une partie qui va être compliquée. Bah là, il y a. Je sais pas si ça te fait le même effet, mais effectivement, le fait que tu puisses pas remélanger fait que bah, tu regardes juste ton destin en fait. Là, tu regardes ton destin. Non, mec, c'est un destin, mec, mon pote. On est sur un destin de qualité. On peut gagner sans créature, tu penses du tout? Oui, sans problème. Parce que déjà, t'as ton Planeswalker qui va te permettre de faire des choses. Non, t'inquiète pas. C'est cool alors. En vrai, tu préfères. Ça arrive, je t'inquiète. On y va? Ok, ouais, vas-y. Je pioche. Il te faut plus, en fait, tant que t'as tes landes, tu vas avoir ton Planeswalker qui va te faire piocher, tu t'en fous d'avoir des terrains. C'est pas faux. Je pose une forêt. Forêt, on connaît, y'a pas de souci. Et j'utilise cette forêt pour évidemment avoir le plaisir d'avoir un mana vert et poser cette créature qui est donc un insecte au début de votre entretien. Si vous contrôlez au moins 5 terrains, mettez 4 marqueurs +1/+1 sur la foule de scalaire. Fin du buzz, je ne peux pas attaquer. Fin de c'est tour, la fin c'est du buzz pour ce tour-là, mais il y a un moment donné, ça va piquer. Où il va y avoir plus qu'un scarabée. Quoi. Ça va la buzzer. Violence va être réelle. À moi. Et là, la question, c'est qu'est-ce que je vais piocher? Oh, je sais pas, mon pote. Oh putain, je m'y attendais tellement pas, gros. N'empêche, ce land avec ce Planeswalker, il est bien. Ouais. Il y a évidemment, le Planeswalker de Ponce, vous l'avez pas forcément vu, c'est un Planeswalker qui aime bien savoir ce qu'on a au-dessus de notre bibliothèque. J'arrive, je mets les landes érodées. Elles arrivent sur le champ de bataille engagé. Érodées ? Oui, érodées. Elles me donnent un point de vie et puis ensuite ça devient un terrain qui me donne soit une plaine, soit un marais. Et puis je vais ensuite engager les profondeurs de Halimar pour jouer la carte la plus cheatée de l'histoire de Magic. Engage ma profondeur. Qui est l'anneau solaire. Ah oui ! Oh putain, oui, alors ça par contre. Ah oui, en fait, non, mais tu gardes tous les jours avec ça. Bon, oui, bah oui, c'est okay. Ça. Oh là là, le mal ! Alors, effectivement, alors attendez. Alors attendez, je vais retrouver et tu juste peux concéder peut-être. Non, parce que en vrai. Non mais gros. Mais Sol Ring, c'est une carte qui est absolument bannie en 1 contre 1.
Clairement. Si elle est dans ces decks-là, c'est que normalement, je vous ai dit, ils sont faits pour le multijoueur et que du coup, en multi, quand il y en a un qui la sort, il se fait un peu focus par les autres. Parce que c'est une carte qui était sortie au tout début de Magic, en alpha, bêta, machin. Black Lotus. Et c'est pas Black Lotus, c'est moins bien, mais ça reste quand même... Franchement, ça reste beaucoup trop fort. Insane, ouais. Oui, notamment en fait, dans un... parce que là, vous allez dire, bah oui, mais du coup, lui, son général, il coûte 3 manas de couleur, enfin, colorée. Enfin, mais en plus, il peut la jouer maintenant. Non, du coup, c'est pas. Oui, il peut même l'engager tout de suite pour avoir deux manas colorées. C'est vraiment. Mais en fait, là où c'est bien, c'est qu'en fait, ça permet de rejouer facilement le commandant, puisqu'on l'a dit, quand le commandant va va mourir, tu peux le mettre dans sa zone et le jouer pour 2 de plus. Et ça te fait 2 de plus, du coup. C'est pas mal. C'est un petit peu comme mon artefact, sauf que mon artefact coûtait 4, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà, et ça, c'était un artefact qui était équilibré. Là, on a un bon jeu, en tout cas, c'est équilibré avec le cul, encore, hein. Bravo. Eh bien, Max, tu peux y aller. Ouais, merci. Par contre, on est d'accord que c'est ajouté 2. Un color. On est d'accord. Ce que je disais. Ouais, évidemment, frère. T'imagines. Frérot. C'est un peu de la merde, en fait, cette carte. Franchement. En fait, on est d'accord que dans les decks-là, il n'y a qu'une seule carte de chaque exemplaire. Oui, sauf les terrains de base. It's a singleton. Singleton, exactement. Ouais, voilà, donc normalement, c'est interdit en duel commandant 1 contre 1. Là, comme ce sont des decks préconstruits, évidemment, vous pouvez la laisser. Et puis bah, vous allez voir à quel point c'est fort. Fin de tour ? Tu m'attaques pas ? Bah non. T'as pas de créature. Bah, vas-y. Et je précise pour ceux qui viennent d'arriver, donc les Planeswalkers, ils sont là, mais ils sont pas activés là. Ils sont juste dans la zone de commandement. Exactement. Mais ils sont pas du tout activés. En fait, ça me saoule que les gens posent la question. On va juste faire ça en fait. Et voilà, terminé. C'est vrai qu'on pourrait. Tu vois, donc là, les prochaines questions, ça va être. Mais qu'est-ce qu'ils jouent comme commandant ? Je ne vois pas. Ou tu sais quoi ? Mettez les grosses cartes peut-être, comme ça on voit qui... Ouais, non, laissons-les, ça va être la même question. Elles sont magnifiques, les grosses cartes. Tu pourras jouer la grosse carte quand tu la joueras. Enfin, comme ça, tu feras BAM ! BAM ! Et ben d'ailleurs, quand je vais la jouer, bah justement là-dessus. Oh là là, ça y est, justement, ça y est. Justement là-dessus ! Justement ! Non, attends, parce que je me tâte en fait. Allez, Nafis à tout. Mais gros, j'ai. Mettez-les au-dessus du deck, pire idée. au-dessus, d'accord, au-dessus. C'est bien, non, ouais. Ouais, je pense qu'il veut dire au-dessus physiquement. Ça, le pire truc, ouais, c'est au nord du deck, il veut dire. Non, mais je joue Nafis à tout, non ? Ouais, ça, tu crois ? En vrai, j'ai ça, gros. Fais voir. Ouais, à chier. Bah non, elle est pas à chier. Mais moins bien que Nafis à tout. Bon, allez, joue Nafis à tout. Nafis à tout, oui, mais attends, parce que on va faire un truc à 3 tout à l'heure, vous allez voir, ça va être sale. Et là, je mets donc Aminatou là-dessus qui arrive directement avec ses 3 chars. Ok, elle fait quoi ? Alors, pour plus 1, je pioche une carte. Vas-y. Et je remets une carte de ma main au-dessus. Donc, tu vois ce que je veux dire ? En gros, j'ai un contrôle permanent sur ce que je vais piocher. Ensuite, pour moins 1, j'exile un autre permanent ciblé que vous possédez, puis renvoyez-le sur le champ de bataille sous votre contrôle. Ok. Donc, t'as compris ou pas ? Indice, si tu veux 4 mana, tu engages ton seul ring. Tu fais son moins 1, il revient, tu reprends 4 mana. Ouais, mais 4 mana, un color. Mais oui, mais tout à fait. Par exemple. Et puis ensuite, l'ulti, choisissez gauche ou droite. Donc un parti politique, c'est très politisé. Chaque joueur acquiert la carte du parti de votre... Non, chaque joueur acquiert le contrôle de tous les permanents non tellement terrain autre que Nafis Atou. Contrôlé par le joueur. En gros, ce qui m'embête, moi, bon, c'est que ça fait quand même. Alors, ça fait que c'est gauche ou droite. Mais chaque joueur acquiert le contrôle de tous les permanents de mon terrain, autre qu'Aminatou, la faceuse de mes couilles, ok, contrôlé par le joueur suivant dans la direction choisie. D'accord, donc en fait, on redistribue les boules de Maxilan. Aucun intérêt en 1v1, puisque bah, en fait, la direction ce sera forcément moi. Oui. Et du coup, j'ai le contrôle de tous les permanents. En gros, les gars, vous échangez tous vos permanents mon terrain. Voilà. Donc ça fout la merde. Ça fout grave la merde. Donc imagine, toi, tu remplis un board et moi non, bon. Et en plus, si jamais Aminatou est encore là, regarde son moins 1. Je vais lui brûler sa grosse gueule. Son moins 1 permet en fait de virer un permanent et de le mettre sous contrôle de son propriétaire. Donc là, on voit bien la différence entre propriétaire et contrôleur. Contrôleur, c'est quand vous avez la carte sous votre contrôle à tout le monde dans la partie, ça peut être votre adversaire. Le propriétaire, c'est celui qui a commencé le jeu avec cette carte dans sa bibliothèque, en l'occurrence toi. Donc ouais, ça peut être un peu pénible. Et donc du coup, j'étais à 3, je mets un plus 1 quand même pour monter à 4 pour piocher. Vas-y, pioche. Je pioche. Mais c'est pas possible. Juste et puis là, je vais. J'ai pas vu une carte. T'inquiète même pas. J'ai pas vu. Allez, mon ponce. Et puis, je vais remettre ça sur. C'est du DC, ils font du duel commander, sauf qu'ils jouent avec des préconstruits, du coup, il y a des sol rings. Alors. En gros. Ok. Ok, bah les couilles. Alors,
Je peux faire ça, 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 je m'en fous un peu. Donc pour le moment, je pense qu'on va tout simplement poser ça. Ça me stresse. Ouais, il m'a l'air pas mal ce petit deck. Bah. Ouais, ça fait des trucs vraiment sales. Bah, vraiment sympa. Pas fou, pas fou. Mais... Vraiment sale, t'as dit ? Ouais, je me suis rattrapé. Vraiment sale. En fait, le truc, c'est que j'ai pas envie de vous éclater en 1v2 avec le deck rouge. Donc je vais sûrement. Ouais, mais en même temps, si. En vrai, si. 1v2, on va juste ça veut dire que tu vas être. Un non mais, 1v2, enfin, je vais tuer Ponce au deuxième tour et Mac. Okay. Mais ça donne presque envie de le faire. Hein. Je mets un affiche à tout. Non, mais je vais jouer ça, comme ça on l'aura pas vu. Ouais. Ok. Même si je vais. Fin de tour. Non. Non, je déconne. Et Nafisatou, Nafisatou. Hop, ça arrive à engager. Ponce, si je peux me permettre, peut-être pioche avant de faire quoi que ce soit. J'ai pioché. Oui, pardon, avant de faire quoi que ce soit, fais peut-être son plus 1. Pour, je vais peut-être faire, ouais. Oui, c'est parti. Oui, on sait jamais si j'ai une carte à jouer. Si t'as un autre land, etc. Je suis un peu con, mais je pose la question quand même. Vas-y. Ma vallée forestière, quel est l'intérêt de son pouvoir? Parce qu'en gros, si je la sacrifie, et que j'attends que je la sacrifie, je peux aller chercher une montagne ou une forêt et la mettre sur le champ de bataille. Ça cycle. Donc, imaginons que tu n'as que des montagnes. Sauf que c'est déjà une montagne-forêt. Non. Ah non, ça ne t'ajoute pas de mana. Oui, ça n'ajoute pas de mana. Non, c'est de la. Oui, c'est pas un terrain. C'est écrit terrain. C'est un terrain qui n'ajoute pas de mana. C'est un terrain. J'aurais dû le faire là, du coup. Oui, mais tu peux le faire quand tu veux. Ah non, c'est engagé. Non, c'est pas engagé, donc tu le fais quand tu veux. Elle est engagée. Ouais. Donc tu l'as laissé engager quand elle est arrivée. Oui, c'était au tour d'après. Oui, ok. Et là, à n'importe quel moment, tu dis je vais chercher dans ma bibliothèque. Je vais chercher dans ma bibliothèque. Maintenant, on s'en fout. Attends, oui, juste oui. Un truc. C'est montagne, c'est forêt. Je sais pas si c'était des vrais bilands. Je crois pas qu'il y en ait dans ce deck. Enfin, les vrais bilands. Ah, des bilands. Ceux qui a écrit montagne. Par contre, la mets pas dans ton. Mets dans ton cimetière. Pardon. En plus, ça va te servir d'avoir des cartes dans ton cimetière. Donc là, essaye de voir si t'as pas une carte qui est à la fois montagne et marais, genre. On va voir. Mais ça. Je suis pas de merde. Persuadé. Bon, du coup, juste, vas-y, joue, parce que sinon, j'ai joué, c'est bon, moi j'ai engagé absolument tous mes terrains pour avoir assez de mana pour faire Nuit Incarnée, qui est une 3-4. Oui, c'est des fetch qui sont beaucoup moins bons, mais qui ont l'avantage d'être unco, et du coup d'être plus facilement mis dans des decks planeswalkers. Évidemment, ce sont pas. Et au moins, il perd pas un point de vie. Alors, donc t'as fait Aminatou. Alors, est-ce que tu peux me montrer le. C'est quoi ta carte? Nuit incarnée. C'est une 3-4 contact mortel. Quand elle quitte le champ de bataille, toutes les créatures gagnent -3/-3 jusqu'à la fin du tour. Donc, ça peut faire un petit clit, quoi, très sympathiquement. Et puis, en gros, là, je l'ai mise sur le terrain. Mais j'aurais pu ne pas la mettre sur le terrain et jouer pour son coup d'évocation. Et vous pouvez lancer ce sort pour son coup d'évocation. Si vous faites ainsi, il est sacrifié quand il arrive sur le champ de bataille. Donc ça aurait pu me permettre de mettre -3/-3 à tout le monde d'un coup. En gros, c'est ça. Exactement. Pour moins cher que simplement tout à la fait, poser. Tout à fait. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'encore une fois, avec le -1 d'Aminatou, tu vas pouvoir faire son effet si tu veux. Enfin, pas là, évidemment, ça n'a pas intérêt. Mais enfin, si ça a un intérêt, tu peux tuer sa bête éventuellement. Mais bon, maintenant, t'as pioché, c'est trop tard. Regarde le -1, ce qu'il fait d'Aminatou. Oui, je pourrais l'exiler pour faire -3. Du coup, elle quitte le champ de bataille. Oui. Et du coup, boum. Quel deck de mort, il n'y a pas de bilan de... Ouais, mais bon, bah oui, il aurait fallu peut-être l'améliorer là-dessus. C'est pas grave, prends... Je vais prendre autre chose, c'est pas grave. Ça ressemble à de là. Ça ressemble à là, tout à fait. Par exemple, au prochain tour, au lieu d'attaquer, si je veux clean et que j'ai que ça, je fais un petit -1. Oh, mais tu peux même le faire après avoir attaqué. Ouais, mais... Hop, tu mets tes petits points. Ouais. C'est fort ça. Ouais. Ça peut faire des choses. Non, mais il est sympa. Il est, en fait, voilà, il est plus lent. Il est vraiment plus lent que mon deck. J'ai 11 mana tour 4. Mais il est lent, mais ça va. Non, mais... C'est ton top 10 là? Non, je suis juste en train de dire. Il fait déjà son top 10. Son top 10 de chaque deck. Allez les gars, on en est où là donc, Moi je suis prêt, c'est bon. C'est bon, c'est à toi. Ouais, c'est à toi. Tu m'attaques pas? Ok. Bah, je non. Au tour. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a chopé? On a chopé ça. Ponce a pris, c'est marrant ça. Ponce a pris 1, mais il a gagné un point de vie. Non, j'ai pas pris 1, c'est Aminatou. En fait, la toute première fois, il t'avait mis 1. Ah, okay. Mais t'avais gagné un point de vie grâce à ton truc. Non, je crois que je suis bien au niveau des points de vie. Alors. Je crois que je suis pas mal. Oui, ça a fait plus 1, moins 1, quoi. Moins 1 plus. Dégage sa foule, le scalaire, pendant qu'il réfléchit. On a une musique épique là. Qu'est-ce qu'il va nous faire, Max?
Tadam ! Qu'est-ce qu'il met ? Comment ça s'appelle ? Sinistre forêt sauvage. C'est un terrain neutre. Voilà, Osef. Non, ce qui est vraiment drôle... Osef, mais t'es mort. Ce qui est vraiment drôle, c'est juste que je vais jouer... Pour 3. Pour 4. Pour 4, comment ça s'appelle ? Détruisez la... Décimation. Oh, décimation qui dit ? Ah, trop chiant. Détruisez l'artefact ciblé, la créature ciblée et le terrain ciblé. Hop. Stop, arbitre, judge. Quoi, judge, oh, dégage. Il faut que tu aies toutes tes cibles valides quand tu le joues. Eh ben. Il en manque une. Mais quoi ? Mais non, l'enchantement. Ciblé, il n'y a pas d'enchantement. Il y a aussi enchantement. Artefact, créature. Enchantement, terrain. Je suis désolé pour l'ascension émotionnelle que je viens de t'infliger, gros. Mais c'est une carte de merde. Bah, ça va, oh, mec. Ça va, pas chier, gros. Ça gère 4 trucs pour 1. Pour mais oui, mais du coup, il a juste à jamais jouer d'enchantement et elle toi, est pas jouable. Tu pourras en jouer. C'est une carte morte dans toi, ma main. Toi, tu pourras en jouer. Putain, c'est de la merde. Non, c'est pas de la merde, mec. C'est de la merde. Mais là, mais gros, con. Mais là, ça serait beaucoup trop fort. Si là, déjà, j'étais en train de me dire, mais what, pour 4 ? Ok. Pour 4, il me. Ok, il me détruit le truc. Gros. Donc pour information, quand vous avez une carte comme ça, vous devez, parce qu'il n'y a pas marqué jusqu'à, donc vous devez, quand vous, si vous voulez la lancer, avoir les 4 cibles. Par contre, si en réponse, donc vous faites ça, si en réponse tu dis, je sais pas, mon enchantement est inciblable ou je le renvoie en main, il va quand même se résoudre au maximum de ses capacités. Aïe aïe aïe. Alors, je vais donc jouer végétation explosive, puisque tu veux pas. En vrai, c'est mieux, je pense. Je vais quand même t'enculer, vas-y, d'accord. Vas-y, vas-y. Végétation explosive qui dit tout simplement que je vais aller chercher... deux cartes terrain de base, les mettre sur le champ de bataille engagé et mélanger ma bibliothèque. J'avais peur que t'aies pas assez de marais. Normalement, ça devrait. Oh, ça va le faire là quand même. Parce que du coup, je vais aller chercher quelques petits marais. Voilà. Et donc, du coup, mettre ce que je veux, on est d'accord. Hein. Bah, que des terrains de base. En sachant que de base, j'ai quoi ? J'ai ça. Bah, déjà, on va un prendre. Marais, ça me paraît évident. Marais, après, ça me bien. Après, on va. Sachant entre une montagne ou un marais, je te laisse voir. Pensant là, peut-être tu peux y aller. Ouais. Ok. Allez, allez, pompon, allez. Allez, allez, c'est allez. C'est le pompon sur la Garonne. Allez, c'est allez, ton tour. C'est ma game. Mais en plus, je sais ce que je pioche vu que j'ai fait Nafissa. Eh bah, tu le refais. Nafissa, tout, vas-y. Non, parce que non. Ouais. Alors attends, juste. Je sais pas si je dois te le dire. Quoi ? Regarde bien ce qu'il y a en jeu. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bah, là, je vois juste une foule. Attends, parce que deux secondes. Il se passe des trucs. Parce qu'en fait, c'est pas fini là. Ah bon ? Et c'est fini. Ça s'active. Non, c'est à l'entretien. Ah, c'est au début. Ok. Oh, vas-y, je dis rien, vas-y, pense. Je joue, pioche, fais ta vie, fais ce que tu veux. Oui, non, mais je sais que je peux tout à fait faire un moins 1, tac, comme ça, au moins je clean ça. Et, hop, ouais. Et par contre, elle aura le mal d'invocation si je fais ça. Ah, c'est pour ça que tu peux attaquer avant. Je sais pas pourquoi tu attaques avant tranquillement. Oui, deuxième oui. Passe principale, tu feras ton truc. Mais tu peux aussi essayer de piocher. En fait, en vrai, si t'as besoin de land, pioche. C'est juste que ça bête. Je dis rien. Oui, non, mais bien sûr qu'elle est chiante, mais je sais lire. Tellement. Je dis mec, je sais lire. Au début, j'ai absolument pas parlé. Si vous contrôlez au moins 5 terrains, Zary, c'est évidemment le cas. Quand même. Mais le truc, c'est que. C'est pas mal, ça aussi. Je vais juste mettre le sanctuaire ésotérique. Oui, bah, déjà. C'est ce que j'ai fait la dernière fois. Ponce m'avait fait un board de ouf. Et j'ai fait, bah, pour. Ah, pas mal. Pour X égale 5. Du coup, je t'attaque bah, avec la nuit incarnée. Ok, je 3, prends dans le visage. Dans la bouche, 17. Du coup, je fais moins 1. Exiler un autre permanent ciblé que vous possédez. Je l'exile. Du coup, comme tu l'exiles. Quand la nuit incarnée quitte le champ de bataille, toutes les créatures gagnent moins 3, moins 3. Jusqu'à la fin ah du ouais, tour. Putain. Et renvoyez-la sur le champ de bataille sous votre contrôle. Oh, oh. Joli. Oh. Voilà. En gros, joli. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, si Max arrivait à son tour, sa foule de scalaire passait juste 5-5 en fait. Ok. Et au tour d'après, 9-9. Et oui, d'après, et là c'était 13-13. Oui. Et là c'était compliqué. Moins 3, moins 3, ça aurait peut-être pas été suffisant. Je vais m'occuper de toi, t'inquiète. Mais c'est évidemment pas son dernier mot. Ponce, il te reste 6 mana techniquement. Ces 6 mana serviront à jouer un éphémère si jamais cet homme veut faire quoi que ce soit. À toi de jouer. Qu'est-ce que je fasse ? J'ai plus rien sur le board, connard. Alors, on a une agression genre français de la part de. Max, je te propose de tout dégager avant de piocher. Ouais. Dégage tout avant de piocher, voilà, parfait. Oh là là, ça c'est beau ça. Première fois, je crois, depuis le début de l'émission. Sadro est là, et là les gars. Max commence à avoir juste 6 mana, merde. Potentiellement alors, 7. 6 mana, mais autour. Enfin, moi j'avais 11 mana. Non, mais c'est 4. Vrai, ouais, il faut comparer ce qui est comparable. Grâce à. Saheli. Non, Saheli. La Saheli, la talentueuse. La talentueuse. Eh ouais, mec. Seigneur, vent des vertus. Putain, merde.
Ah merde. Mac, tu te rappelles que putain, merde. J'aimerais trop le voir jouer tout seul chez lui à Magic Arena. Putain. Ah merde. Des fois, ça, c'est... En vrai, je rage moins parce que là, c'est trop long. Sur Magic Arena, le seul truc qui me fait rager sur Arena, c'est quand les mecs mettent 3 ans à jouer. C'est chiant. Là, c'est toi qui mets 3 ans à jouer. Donc, c'est le plaisir de Max, qui, donc, on rappelle, n'est pas encore en jeu. Il pourrait très bien le jouer à ce tour-là. Peut-être qu'il va vouloir le faire. Et effectivement, il est pas mal, ouais. Il est vraiment pas mal. Je te rappelle qu'il peut faire piocher 2 cartes par tour. De quoi tu parles? Ton Planeswalker, tu peux le jouer. Ouais, mais attends. Oui, non, mais en fait, je le montre aux gens. Son Planeswalker qui peut vraiment eh bien lui faire du coup prendre un avantage considérable. Ça, en fait, puis ça, beaucoup mieux en main. Puis ça. Oh là là. C'est la déferlante qui va se déferler, si tu réponses. Ouais, on va faire ça, on va faire ça. Vous avez vu, j'ai joué une carte. On va faire ça. Alors, je vais mettre un terrain déjà, dans un premier temps. Parce que j'ai pas encore posé de terrain. Voilà. Ensuite, je vais jouer pour 2 marais cousus ensemble, qui fait que je vais aller chercher la foule de scalaires qui était dans mon cimetière et la remettre dans ma main. Ensuite, pour 1 vert, je vais reposer du coup la foule de scalaires. Oh, il se trouve que j'ai. C'est un entretien, gros. Jeu de merde. Ah non, mais sinon, je serais trop fort. Fallait grave pas faire ça. Du coup, mais mets ton plein joker. Mets ton plein. Putain, mets ton Planeswalker. Et ça, c'est nul, ça va se refaire. Bah, je vais le refaire, quoi. Pourquoi ça se refait? Bah oui, avec ça. Mais du coup, je peux jamais la jouer, en fait. Mais joue ton Planeswalker, tu vas te gagner la partie tout seul. Ah putain. Ouais. Bon, voilà. Bah, du coup, je le joue. Résigné comme jamais. Bon, bah, du coup, je le joue. Ah, quand j'ai un truc que je veux faire, je sais bien. Mais tu peux pas le faire parce que c'est nul. C'est genre, c'est à chier, c'est le pire truc. Max, est-ce qu'il te reste des terrains en main? Alors, est-ce qu'il me reste des terrains? Bah, j'en ai plein, j'en ai 5. Bah, attends, j'en ai plus. Ah non. Ok, reprends le terrain que t'as posé. Putain. Ok. Bah non, c'est ce que du coup, je peux plus poser le terrain. Si, tu peux le poser quand même. Eh ouais, mec. Il coûte 5. T'as pas joué tes 2 manas. Ah oui, non, mais d'accord. Ah oui, bah bon. Bon, bah, on annule absolument toute la game, tu sais. Ok, on refait. Ok. Vire-moi ça. Ouais, bon, tu veux juste que je joue ça, quoi. Qu'est-ce qui fait ton terrain là-bas, au fond? Mon terrain, qu'est-ce qu'il fait? Je peux payer 3 pour sacrifier une créature et cacher une carte. Oui, c'est celui de tout à l'heure. Ok, très bien. Franchement, en fait, plus vite tu fais ton Planeswalker dans ces games-là. Bon, allez, go. Donc, défaussez-vous d'une carte, puis piochez une carte. Si une carte terrain est défaussée de cette manière, piochez une carte supplémentaire. Du coup, je vais jeter ceci. En fait, juste. Et je vais attends, avant de piocher, il faut que tu le joues. Il faut que tu le joues avec le bon nombre de mana. En gros, quel terrain tu laisses? Plutôt un marais, plutôt une forêt, ou plutôt. Une montagne, tu peux pas. On s'en fout. Sachant que tu vas piocher 2 cartes. Je te conseillerais peut-être de laisser une forêt. Xavier, ouais, la malice. Rien, donc, hop. Ok, tu le poses. Okay. Il arrive en jeu. Tu lui mets combien de marqueurs? 5 plus 2, 7. 7 marqueurs. Là, du coup, tu te défausses une carte d'abord. C'est quoi, vous avez triché? Vous avez pioché des cartes? C'est juste que je fais le coin. D'abord, tu te défausses du terrain, c'est déjà fait. Et là, tu pioches 2 cartes. C'est fait. Tu n'as pas du coup posé de terrain sur 6. Est-ce que tu en auras pioché un? Tu t'es défaussé d'un truc là? Oui, il s'est défaussé de son okay. Eh ben, il check. Je vais pas te répondre, ce serait donner trop d'infos. Non, là tu peux poser oui, un mais non. Ah oui, voilà, okay. Oui. Bah, c'est bien, garde ton terrain pour la prochaine fois, comme ça. Voilà. Ok, et ensuite bah, j'ai un mana, et ça c'est énorme. C'est le bonheur. Le boss, fin de tour. Je t'assure, mec, que plus tôt t'as ton Planeswalker, et plus tôt tu peux faire un truc tellement sale. Enfin, piocher 2 cartes par tour, c'est. Enfin, tu piocherais 3 cartes par tour là, c'est juste ouf. Ce que t'as pioché, gros. Putain, bah, je vais jouer ça, Ellie. D'accord. Oh là là, c'est ça qui se passait depuis tout à l'heure. Oh, t'es trop fort. C'est dommage que t'aies pas de mana rouge quand même. C'est énorme en vrai ce qui s'est passé, je m'y attendais pas du tout, quoi. Allez, je t'autorise à repiocher. Mais non, mais c'est pas possible, je pète un fond. C'est le mauvais joueur. Non, en fait, je m'en fous de perdre. Ce qui m'énerve, c'est de dire, oh, j'ai le play, je le fais. Et en fait, on me dit, eh non, t'as pas le droit, et je suis en mode. Ouais, la déception, elle est énorme, tu vois. Du coup, je fais un plus 1 là-dessus pour piocher. Putain. Vous vous rendez pas compte, mais moi, passer plus de 30 secondes à réfléchir à un play, j'ai le cerveau qui fume. Hein, donc, quand je suis là et que je suis en mode, oh, oui, ça marche. Bah, non. En vrai, ton banc de sable là, il te faisait pas piocher si tu le défaussais? Je fais complètement le faire. Je vais complètement le faire. Non, mais non, c'est trop tard. Il est en jeu, en fait. Ah, au début, ouais, mais je pouvais pas deviner que j'allais avoir 10 terrains d'affilée, mec.
Et j'en suis vraiment à 10 d'affilée. C'est vrai ? Oui. Mais gros. Mec, j'ai joué une carte depuis le début, c'est ça. C'est pas grave, on voit les decks qui mais tranquille, jouent. Tranquille, mais tranquille, tranquille. Allez, tranquille. Parce que, regardez. Tu m'as interrompu. Déjà. Oui, tu m'as interrompu. T'as quand même 10 paires d'affilée, tu gagnes quand même. Pour l'instant, t'es. Enfin, je gagne. Oui, mais. Je joue le refuge de Seijiri qui me fait gagner un PV. Okay, donc là-dessus, je prends complètement l'avantage. T'es tellement dans la merde, gros. Et je fais un. J'attaque ton Planeswalker avec ma nuit incarnée. T'as le Planeswalker qui se prend 3, du coup, tu. Ouais, ok, on va le faire pour toi. Merci. Parce qu'en vrai, c'est vrai qu'il monte vite quand même son Planeswalker, en vrai. C'est ce que tu vas faire, Ponce ? Eh bien, écoutez, est-ce que je joue ma plaine, mon marais ? Fouah, j'ai déjà joué un terrain, ouais, c'est tout pour moi. Alors, vas-y, Max, plus d'étapes. Est-ce que tu as pioché un land par hasard ? Non. Direct. Non, bah non. Et ben tu vas quand même. C'est quoi son autre capacité à Seigneur d'étape élan de Max? C'est quoi? Renvoyer sur le champ de bataille jusqu'à 2 cartes de terrain ciblées depuis votre cimetière. Oh ouais, j'en ai 2. Non. Faut voir s'il te faut du mana ou pas. D'étape élan. Commence par détaper des terrains. Max. Ouais. Du coup, ça te permettra de voir ce que tu as. T'as 6 mana là. J'ai 1 milliard de mana. Tout va bien. On est d'accord que l'ami Seigneur Vent des Vertus, il fait arriver les terrains dégagés. Enfin, du coup, tu peux avoir potentiellement 7 mana. J'ai quand même envie de faire un truc, mais je sais pas si ça le baise vraiment. Il a plein de mana là, il s'en fout maintenant que je lui détruise du mana. Mes mana. Oui, ça c'est pas le bon plan. Ah oui, il en a rien à foutre. Non, il faut pas s'attaquer à ses terrains. Là, il va falloir commencer à s'attaquer à ses points de vie. Okay, voir avec des bêtes. Sachant que si jamais tu veux pas récupérer les terrains qui est dans ton cimetière, Max, tu peux faire plus 2 et repiocher une carte du coup. Ouais, je sais. Tu détruis un terrain, pas de soucis, mon pote. Un autre terrain, y a pas de problème. Au pire, ça sera mon pote. En fait, tout à l'heure, je t'ai vu jouer le terrain taper, et en fait, t'avais déjà pas mal de terrain. Et il aurait dû piocher une carte. C'est possible, ouais, j'avoue. Aïe, aïe, aïe. Ça vient d'une non-maîtrise du deck, quoi, de ma part là-dessus. c'est une erreur qui est inexcusable. Allez, jouez, on a envie de jouer à 3 là. Ouais, mais gros, 2 secondes. Bah, Ponce, il va vite, hein. Il prend un terrain, je vais jouer des créatures. Hein. Bah, oui, bah, ouais, ah, bah là, tu. Bon, vois. Déjà, je vais faire un plus 2 et piocher une carte. Ah, putain de merde, 6. Ok. Pas défausser de terrain, c'est pas grave. Je me défausse de n'importe quoi. Non, défausse de rien. Défaussez-vous d'une carte, puis piochez une carte. Autant pour moi, je défausse une carte. Voilà, c'est bien ce qui me semble. Ça aurait été un peu fort. Alors, qu'est-ce que je vais jeter Autant pour moi. Seigneur Vent des Vertus. Oh, vas-y, je... On s'en fout. Hop, ok. Allez. Très bien. Ensuite. Pour. Minette. Façonne de ce destin. 4. Alors, c'est quoi? Comment ça s'appelle? Tracker de sang. De 2 vols. Quand le tracker de sang quitte le champ de bataille, piochez une carte pour chaque marqueur +1/+1 sur lui. C'est très solide. Voilà, il vole, hein, évidemment. Et en gros, plaisir. Tu peux payer un marais et 2 points et de vie PV. Pour mettre un marqueur +1/+1 sur lui. Ou quand le tracker de sang quitte le champ de bataille. Piocher une carte pour chaque marqueur +1/+1 sur lui. En gros, vrai, c'est un vrai kill. Hein, ouais. Parce que clairement, il peut aller au bout lui. Hein. Bah, disons que si Ponce continue à faire un full land, il va tranquillement mettre ses points. Mmh. Ok. Bah, d'ailleurs, en vrai, est-ce que j'aurais pas intérêt à le faire maintenant? Fait, comme c'est une capacité activée, tu peux le faire à la fin de son tour. Mal d'invoque. Est-ce que tu. Non, il peut le faire maintenant, mais ça sert à rien. Oui, il peut le faire maintenant. C'est une capacité d'accord. Activée qui ne requiert pas de dégager. Ah oui, ok. Bah... Mais il n'y a pas intérêt à... Enfin, tu vois, si tu l'as détruit... À le faire tout de suite. Ouais, autant dans... Vas-y. Parce qu'il me reste 2 mana, mais... On va s'arrêter là. Qu'est-ce qu'il y a? Par contre, t'avais pas posé de land. Je sais. Ok. T'étais le boss. En vrai, sur ce play-là... Non, mais ça aurait pu être... Tu veux aussi avoir du mana, donc les deux étaient... Mais j'en ai plein... Je t'attaque avec la nuit incarnée. Vas-y, mec. Tu fais rien? Non, sur qui? Tu peux viser. Je vise le Planeswalker. Très bien, excellent. Comme ça, je perds pas de vie. Hop, 3. On est bon. Allez, fais le +1 et pioche-nous autre chose là. Bah non. T'as dû le faire avant d'ailleurs. Je pense que je vais juste faire le -1 en fait. Surtout. Mais, ouais, comme tu veux. Bah, comme ça, je me débarrasse de sa merde. Hein. Tu peux. La partie est plus longue, mais bon... Vas-y. Du coup, je fais -1, donc j'exile cette carte. Ça fait -3 sur ton tracker. Alors, la question, Max, est-ce que en réponse, tu veux
perdre 2 points de vie, piocher une carte en vrai. Parce que donc, lui il passerait. Oui, tous les jours. Ouais, vas-y, crois, hein. Tous les jours. Allez, vas-y, enlève-moi 2 points de vie, ça dégage. En réponse, je fais le pouvoir de mon tracker de sang. Juste avant qu'il meure, je fais le truc. Il a +1/+1 sur lui, du coup ça devient une 3-3. Et quand il meurt, pouf, je pioche une carte. T'es boss. On y va. Et donc, moi, je remets ça évidemment sur le champ de bataille. Et j'ai pas encore joué ce tour-ci. C'est vrai que j'ai pas mal de solutions, pas mal de trucs. Allez, joue. Et je vais poser un marais. Excellent, à toi. Merci. Hop, je vais faire ça. Ensuite, je vais faire le pouvoir de mon Planeswalker. Du coup, pour +2, je vais remonter à 5. Putain, il est où le 5? Je ne sais pas, je ne le trouve pas. En vrai, je suis assez d'accord avec toi, Olivier, quand tu dis qu'il faut jouer les Planeswalker vite parce que. Ah, mais c'est ça qui fait. Bah ouais, c'est quand même très fort. C'est ça qui débloque des situations. Je jette un terrain, je pioche 2 cartes. Ben c'est bien, j'en avais pas assez, putain. Je vais pas vous dire ma main, mais c'est terrible. Oui, on peut faire le capacité de la créature, enfin. On fait le mal invocation, sauf s'il y a marqué engagé dessus. Et là, c'est pas le cas, donc il fait bien ce qu'il veut. Alors, je réfléchis, parce qu'il y a peut-être des trucs rigolos à faire. Tu sais, moi, je joue pas intelligemment, je joue juste. Alors, est-ce qu'on pourrait faire, par exemple... ça, et du coup il resterait, eh ben oui, j'ai envie parce que c'est marrant. Alors juste qu'est-ce qu'il fait? En fait j'aurais déjà gagné 8 fois si j'avais eu ne serait-ce qu'une créature en plus en fait. Mais quoi que pas non, besoin, En fait le fait de pas avoir de créature me permet de faire le moins 1 safement aussi. En fait je vais le faire juste... Ouais, je sens que c'est pas ce qu'il faut que je fasse, mais j'ai envie de le faire. Allez, go! Allez, je le fais, je m'en bats les couilles si c'est pas ce qu'il faut que je fasse. Je joue un enchantement. Ouais. Qui me coûte 2. Et ensuite, pour 4, je fais enfin ma putain de décimation. Ah oui, mais oui, mais oui. Et. Ah bah non, il a posé un marais. Bah du coup, maintenant, il s'en fout. Je vais quand même lui enlever ça. Non, casse le Triland. Quoi? Il y a un nain qui ajoute 3 manas. Enfin, les 3 manas différents. Les 3 manas différents. C'est celui-là. Ah oui, ah bah clairement, tous les jours. Hop. Ça y est, il l'a passé! Voilà, c'est bon, mon esprit est libéré, je peux désormais jouer cette game. C'est bon, on va pouvoir commencer à jouer. Eh bien moi, c'est un concède qui va pop directement. Bah attends, vas-y, pioche ta carte. Non, je plaisante. Non, tu peux piocher, tu peux piocher ta carte. J'attends fin du tour de la programme de mon joueur. Bah là, j'ai plus de mana, donc c'est une fin de tour, mon ami. Très bien. Allez. Ah, chier. Oh, déjà. Parce qu'Exar, il regarde avant à chaque fois. C'est un truc qui ajoute du mana. Repioche avec ton truc. Direct. Allez. Gros. C'est un terrain. Allez, on a eu un petit problème de mélange peut-être Vas-y, laisse enfin un tour. Non, ça bonne réponse de Snuff dans le chat, parce qu'on a quand même un mec qui dit j'ai jamais joué à Magic, j'ai toujours trouvé Yu-Gi-Oh beaucoup mieux. Si t'as jamais joué à Magic, ferme ta gueule. Ouh, le tacle glisse là-dessus là. Attends, mais non, quand même. C'est vrai, tu peux rien jouer. Attends. Ah, j'ai jamais joué à Yu-Gi-Oh, je trouve Magic beaucoup mieux. Bah non, mais. Tu aussi, mais oui, c'est vrai. Ça n'a aucun sens, tu vois. C'est vrai que c'est con. Genre, moi, je peux avoir un avis parce qu'en vrai, j'ai joué à tous les jeux de putain de cartes. T'as joué à Pokémon? C'est le seul, j'avoue. Mais du coup, je dis pas que c'est de la merde. Bah, on joue, c'est très sympa, Pokémon. Mais oui, c'est sympa, Pokémon. En vrai, Final Fantasy, c'est fait. Keyforge, c'est fait. Magic, c'est fait. Yu-Gi-Oh, c'est fait. Dragon Ball, c'est fait. World of Warcraft. Ah ouais, tu veux sacrifier? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Donc, comment s'appelle elle cette carte? Elle coûte 3, c'est Sphère du Commandant. Elle coûte 3, ça fait que je peux ajouter n'importe quelle couleur de mana que je veux quand je la joue. Sauf que sacrifier la Sphère du Commandant, piocher une carte, et c'est là où on voit un petit peu toute la force de ce deck. Aussi. Oh putain, c'est pas un land. Oh putain, il lit. Il lit cette carte qui va c'est retourner la game. C'est peut-être un land qui te demande de lire. Non plus. Il a demandé appel à son voisin là. À toi. À vous, jeune homme. Excellent. C'est bon? Oui. Quel plaisir. Ouais, on va faire un +2. Pokémon, franchement, c'est vraiment pas mal pour le coup. On va sacrifier un terrain. On va piocher 2 cartes. Ça, déjà, c'est la base. Oui, je vais redresser. Faites pas chier. Ok. Ensuite. Ah oui, j'ai oublié de remettre une carte au-dessus du deck. Je crois. Exact. En fait, c'est quoi? J'étais pas sûr, je l'ai pas dû parce qu'en fait tu... Moi j'étais sûr mais je te l'ai laissé. Ouais, bah, vas-y, c'est quoi, garde-la. Non, c'est la carte cadeau. Mais non, tu peux plus la trouver. Tu peux pas la retrouver. Si. Tu peux pas la retrouver, mec, désolé. On est là pour avoir du spectacle, quoi, tu vois. Bien joué là-dessus. Bon, Max, donne-nous du spectacle. Du spectacle.
du spectacle. Allez. Il y a exactement pour, la carte. Pour 6. Xarek, il sait pas où elle est. Allez, il sait pas où elle est. En fait, c'est quoi, c'est ce que je pense, pense vraiment. C'est que tout à l'heure, t'as repris tes landes comme ça. Non, mais... Les amis, t'as battu un peu. Et que là, tu te retrouves avec tous les landes. Non, mais que j'ai battu pendant au moins 5 minutes. Mais t'as fait des Apple Shuffle, t'as fait des mélanges à ça. Mais j'ai battu, après j'ai coupé. Non, couper, ça sert à rien. Couper, ça, c'est. Ouais, mais mec. Tout à l'heure, j'avais pas. En fait, même, c'est quand même improbable parce non, que tout à l'heure, j'avais pas ces landes là. Enfin, tu vois, genre... la prochaine fois, remets-moi ton deck, je le shuffle bien. Ouais. Mais après, en vrai, tu vois, genre celui-là, je l'avais pas tout à l'heure. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ok, vas-y. Alors, Max, attends, parce que pensons à Max, ça fait un truc et on s'est pas extasié. C'est quoi? J'ai posé un émissaire des rancœurs. Bon, bah, c'est loose pour moi, du coup, là. Mais non, mais ferme là. Il a vol, célérité, c'est une 6-5. Est-ce que du coup, ça lui met dans la bouche direct ou pas? Oh, le Planeswalker va être visé surtout. Oh. Je prends de mon temps. Je vais d'abord lui ouvrir le cul. Il a la célérité, gros, tu peux y aller? Oui, bah c'est, ah bah c'est fait. C'est, j'attaque son Planeswalker. D'accord, il est pas engagé en fait. Voilà. Oui, pardon. Ok. Donc c'est par quoi contre, au moment où il arrive sur le champ de bataille, choisissez secrètement un adversaire. Ah, me dis pas. Révélez le joueur choisi. Ce sera Poncefesse. Choisissez de nouvelles cibles pour le sort ciblé ou la capacité ciblée s'ils sont contrôlés par le joueur choisi ou s'il vous cible ou cible un permanent que vous contrôlez. N'activez cette capacité qu'une seule fois. Ouais, c'est... Donc en gros, là, j'ai secrètement choisi Poncefesse. Ouais. Donc c'est quoi? C'est, je l'écris sur un papier, je le cache, tu vois. Ça. Et si à un moment donné, il m'attaque avec un sort, je fais, eh non, tu te le prends dans ta gueule. Vas-y, attaque-moi. Bah du coup, ouais, j'ai un petit doute quand même. Peut-être tu m'as choisi. Peut-être tu t'es choisi. Ah, moi. Allez, ponce, une carte active. Insane, la créature. Je crois que c'est celle qui va chercher un... Non, absolument pas. C'est pas celle qui va chercher un land. Ah, c'est marrant. Ah non. Ah, ça peut être pas immonde en vrai. Ouais, quand t'as d'autres créatures. Pioche, déjà, avant tout, pioche sur ton Planeswalker. Mais non, il me l'a tué. Ah, il a ah non, mais mec, c'est mais la merde. Tu peux jouer, tu peux jouer. Mais bien sûr, je la joue, bien évidemment. Alors, pour 5, du coup. Ouais. Ami. Ah oui. Pour 5. Donc, 1. 2. Ouais, 3. Bah donc, on rappelle en fait les Planeswalker quand ils sont gérés, donc exilés. Là, tu réinvoques ton Planeswalker. Sacrifiés. Mais en fait, ça sert à rien, il va me la retuer. Mais t'as quand même pioché. Et en fait, mine de rien, ça te fait des points de vie que tu prends pas. Hein. Oui, c'est pas faux. 3. Et du coup, effectivement, je pioche. Et elle passe à 4. Oh. 2 cartes de suite non-terrain. Ouais, t'es chance. Waouh. Alors, wow. Tu remets une carte au-dessus cette fois-ci. Hein, pas, donc, j'ai pas joué de terrain d'ailleurs, ce tour-ci. Et ensuite. Ah, j'ai triché. Ah bon? Y'a pas le droit d'avoir plus de 7 cartes en main. Alors, en fait, c'est à la fin de ton tour. Bah ouais. Et bah, tu choisis. J'ai oui. Changer de thune. À la fin de ton tour, tu choisis pour arriver à 7. Ah, la triche. T'as aucun land à jouer? Non. Ok. Je mets le. Je le défausse, c'est normal. Quoi. Je mets le refuge qui arrive à engager et qui me donne un PV. En vrai, Max? Faut que tu reposes une carte. En vrai, Max, ouais, avec le truc je pour te voir que t'as en main, t'as pas envie de mettre un gros truc au cimetière? Ah, ouais, bien vu. Compte tes cartes, je crois que t'as, ouais, t'as, non, t'as, le seuil, t'as le seuil large, non? Non, c'est bien vu. J'avais pas pensé à ça. Ponce! Ouais, je suis là. On avance? Ouais, ponce. Bah, l'heure qui tourne, là, je me dis, on aura pas le temps. Bah, du coup, là, je vais juste mettre ça. Je vais mettre ça ici, là, du coup. Et puis, bah, à toi, quoi. Putain, mais je suis obligé de vous le dire. J'ai 5 rituels. C'est chiant. C'est très chiant. Ah, après, t'as des rituels qui. Oui, d'accord. Mais gros, il a 8 cartes en main. Bon, sur ce, allez. Vas-y, fais ton play du coup, peut-être. Il fait quoi lui pour moins 3 déjà? Envoyer sur le champ de bataille jusqu'à 2 cartes de terrain ciblées depuis votre cimetière. C'est pas mal en vrai. Bien sûr. Ouais, vas-y, je vais le faire. Allez, moins 3, du coup je passe de 7 à 4. Tu peux juste vérifier que t'auras encore cette carte dans ton cimetière, parce que sinon tout le plan tombe à l'eau. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, mais t'es large. Large là. T'es large. Alors on va mettre quoi comme terrain? Bah ça c'est trop bien. De toute façon on va mettre des bilans, hein, c'est mieux. Ah, j'ai pas assez de bilans, hein, c'est la tristesse. Allez, on va mettre ça. Hop. Donc, on est bon. Ensuite. Ils sont dégagés, je crois. Enfin, à moins que eux demandent de pas être. Eux arrivent en jeu engagé. Le seigneur les met dégagés. C'est à l'envers, c'est chiant. Vas-y. Elle est où ma carte? Elle est là. Hop, machin, renvoyé sur le champ de bataille.
jusqu'à deux cartes ciblées. Ouais, non, elles sont complètement utilisables. Quel plaisir. Ok, donc on en est là. Ensuite, derrière, effectivement. À moins qu'il marque dessus, arrive en jeu engagé. Non, non. Non. Pour. Parfait. Oui. Ah, il me semblait. Celle-là, oui. Mais on s'en fout. Je vais pas vous contredire. Donc, pour deux. Pour deux noirs. Voilà, pour deux noirs, je joue ça. Sauf que comme j'ai au moins cette carte dans mon cimetière, et ben en fait, elle arrive direct sur le terrain au lieu d'arriver dans ma main. C'est quoi, suture quelque chose, non? C'est quoi? Et du coup, cousu ensemble, je crois. Pef, gros monstre. Donc renvoyez une carte de créature ciblée depuis votre cimetière dans votre main, et en gros, si t'as... Sauf que si j'en ai au moins 7 dans mon terrain, au lieu d'aller dans ma main, elle va sur le terrain direct. Alors, comment s'appelle ton gros nouveau copain? Balotte écrase-bois. Déjà, Il sent bon, je te le dis. Il sent très il sent très le sapin. Pour Ponce. Il est 4-4. À chaque fois qu'un terrain arrive sur champ de bataille sous votre contrôle. Alors, viens, on dit que t'as super bien joué. Non, c'est bon, ça sert à rien. Pardon. non, ça sert à rien, pardon. En fait, c'est juste que s'il avait la célérité, t'aurais pu faire le cas avant, mais c'est pas grave. Oui, Osef. Mais ouais, là, je suis mal, hein, par contre. Je suis vraiment très mal, par contre. Ok. Et ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Il me reste 4 mana. Je peux. Non. Ah ça, bah si, ça c'est marrant ça. Plus 1 PV max. Ah oh oui. Ça c'est drôle ça. Oh bon. Ça c'est trop drôle. Oh, bah je fais clairement ça. Pense. Pour 3 mana, je joue Errance lointaine. Cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base. Mettez-la sur le champ de bataille engagé. Mélangez ensuite votre bibliothèque. Si vous avez au moins 7 cartes dans votre cimetière, à la place de chercher dans votre bibliothèque jusqu'à... À la place, cherchez jusqu'à 3 cartes de terrain de base, mettez-les sur le champ de bataille engagé et mélangez votre bibliothèque. Donc là, t'en mets 3. En vrai, gros, c'est bien. Mais si t'avais attendu un tour, ton ballot là. Ouais, c'est, il était genre 4-4 x 3. 24-24. Non, ça aurait été une 16-16. Si, avec les capacités du. T'as ah dit oui, quoi, bah si oui, j'avais oui. quoi Il a attendu un tour. Si t'avais fait ça au tour prochain. Ton ballot, regarde ce qu'il a ton ballot. Eh ben ça marche pas. Bah, si, c'est pour ça que j'ai joué ça. Oui mais il a pas de célérité donc là en fait au final enfin tu vas le buff mais voilà. Oui mais au moins ça crée quand même jusqu'à la fin du tour. Ah. My bad. Bah au pire le fais pas t'inquiète. Ah, oh mais finissez la partie. C'est foutu. En vrai j'ai aucune chance mec. En vrai j'ai aucune chance hein. Je allez, pas faisons le 3v3 GG. J'avoue que là je suis quand même bon je suis pas mal. Tu lui mets. Mais effectivement je voulais faire ça parce que évidemment je pensais que ça restait le plus 4. My bad, c'est ma faute, j'aurais dû lire la carte. Tu lui mets des points avec ta 6-5 ou tu le tues sans... Oui, je vais viser ton visage. Allez. On va essayer de le finir. Allez, on va vite. Ton visage. 15 partout. Vas-y, ponce. Attends, du coup, j'ai 4 mana. Arrive engagé. Engagé, ouais, engagé. Ouais. Ok, c'est bon, vas-y. C'était des terrains de base. Hein. Je crois que t'es pas allé chercher des terrains de base, gros. Ok, j'y vais. De toute façon, en vrai, j'ai aucune chance. Enfin, en vrai, je préfère qu'on cède et qu'on fasse une 1 contre 1 contre 1. Tu penses vraiment que c'est mort? Mec. Ou non, mais gros, il a joué un terrain. J'ai joué une carte depuis le début du jeu, mec. J'ai joué une carte depuis le début. Quelqu'un dit ponce, baisse pas les bras, mais là. En vrai, il faut pas. Là, c'est chaud. Il est quelle heure? Alors, moi, j'ai un problème. Mais on a plus qu'une heure d'émission, c'est ça le truc. Ouais, bah oui, ça va vite. Moi, en vrai, je préfère faire une 1v1v1 parce qu'en vrai, j'ai. Ponce, t'es le boss. Voilà. C'est ce que je tiens à te dire. Donne-moi ton deck de chef. Bon, après, j'ai ça qui arrivait. Comment on va montrer. Voilà, c'est un peu le problème. Par contre, au niveau des points de vie. Quoi que tu poses sur le terrain, je pouvais mettre ça et te rouler dessus. En vrai, honnêtement, je vous jure, je veux bien ne pas baisser vrai, les bras. En vrai, il y a deux solutions. C'est soit on fait un 1v1v1, et les points de vie, bah tant pis, il y en a un qui a... Non mais bon, après on peut mettre 15-15, hein, si on veut, sur le truc. Je peux faire ça? Tu mets 1515 et... Je vous montre juste même, hein, si ça vous intéresse, les gars, non, pour que vous voyez à quel point c'était... Je ne pouvais rien faire. On voit pas, malheureusement. Non mais attends, on a un 2v2 sur le... Non? Oui, mais c'est du 1v1v1, là. Non, tu mets un slash. Ah, c'est fait pour 4 chiffres maximum, c'est ça? Non, tu mets un 15 slash. Ah ouais, oh. Voilà. Allez, on fait ça. C'est correct. Allez, go. Allez, jouez. Bon, se passe pas ton deck que je chef. Ouais. En fait, oui, non, honnêtement, je vous montre juste ma main et je vous montre ce que j'allais piocher. Voilà, c'était un terrain. Donc, honnêtement, je vais pas vous mentir, c'était très compliqué. My bad si j'ai mal. Donc, on a. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut élargir la cave? Comment on va faire? Comment on va faire? Ah, par contre, du coup, là, moi j'ai bien tous mes terrains, ils sont bien. Voilà, mélangez bien. En fait, faites. Yeah. Donc, moi, c'est mélangé. Hein. Les mélanges. Est-ce qu'on peut faire un plan sur moi pour vous montrer les mélanges différents? Non, c'est dur. Mais c'est juste faire un patch shuffle, quoi. Mais oui, bien sûr. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire des packs de packs de cartes. Quoi. Alors, le problème, c'est qu'en plus, là, on a des decks de 99 cartes. Et donc, du coup, c'est chiant à mélanger. Qui sont pas en katana. Qui sont.
Alors, pas les petits. C'est con, juste le tien. Mais juste le mien, dommage. Hein. Donc, les mélanges différents. On a ce qu'on appelle. Alors, je vais le faire avec la moitié et on fera avec l'autre. On a ce qu'on appelle le rifle shuffle. Le rifle shuffle, c'est rifle qui tient son nom de mitraillette, parce que ça fait comme ça. Oh, AK-47, mon frère. Et ça, AK-47. Et ça, l'avantage de ce shuffle-là, alors, il peut niquer un peu les cartes si on le fait mal. Donc, il faut faire attention. C'est que au moins ça mélange bien de façon aléatoire, j'allais dire, et en même temps un mélange. En fait, quand tu coupes, quand tu fais des coupes successives, tu mélanges absolument pas l'ordre des cartes. Oui, bien sûr. Oui, donc oui. Ça sert vraiment à rien. La coupe, c'est juste bien quand tu passes à ton adversaire pour qu'il dise ok, c'est bon, je te fais confiance, c'est mélangé, tu vois. Donc, enfin, c'est mélangé. Il y a un mélange si qui est bien, dessous, qui est un peu long, et c'est pour ça d'ailleurs en tournant, on peut en faire qu'un seul, je crois, par partie. C'est ce qu'on a, enfin, ce que j'appellerais le tas de 5, mais bon, on peut faire des autres tas. Ouais, c'est vous faites comme ça. Ça, c'est le meilleur. Hein. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, là, pour le coup, ça brasse beaucoup les cartes. Et ah y a oui, aussi, ça, c'est le best. Il hein. y a aussi un. En fait, c'est bien, mais il faut pas faire que ça. Parce qu'en vrai, il y a une technique de triche. T'as 24 landes dans un deck et t'as 36 autres cartes, mettons. Ok. Tu stacks tous tes 24 landes et tu mets les 36 autres cartes. Tu fais ça deux fois. Et t'as ton deck attends, t'es en train de nous donner une technique de triche. Bah non, une technique qui dit que si jamais vous avez votre adversaire qui fait que ça. Remélanger derrière. De bah, façon, ouais. Remélanger derrière. La voilà. Mitraillette, c'est pas mal derrière, voilà, passer en fait, après un adversaire. Ce mélange-là a aussi l'avantage de pouvoir vous dire, attention, on va y arriver. Bon, en même temps, j'ai peut-être mal fait. Mais regardez, en fait, comme je sais que j'ai 99 cartes, je suis censé avoir la dernière carte qui arrive sur ce tas-là. Mais là, comme j'ai parlé, je vais peut-être le refaire, peut-être qu'on a perdu une carte. Bon, bref, c'est pas grave. Non, je crois que c'est qu'à un moment, t'as sauté oui, un... Oui, je t'ai vu faire un diagonal. Mais quand vous avez des cartes en EDH, avec des cartes très chères à l'intérieur, si vous le faites à la fin de chaque partie et au début de chaque partie, ça vous permet d'être sûr que vous n'avez pas perdu une carte. Enfin, de toute façon, ça peut être dans n'importe quel format, mais c'est bien. Pour recompter, tu veux dire. Pour recompter. Ouais, ouais. En fait, sans avoir à compter, tu regardes et tu dis modulo 5, j'ai le bon nombre de cartes. Quoi. Oui. Évidemment, le fait d'avoir des pochettes comme les katanas, et qui sont des très bonnes pochettes évidemment de Ultimate Guard, permet de pouvoir les faire glisser comme ça, ce qui est bien aussi, et qui prouve à ton adversaire, parce que en faisant ça, clairement, tu prouves à ton adversaire que tu sais pas du tout ce qui va se passer. Quoi. Ah oui, oui. Il y a zéro problème. Voilà. Tu refais un ou deux rifle shuffle, et après, normalement, on est bon. Alors, après, ah bah là, clairement, si c'est pas mélangé, c'est ça, que l'aléatoire est quand même improbable. Ça t'empêche pas d'avoir de temps en temps des sorties dégueu. Mais, disons qu'en mélangeant comme ça aussi bien, donc là, en fait, avec un gros tas, vous faites plusieurs rifles comme ça. Après, il y a une différence entre les sorties dégueu et j'ai 10 terrains d'affilée, tu vois. C'est mais le fait que le mulligan ait changé il y a peu de temps, c'est aussi pour éviter justement les non-parties de bah j'ai pas de land ou j'en ai trop, machin. Enfin, il y en aura toujours, mais ça permet. Après, ça permet aussi, peut-être qu'en fait, ton deck, ça se trouve, il détruit 9 fois sur 10 le deck de Max. Et en fait, là, ça a permis de faire en sorte qu'on a que vu Max que le deck de Max, alors bah, si on laissait faire, c'était un peu ça là. Du coup, comment on fait pour jouer à 3 là? Alors moi, je vais juste me charger un verre d'eau, qui en veut. Moi, je veux bien, ouais. Ouais. Un petit verre d'eau. Ouais. Ah, j'ai ma sacoche que je suis allé chercher. Si tu passes, tu vois une sacoche noire, je veux bien, il y a ma petite bouteille d'eau dedans. Et accessoirement, il y a mon. Alors, on se met comment? On fait un ici, un là et un en face? Ouais, ouais. Ok. Faut juste allons. Enfin. D'accord, maintenant que j'ai pris l'habitude des katanas, je te jure, quand c'est autre chose, ça me casse les couilles. On peut mettre la cam des cartes SVPI et dézoomer un peu. Ouais, en fait, oui, le Miguel va changer techniquement le on est presque au dézoom max hein, donc. Non mais c'était bien en fait. Et maintenant c'est un London Mulligan, on l'a expliqué un petit peu. Ouais, stop, ça ouais. On peut pas faire vraiment mieux. Comment on choisit qui commence? Parce que j'aimerais bien OD. Lire. Hein? OD. Plus grand. Si tiens Max, tu peux juste lancer le dé. 4, putain. C'est difficile de faire plus à chier. Hein. Tiens, lance le dé pour Ponce, comme ça s'il commence, je peux lui regarder ma main. 10, okay. Allez hop. Il commencera, comme ça je lis ma Ponce, main. Ponce, j'ai lancé le dé pour toi, tu commences. Enfin, tu choisis. Tu choisis, mais je pense que c'est mieux de commencer, non? Ta petite sacoche, c'est là où tu mets le shit, frérot. Exactement, dans la petite poche derrière. Petite sacoche, mon frère. Je lis ma main. Ponce, ouais. Je n'ai jamais fumé de ma vie. Ok. Ah, j'ai cru que t'avais dit je n'ai jamais perdu avec ce deck. Bon, bref, la douleur. Bon, j'ai pris cette carte, c'est bon, on y va, je peux regarder mes cartes. Ouais. Regardez vos cartes. Par contre, qui commence donc après, c'est qui commence, ordre. Comment c'est dire, moi en dernier, quoi. Ordre. Ça s'appelle. Comment? Dans horaire. Horaire, ouais, j'allais dire horaire, mais j'étais pas sûr que ce soit bien. Dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, du coup, après, ce sera à Max. Je vais vraiment. Alors. Quoi? Quoi? Ouais, non, mais. Dégager mes cartes. Tu veux me donner pour que je shuffle ou ça va? Est-ce que ta main est ok, Ponce? Je shuffle quand même malade. Après, tu peux aussi avoir une main dégueu. Hein, mais bien sûr, moins... non, mais ça arrive, hein, attention, hein, j'ai une main dégueu. Alors, en gros, qu'est-ce qui se passe au niveau des points? On a Max qui est tout seul.
Il y en a Xari Ponce. Ah bah c'est Jamie, d'accord, ok. Là du coup, alors. Donc, en multijoueur, normalement on a 40 points de vie. Mais comme on a qu'une heure. Mettons 30. Peut-être que. Bah, j'hésite entre 30 ou 20. Mettons... Il y a quoi après? Alors c'est urgent qu'on après, ouais, c'est la Coupe du Monde Fortnite. C'est chaud, mais. C'est chaud? Juste. Je peux le problème, pas c'est que si tu mets 20, non, tu peux te faire oui, voilà. Moins de t'as non, pas aller très vite. En vrai, j'aime bien, sauf que j'ai qu'une carte. Me manque un. En vrai, ça va parce que t'as pas mal de choses qui permettent de plus. C'est pour ça. Ouais. Non, garde. Je vais la garder. Ouais, garde. Ok, donc je disais quoi alors, mais 25, c'est à 20. Coupe la poire en deux. Pour le coup. Pourquoi normalement on part à 30 la poire, normalement, elle est à, 40, normalement, la poire, elle est à 40. Donc si on coupe la poire en deux, on est plutôt à, on est plutôt à 30. On peut faire 30, ça me paraît bien. Fait 30, c'est ok, je pense. Hein, parce que 30, moi, j'ai un jeu passe, assez lent de ce d'ailleurs, donc du coup, je dis ça en mettant 20, évidemment. Je suis un connard. Donc 30. 30, c'était ça, les points de vie avant plaisir, en duel hein. Commandeur. Et en fait, j'ai vraiment peur qu'à 40. Le but à la base d'un EDH, c'est que vous faites une soirée entre potes. C'est vous trop, êtes en vrai, 4 ou 5. Bien. Vous êtes à 40 points de vie chacun. Vous sortez les pizzas et les bières pour ceux qui aiment bien boire. Et le shit aussi et l'oasis pour ceux qui le shit, on porte évidemment. Et vous faites des parties qui peuvent durer 3 à 4 heures. En vrai, c'est ça c'est vraiment cool pour le coup. Ou tu sais, tu prends le time. Des fois, tu fais même une petite pause. 40 c'est divisé trop bien, par 2, vive les maths. Alors. C'était couper la poire en deux entre les 20 points de vie du duel commandeur et les 40 points de joue, je dis, je sens que j'avais besoin de me justifier. Non, on s'en fout, là, on n'a pas le temps. Tu vises sa touche et tu on n'a pas le temps, confesse, pose un terrain, tu joues un truc, allez, à toi Max. Ouais, Max, est-ce que t'as fait ton mulligan? Il a pas posé, deux secondes, je suis en train de faire mon mulligan en plus. Oh, pas non plus. Je joue... Donc nous, on va piocher, nous deux. Alors, en multijoueur, même le joueur qui commence pioche. Ah, je pioche là? Ouais. Oh, lourd. Ok, bon. Mais c'est n'importe quoi! C'est complètement abusé! Mais c'est pourquoi? C'est pour éviter que le mec dise « Ah, j'ai gagné le toss !» Bah du coup, le joueur à ma droite commence, comme ça je pioche. Ok, je joue la fondrière mortuaire qui arrive engagée et je peux faire un truc que je ne fais pas quand... Enfin voilà. Fondrière mortuaire. C'est bon? C'est à toi. Moi je crois que je vais décaler un tout petit peu mon deck ici pour vas-y. Gagner un peu de place ouais, sur le board. Ouais, décale, ouais, décale. On the board. Voilà. À moi. La classique. Ah, tu refais la. Quoi, tu l'as à nouveau? Ouais. Tu vois, Max, il triche. Oh là 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 là. Fou le la triche. La triche. La fameuse. La fameuse triche, mais quand même, il a fait un mulligan, attends. Le mec, donc il est. C'est un tricheur honnête. C'est un tricheur honnête. C'est un tricheur malgré lui, tu sais, ça arrive aussi. Non, je crois que j'ai juste le cul bordé de nouilles comme. C'est quoi ton, pour le reste de ma vie. Ton land, Xari? C'est Forge des héros, ça ajoute un mana incolore. Bon, du coup, mon move est pas ouf, mais c'est comme ça, hein. C'est Fondrière Mortuaire, je récupère parce que je joue l'Aqueduc de Dimir qui arrive engagé, je dois reprendre un terrain, mais en même temps, c'est pas mal. Et le terrain est cool. Ouais. C'est à moi? Ouais. Ok. Moi, je suis en full all-in, hein. C'est-à-dire que si j'ai pas le terrain qu'il me faut, j'ai juste perdu. Hein. Après, l'avantage de jouer en multijoueur, c'est que tant que tu fais rien, les mecs te ciblent pas forcément. Et du coup, bah, tu peux trouver ton land un peu plus facilement. Parce que là, pour le moment, tu vois, si moi je fais un dégât à Xari. Ok. Ok, à moi. Ok, j'ai bien fait de pas dire ma phrase avant ça. Ouais. Je vais la dire parce que moi, si j'avais dû attaquer quelqu'un, ça aurait été Max. Mais peut-être que je m'en trompe. Peut-être qu'on devrait juste faire une alliance. En fait, je te dis, Xari va nous baiser. Bah oui. Qu'il faut le. Bah non. Attends, Xari a pas le même deck qu'avant. Oui, enfin, je veux pas le défendre, mais. Non, mais Xari, il gagne au mental. C'est-à-dire qu'il va réussir à rentrer dans la tête de Ponce, à lui faire croire que je suis l'ennemi numéro 1. Du coup, Ponce va me défoncer. Et moi, du coup, vu que je vais vouloir me venger de Ponce, je vais attaquer Ponce. Il faudra le casque de Magneto. Et là, Xari, il va avoir 30, on va avoir 12 chacun, et puis il va juste nous faire. Vous êtes mort, terminé. Non mais, je le connais, hein. Absolument pas. Je joue l'étoile de mer sigillaire. C'est une 0-3, donc c'est quand même assez fort. Et regard 1, donc je peux engager, regarder la carte du dessus de ma bibliothèque et la mettre en dessous si elle me plaît pas. Alors? Eh ben non, elle a le sens d'engager. Voilà. À moi? Oui. Faut payer en plus, etc. Judge, il a. Pas désengagé, je pense qu'elle reste engagée. Quoi. Je pense que. Bah, malheureusement, non. J'ai cette carte. Comment ça, malheureusement, non? Bah, en fait, la règle qui dit t'as pas dégagé, même en tournoi, même en finale de Pro Tour, si tu oublies de dégager, comme c'est une action obligatoire, tu dégages. Par contre, si tu le fais plusieurs fois, il y a des chances qu'un arbitre arrive et te dise peut-être te fous pas trop de notre gueule parce que sinon. Ah oui, non, faut pas payer de mana, mais faut l'engager, effectivement, là, l'étoile de mer, et du coup, tu pourras le faire qu'à partir du tour suivant, puisqu'il y a le mal d'invocation, évidemment. Et bah pour 3, bah je vais quand même jouer ça. Ouais, très bien. On l'a vu tout à l'heure. Et on va aller chercher. Alors cette fois-ci c'est un terrain. Ouais. Mais c'est bien déjà. Non, si c'est celui-là, c'est Ranch l'antenne, c'est ça? Ouais. Je crois que c'est ça. Hein. C'est terrain de base. Hein. Donc, je suis content de faire un multi en vrai, c'est la première fois. C'est cool. Le multi c'est sympa, ouais. Franchement.
Ouais, franchement, j'ai pas vu ce qu'il y avait en dessous, je l'aurais jamais, on s'en fout. Faites pas chier, hein. Je peux en mélanger. C'est pas moi, j'ai un mec qui se rechauffe. Coupe son jeu et basta. Non, mais Osef, en vrai. Mais tu... Parfait. T'as le droit de couper comme Parfait. Ça. Engagé, pardon. J'aime les particules. Et ça m'a coûté 3. Voilà, c'est complètement terminé. Bah là, de toute façon, je suis obligé d'attaquer Xarie. T'as pas le choix. Ok, à moi. À toi, Ponce. Tu all-in vraiment sur un terrain que tu n'as pas, c'est ça? J'ai pas de terrain, donc je peux pas jouer. Ok. Tac, tac, bim, bim, bam, bam. Je vais jouer le refuge de l'île de Jouar qui me rend 1 PV et qui arrive engagé. Ok. Donc là, je prends quand même l'avantage, je trouve, sur la game, mais bon. Ouais, on a Ponce qui a 31, qui est devenu le premier à être en train de gagner. C'est énorme. Dirait Zulu. Exact. Et puis là, ce qui va se passer, c'est que je vais. Pour deux. Je vais engager Fondrière Mortuaire et Aqueduc de Dimir. Non mais. Il cite les noms des terrains, c'est horrible. Pour jouer un artefact qui, voilà, qui peut me permettre de. Qui s'appelle du terrain. Qui s'appelle Cachet de Dimir. Cachet de Dimir. Vous avez vu quand même, ouais. C'est fait trois trucs différents, quand même, j'avoue. Je fais le présage. Tu peux surtout montrer le présage qui est plus important. Donc regardez les trois cartes du dessus de la bibliothèque du joueur ciblé. Puis non, remets. Attends, comment t'as fait ça? Je te coupe. Non, attends, je te coupe. Au niveau de tes landes, t'en as un qui ajoute deux manas. Ouais. Oui. Ok, donc t'as mis du coup ton cachet. Oui. Et ensuite, non. En fait, ah, j'ai pas le droit de faire ça? Si. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les deux. Je prends les deux marées là pour jouer le cachet et je prends l'île ici pour jouer le présage. Ouais, bah c'est bon. Pourquoi tu engages pas ton. Parce qu'il est arrivé engagé lui. Celui-là, il vient de poser. Et celui-là, je. Ah, il vient de poser la petite. Oui, ça, je viens de le poser à l'instant. C'est pour ça que j'ai dit je gagne un PV. Mais autant pour moi. T'inquiète. Et donc je joue le présage. Je vois assez peu d'ici. Présage. Donc je regarde les trois cartes du dessus de la bibliothèque du joueur ciblé, puis je les remets dans l'ordre que je veux. Vous pouvez ensuite faire que ce joueur mélange sa bibliothèque, piocher une carte au début de l'entretien du prochain tour. Donc en vrai c'est lourd. Du coup là je vais juste aller sur Xarie. Fais ça sur toi mec. Pourquoi? Bah tu peux faire ça aussi sur toi pour pouvoir lisser ta pioche. Ouais mais moi de toute façon j'ai mon regard au pire, enfin Mais vas-y baise-moi. C'est pas pour Xarie, il la met pas. Il préfère baiser Xarie. Vas-y baise-moi. C'est pas que de la baise. C'est pas que de la baise, c'est de l'amour. C'est de l'amour avant tout. De toute façon, tu peux remettre et après tu peux dire mélange. Donc. Non, mais mélange pas. Ok. Quel enculé. Non, en vrai, ça va. En vrai, ça va. Ouais, ça va, c'est sympa. Donc, faudra pas que j'oublie de piocher une carte au début de mon entretien du prochain tour. Non, au pire, la serre comme ça, rien. Ouais, au pire, je la mets là. Non, comme ça. Et attends, parce que juste, je fais un regard. Alors, je fais un regard. Non. Attends la fin du tour de Xarie pour le faire. Comme ça, tu peux bloquer avec. Le truc de Max. Ouais, par exemple. Et le coup de piocher fera à l'entretien de Max sur la carte que tu viens de jouer. Le présage. C'est au début de l'entretien du prochain tour. Donc c'est au début de l'entretien de Max. Ouais. Oui, donc t'as raison, en fait, c'est ça. Mets-le, je regarde, aussi. Je vais piocher. Je joue. On la laisse comme mecs, ça, quoi. Comme ça on est sûr. Mets-le au cimetière, vas-y. Je joue contre 3 mecs. C'est à Max de jouer. Donc... Vas-y Max, vas-y à toi. Vas-y, à toi. Donc là j'ai le droit de piocher. Max, avant toute chose, il dégage, c'est permanent. Oui. Ensuite c'est l'entretien, tu pioches, toi. Et donc je pioche. Et ensuite c'est la table de pioche de Max, tu pioches toi. Ok. On y est les gars. Good. Pardon. My bad, c'est moi qui me suis trompé, en fait, je crois que c'était à mon prochain tour. Ta merguez là, tu l'engageras, en fait tu la gardes pour bloquer. Non mais je suis complètement d'accord. Et à la fin en fait, du tour de Xarie, tu fais hop. Tout à fait. C'est ratifié sur cette carte qui arrive engagée. Ensuite. Mais comment t'as joué un terrain en supplément toi? J'ai joué une carte. Ouais, il a joué une carte qui a ajouté un terrain. Ah, il a directement sur le bord. Il a rampé, ouais. Ah oui, c'est fort. Comme on dit dans le jargon. Et d'ailleurs, s'il avait eu un terrain qui arrive en jeu dégagé, il pouvait mettre son premier tout de suite. Ah ouais. Ok, lui il fait quoi? Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, pourquoi pas? Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Elfe des Horizons Lointains. Et. Il met bien les boules à Xarie qui, du coup. Qui me permet d'aller chercher un terrain de base. Terrain de base, et je vais prendre quoi et... bon, tu m'attaques, tu mets un à moi. Oui, très bien, merci. Voilà. N'hésitez pas à réfléchir pendant le tour adverse à ce que vous allez faire. Ah, ça c'est bien. Mais je peux le faire maintenant? Non. Tu peux le faire maintenant? En fait, si, tu peux le faire maintenant, mais ce sera. Ok, ça sert à engager. Pour un. Je sais pas si je fais ça. Attends. Mais au moins, c'est cool. Merci mec de m'avoir débloqué. T'inquiète. Ok bah. Mais non. Voilà toi. Stop. Fin de tour. Ouais, tu peux faire ça avant la fin de tour. Ah oui oui. Mets un petit. Tu mettras un petit dé sur ta bibliothèque une fois que t'auras fini ton tour pour y penser. Ouais. Donc là regarde, tu regardes la carte.
tu la laisses soit au-dessus, soit tu la mets en dessous. J'ai bien touché à 27, moi. Et là, c'est à moi. Et je détape. Ouais, exact. Et là, tu pourras le refaire encore et encore. Et encore. Oui, en fait, d'accord. Excusez-moi, j'ai mis les points de vie pour Max. Pardon, je me suis chié. Je m'arrêterai jamais, en fait, de le faire. T'es juste très fort. On est bien, on est bien, on est bien. Nous revenons à une situation stable. 3, 4, 5. Tu as donc 5 mana. Okay. Tu peux enlever la carte. Merde. Donc, pour info, le père Xari. Regardez déjà les autres, les cartes que vous avez en main, comme ça gagnera peut-être du temps. Alors, je vais jouer. Xari a eu ça, du coup, en fait, pense que je vais laisser ça au-dessus de sa bibliothèque, ce qui va lui permettre eh bien, d'aller chercher le terrain de base qu'il veut, mais il peut le faire à la fin du tour de Max, puisque de toute façon, il arrivera en jeu engagé. My bad si je mets du temps, mais il se passe des trucs très bizarres. Prends Kyle. En vrai, quand même, ça fait plaisir d'avoir 3 heures au lieu d'une heure et demie. Ah, de ouf, mec. On peut jouer tranquille. Oui, oui. Bon. Ah, ça fait le taf. Ah, mais quel enfer, je peux rien jouer. En vrai, il faut voir les audiences aussi. Il y a eu le reveal. Ouais, c'est ok. C'est 2300. Oh, pompon. Merci à tous de nous suivre. Magic, c'est le sang. Bon, je vais tout engager. Mmh. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5 pour jouer le fouilleur Phyrexion. Il va fouiller qui celui-là ? Alors bah, le truc c'est que c'est quand il arrive sur le champ de bataille, renvoyez sur le champ de bataille une carte de créature ciblée depuis votre cimetière, donc j'en ai pas. Mais il cool. faut que je la joue. Vous perdez autant de points de vie que le coût converti en mana de cette carte, donc c'est pas. C'est ah okay. ouais, c'est oui. pas fou. Hein. Non, c'est pas fou, mais t'avais en fait. Pas mieux quoi. Mais pourquoi t'as pas joué juste en Planeswalker ? Ouais, en vrai, ouais. Ah putain, mais j'avais oublié que j'avais mon Planeswalker. Ah ouais, non, en vrai, non, je. Oui, non, ah là, vas-y. Attends, gros, est-ce que t'as un mana blanc ou pas ? Ah, mais non, j'ai pas de mana blanc. Allez. Eh oui, en fait, c'est ça le problème. Ah, excuse. J'ai pas de mana blanc. Ça me bloque, ça me bloque pas mal. Excuse, mec. Ok, go. Et puis voilà. Non. Bah gros bien, ils arrêtent le boss. En et vrai, ça change rien. Bah en si, vrai. C'est que comme ça qu'on joue. Oui, mais si ça change rien. Ça change que c'est comme ça qu'on joue. On dégage et on pioche. Attends, hein, gros, me dis pas ça, le nombre de trucs que tu fais pas comme il faut sur Dragon Ball, je fais pas chier à chaque fois. Bah vas-y, fais-moi chier, c'est comme ça qu'on joue. Écoutez, vous battez pas. On dégage avant, on pioche. En fait, si tu prends jamais la bon, je peux piocher. Bah oui. Oui, mais si tu prends jamais la mais je joue à tellement de jeux différents que je me suis un peu. Vous savez ce que je vous propose ? Chacun va mettre un petit compteur sur sa bibliothèque. Ponce parce qu'il a un truc qui se craille à la fin du tour. Xari parce qu'il a un terrain à faire, mais bon. Xari, c'est le mine. Et Max parce qu'on va essayer de lui apprendre à détaper avant. Parce qu'en fait, en vrai, Max, effectivement, c'est 99% du temps, c'est la même chose. Ah, oui. Mais comme le jeu se joue comme ça, c'est assez frustrant pour les gens qui te regardent de dire putain, pourquoi il dégage pas avant ? Pourquoi il dégage pas avant ? Mais on comprend tout à fait pourquoi. Oui, parce qu'effectivement, tu joues à plein de jeux. Jouer à d'autres jeux. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Juste, on va. Bon. On va essayer de faire les choses propres. Vous avez. T'as rien en cimetière, toi ? Non, bah j'ai rien joué, moi. Donc. Et lui d'accord. non plus, parce que sinon il l'aurait récupéré. Ok. Du coup, pour. Alors déjà, j'ai 5 de mana, donc ouais. lui. Il se passe un truc, là. Effectivement, au début de l'entretien de Max, donc avant normalement de piocher, pour le coup, on allait un peu vite, eh bien, on a une 5-5. Ça, c'est fait. Ok. J'ai juste mis les plus 1, on est d'accord, là. Ouais, les plus 1, ok. N'oublie pas, je sais pas si tu l'as zappé, que t'as un. Planeswalker qui est dans la zone de commandement, donc tu peux jouer à n'importe quel moment. Enfin, tu peux jouer comme si t'étais en ta main. Oui, oui, non, mais c'est ce que j'allais voilà. faire de toute façon, c'est ce qui était prévu. Je vais le faire. Alors, dans un premier temps, je vais. Ouais, je vais poser ça. Alors. Ouais, non, c'est juste un terrain, ok. C'est classique, je pose ça. Ensuite, pour 5, je fais venir lui. Je vais le mettre là. Je fais venir lui, du coup, alors pour 5, qu'est-ce que je vais prendre ? Il me faut un noir, il me faut un rouge, il me faut un vert et il me faut 2 merdes. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça, ça change rien, on s'en fout. Je vais prendre ça, je vais garder ça. Ensuite, je vais faire... Prendre le deck sur Sailly. Alors, donc lui, il arrive avec 5, je vais lui faire un petit plus 2, il va passer à 7. Et je vais jeter un terrain et du coup, je vais prendre 2 cartes. Ah là, l'homme à abattre, c'est peut-être pas Xari. Oh, commence pas à leur faire croire. Il a pas tout à fait tort, là, quand même. Non, okay. Je suis bien, moi. Moi, j'ai une carte. Et ensuite... Ah bah, très bien. Xari, là, on va faire ça pour 2. Parce qu'au moins, il est pas... Les gens ne le ciblent pas, là. Ouais. Il faut m'occuper des points de vie. Pour 2, à savoir un marais et un rouge.
je peux jouer ceci. Comment s'appelle cette petite créature pour deux qui s'appelle l'apprenti loyal. Reste s'il te plaît de ton côté par contre. Reste calme. Ah mais... Qu'est-ce qu'elle fait de beau? Elle est de je peux m'approcher, hein, c'est dézoomé, au début c'est du pas combat ouf. Pendant votre tour, si vous contrôlez votre commandant, ce qui est le cas, créez un jeton de créature 1-1 artefact. Incolore, mécanopté avec le vol, ce jeton est caractérisé jusqu'à la fin du tour. Et bah écoute. Ça c'est fort avec elle là. Ouais. Il vole ou pas le mécanopté? Oui. Il vole. Non mais tu l'as pas pour l'instant. Si si. Bah si. Bah, c'est pas au début de l'entretien? Non, ah, au c'est au début du combat. Combat pendant votre tour, ouais. Et comme là j'ai. Ouais, il était en première phase principale, il passe en. Il passe ouais, en combat. Ouais, je viens, ouais. Très bien. Du coup, il va mettre des points. Alors, donc, sachant ça, ça c'est posé en ce tour-là. En multijoueur, évidemment, ça, ça vous pouvez. Max, tu peux attaquer. Tu peux très bien dire cette carte attaque Xari, cette carte attaque Pont, cette carte attaque le Penzo Card de Xari. Enfin, tu fais ce que tu veux avec tes cartes. Ah, il a célérité. Ah oui, tout à fait. Ah oui, voilà. Nickel. Du coup, je vais commencer par. Ah non, je choisis pas ce que j'attaque, c'est vrai, je suis con. Alors lui, il a quoi? Il a 3. Vas-y, on s'en fout. Je vais attaquer Ponce. C'est avec, mais je peux attaquer avec tout. Alors je vais attaquer Ponce avec celle-là. C'est une 5-5 ça? Ouais. Je vais attaquer Ponce avec ça et je vais attaquer Xari avec tout le reste. Non, pas avec ça par contre. Si, c'est l'hérité. C'est l'hérité, ouais. Non? Ah oui, ok. Non, ça se passe bien dans la vie de Max. Bah ouais. D'abord, Xari, est-ce que donc t'as pas de bloqueur, tu prends facial? Ouais, bah ouais. Est-ce que je compte 4? Ouais. Ça vous va? 4. Xari passe à 23. Ponce, est-ce que tu bloques? Non. On aura un de faire avant, mais ça va. Tu bloques pas, donc du coup tu prends 5, tu passes ouais. À 26. Tu coupes, oui. Peut-être. Coupe. C'est du coup une fin de tour. Xari en fin de tour a fait l'effet de sa carte pour pouvoir aller chercher une forêt et il va peut-être pouvoir commencer à jouer des trucs. Pour l'instant, on a un Max qui domine, même en le disant oui, pas bah, trop fort. Il va. Attends, tu sais comment, tu sais ce qui se passe rituel, à la fin. Il va tout péter. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Je sais ce qui se passe. Mais c'est bien à chier tout ça. What, ils le font pas en attaque-défense, ça veut dire quoi? Pour un, je vais faire. Attaque-défense, c'est chasseur-proie. C'est t'attaques forcément le mec de gauche, qui attaque forcément le mec de gauche, ou etc. Mais en vrai, c'est plus sympa là. C'est moins fun. En, ouais. En free-for-all. Je trouve c'est moins fun. Chier, je préfère attaquer qui je veux, jouer avec des potes. Mais pas en tournoi. Ouais, pour un, je vais faire ça. Donc j'enchante un terrain. Chaque fois que le terrain enchanté est engagé pour du mana, j'ajoute un. Donc, je vais mettre sur. C'est quoi le nom de la carte? C'est Végétation Luxurante. Je vais mettre sur cette plaine. Et du coup, oui, pour évidemment. Deux. Une carte qui est mythique, hein, qui l'a depuis le début de Magic. Bonjour les filles. Pour ça. Enchanté. Donc là, ça fait 3 de mana, du coup. Je vais jouer Luxuriance. Yes. Ah, ça y est, il peut partir. Il a un vert. Et du coup, je vais faire ça. Ah, celui-là, ça lui a joué pas beaucoup de bleu, mais bon. Ah non, attends. Musique. Ah ouais, c'est huge. Ah là, tu vas commencer à pouvoir. Attends, je réfléchis. Est-ce que je peux pas faire mieux? Non, je peux pas faire mieux. Ouais, vas-y. Et pour 3, du coup, je vais faire ça. C'est un enchantement. Chaque fois que je fais un enchantement, je pioche une carte. À toi. Ok. Ouais, tu pouvais okay, donc, pas le faire juste avant, je fais pas, juste mon regard. Rappelle-moi son petit nom à elle. Présence de l'enchantresse. Très bien. Ok, à moi. Ouais, ouais. Mais il y a toujours pas de bleu, mais au moins, il a du mana. Yes. En fait, là, le problème, c'est que ce deck, il joue avec du vert, du blanc et du bleu. Ouais, et j'avais que du blanc, donc bon. Si Ponce ne m'avait pas libéré, j'étais... Est-ce que ça avait pas beaucoup quand même de draw sur... Bon, c'est ce que t'as pensé grâce au dé à oui, faire oui. Le regard? Oui, j'ai fait et je l'ai laissé au-dessus parce que c'était ben une voilà. Plaine que je viens de poser. Voilà. Et là, du coup, je jouais effectivement mon Planeswalker. Bon, on manque toujours du bleu, mais... On a Aminatou qui arrive du grâce côté à ça, Aminatou qui arrive directement sur le champ de bataille avec ses 3 trucs. C'est bien. En vrai, je suis content que là, ça se rééquilibre un petit peu et que les gens proposent des spells. Je vais arriver, donc je vais lui faire un plus 1 évidemment pour piocher comme ça. Je vois ce que j'ai. Je vais directement poser. Je vais poser ça ici. Non, pardon, excusez-moi. Celle-là ici, hop, tac. Et puis là, je peux éventuellement, c'est vrai, jouer quelque chose, mais je ne sais pas quoi faire. Si. Je vais engager donc 3.
en jouant tout ça, je vais avoir assez de mana pour jouer l'infiltratrice Jeskai, qui est une 2-3. Elle peut pas être bloquée tant que je n'ai pas d'autres créatures, donc effectivement c'est pas le cas. Et quand j'inflige des blessures de combat à un joueur, je peux exiler la carte du dessus de ma bibliothèque dans un tas face cachée, mélanger, puis manifester les cartes. Manifester, on l'a vu au début là, oui. Avec, avec ton deck, avec ce deck là d'ailleurs. Donc ça met la carte du dessus de la bibliothèque en jeu, entre guillemets. Et c'est une 2-2. Et du coup, c'est plutôt cool, ouais. Oui, en vrai, c'est cool. Et, cool. Et puis, je vais. J'attaquerai bien. Je pense que je vais attaquer Max là-dessus, j'avoue. Je vais attaquer Max. T'attaques okay. Quoi, le Planeswalker ou... dans la bouche. Je vais attaquer le Planeswalker, ouais, de Max, par contre. En vrai. Avec ta 3-2 ? Ouais. Pour le faire descendre à 4. Ok. Wow. Une fin de tour ? Ouais, fin de tour. C'est un bon tour. Max, du coup, d'étape avant, le bonheur. On a l'ami Ponce qui a mis un petit dé pour se rappeler évidemment de Scry. Tu vois là, en fait, en vrai, quand t'as une bête qui peut Scry à tous les tours et Aminatou. Oui, c'est fort. Tu remets ton truc, tu la fous en dessous. Après, là, j'avoue, ouais. Du coup, je sais ce qu'il y a vu que j'ai Aminatou à l'instant. Justement. Oui, mais, oui, mais tu peux en fait, tu peux la mettre en dessous avec le regard. Oui. Si elle te plaît pas. Oui. Comme ça. Là, tu filtres au moins. Parce que genre, tout à l'heure, t'avais tout le temps un terrain et tu remettais un terrain, mais c'est trop chiant alors que si tu l'avais mis au-dessus. Complètement. Oui, là j'ai un contrôle total sur ce ouais, coup. Contrôle total sur son destin. Contrôle bon, total, mec. Je fais absolument ce que je veux. Plus 2, on passe à 6. Il faut mettre 9, ça, il faut mettre 8 là. Putain, c'est où le 6 ? Ah, il a, ouais. C'est ça. On passe à 6, je jette un terrain. Max ? Je pioche deux cartes. Ton scarabée. J'ai fait une bêtise. Et encore et plus mon fort. Scarabée est encore plus fort, ouais, je sais. Mais c'est pas fini. Fais-le du coup, parce que c'est avant que j'ai mis. J'ai mis. Ah, tu l'as mis, pardon. C'est fait. Et c'est pas fini. J'ai pas encore posé de terrain, on est d'accord pour le moment. Je sais pas. J'aurais deux, pas de dire. 4. Attends, t'avais 7 mana autour d'avant. Là, t'en as 8 maintenant. Ouais. Ok. Et ensuite, du coup. Donc 8. C'est bon, j'en ai 8. Bon, oh, attends, j'ai possibilité là. Tant de possibilités. Max Xari va se faire OS, c'est possible. En vrai, Xari, il récupère un peu de mana là. Il lui manque un peu de bleu, mais. Ouais, enfin là, mana pour défendre contre Max, je bloque avec cette plaine. Ah, c'est rigolo ça. Putain, j'aurais peut-être dû faire un truc. Ah ouais, mais quoi que. T'inquiète, Xari, même pas. Ça fouille de scalaire là, elle va pas rester très longtemps, t'inquiète. C'est vrai que là vous avez une petite 9-9 qui vous regarde quoi. Oui, mais t'inquiète pas, regarde ce que j'ai, tu la connais ou pas? Ça va changer au berceau tout ça. Ok. Finalement c'était pour 7. Scalaire c'était. Pour 7 une larve. Non mais qu'est-ce qu'il joue? Oh là là, pour 7. Pour 7? Ah, les gens l'écoutent là. Quand qu'est-ce qu'il va nous 7, sortir encore? Ah là, les gens. Malfurion hurle rage. Hein? Imagine. Enchantement qui met plus simple. Comment ça va cette carte? Monstruosité du Moldgraf. Déjà, quand une carte commence par monstruosité, généralement. C'est une 8-8 piétinement. Et quand elle meurt, je l'exile et je renvoie deux créatures depuis mon cimetière sur le terrain. Ok, donc c'est un enfer quand même. Donc t'as pu payer tes 3 verres, on te fait totalement confiance. Et 8-8 piétinement, quand elle meurt, exilée puis renvoyée sur le champ de bataille, deux cartes de créatures choisies au hasard depuis votre cimetière. Pour l'instant, t'en as ou pas? D'accord. Mais pas ces instants. Non, bah, oui, mais en même temps, c'est des informations qui sont pour le coup. Ils n'ont pas besoin de savoir. C'est vrai, mais on a le droit de regarder ton cimetière. Oui, mais en gros, c'est comme quand tu dis ouais, mais il sait lire. Ouais, mais s'il s'est trompé, moi je veux que tu le laisses tromper. Tu as raison. Bah. Si tu... Mais par contre, si tu tues. Je te demande. Si tu tues genre 3 créatures d'un coup, comment ça fait? Comment ça marche? Alors. Imaginons que là, il en a pas, mais imagine tu t'arrives à tuer ça, plus ça. En vrai, si quelqu'un l'arrive et détruit toutes les bêtes, la capacité va en pile. Et du coup, c'est quoi Exilia puis envoyer sur champ de bataille deux cartes de créatures choisies au hasard? C'est comme c'est pas ciblé, mais c'est choisi. Choisi, c'est à la résolution. Ça veut dire qu'effectivement, il va remettre ses bêtes. Okay. Là, si quelqu'un dit on détruit tout, tout va au cimetière, et la capacité. Récupère. Ouais, moins celle-ci qui du coup va être exilée. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est exilée. C'est pour éviter de la remettre à. Évidemment, la remettre elle-même. Très bien. Bon, du coup, elle peut pas attaquer pour le moment. Par contre. Il faut que tu refasses un truc comme ça. Ah oui. Est-ce que j'en ai? Ouais, je vais devoir prendre. J'ai le de mort. Je vais devoir prendre grande résolution là, je pense, en vrai. Ah putain, quand j'avais pas eu ta main. Ok, du coup, il me reste un de mana. Non, on va se calmer. Et je vais tout simplement. Elle a piétinement, elle en plus. Ouais, je vais attaquer. Je vais attaquer. T'as quoi, toi?
T'as rien? Non, j'ai rien, moi. Oh bah, c'est free. Bah oui. Bah, je vais je vais attaquer Xari avec tout. Après, Ponce vole pas. Je peux bloquer pour Xari ou pas? Non. Non, mais non. Ponce n'a pas de bête avec le vol. Ah non, ouais, non. Mais en fait, ça va peut-être voir le coup quand même lui mettre un peu de points sur son Planeswalker, non? Ouais, mais, non, mais après, plus tard. Si tu veux mettre dans la bouche de Xari. C'est vrai que Xari, il est en train de se setup. C'est-à-dire que pour le moment, il est calme, mais il y a un moment donné où il va poser des tu trucs sens de ouf. Je le sens, ça. Et je préfère que quand il pose ça, il soit 3 HP qu'à 23. Tu peux calculer, me dire combien il est? Alors là, du coup, il perd 8... Non, 9. 9. Ah, pardon, il perd 9, 10, 11, 12, 13, 14. Xari passe à 9, ouais. Voilà. C'est sûrement pas lui que j'attaquerai au prochain tour, mais au moins, il a un plus la pression. Non, mais il y a... Alors, non, mais j'ai chacun jamais... fait le choix qu'il veut. Putain, j'ai pas de terrain, c'est un cauchemar. Hein. Alors là, Xari, 1, 2, 3... Ah oui, le token 5, vol 6, a 7. Le mal d'invocation, j'avoue. T'as 7 non, il a la célérité. Ah, il a célérité. Il a célérité, c'est indiqué. Ah ouais. Bon, je suis obligé de faire ça. Faire. Allez, Xari vous propose la carte que j'avais jouée à Ponce la dernière fois. Tu me rappelles le nom, s'il te plaît? Coup d'état militaire, je crée 5 créatures 1, je détruis toutes les autres créatures. Regardez ce flegme avec lequel il dit donc ça. Donc tu détruis tout? Oui. Alors, ok. Alors, il peut avoir des réponses. Notamment l'ami Ponce. L'ami Ponce peut avoir une réponse. Tu peux faire regard 1, sûr. Voilà. Donc non, je peux choisir quelle créature je ramène, on est d'accord. Ouais, mais je sais déjà ce que j'ai vu que j'ai... Mais bon, je peux... C'est au hasard, mais je crois que t'en as que deux, non? Non, j'en ai trois. Ah bah, donc c'est au hasard. Donc tu vas les... On va le faire au dé. Du coup, j'ai pioché un avec ça. Ah non, c'est pas d'enchant. Non, c'est pas d'enchant. Donc moi aussi, hein, ça disparaît tout ça, on est d'accord. J'ai hein. Foutu le tricher. Ouais, tout le monde est mort, ouais. Ouais. Xari a fait un coup d'état militaire là-dessus, là. Tiens, Xari. Xari, tu choisis deux cartes? T'en choisis deux. Bah, les deux premières. Pourquoi? Les deux premières? Parfait, c'est exactement celle que je voulais. Oh l'enfer. Du coup, t'as pas celle-là, ouais, effectivement, bien joué. Après, bon, on a une foule de scalaires qui est revenue un petit peu plus. Après, moi, je suis un peu prochain plus tour, calme. Hein. Non. Ouais, bah, grâce. Là, il met deux. Grâce à cette capacité-là, il a pu du coup renvoyer sur toi, le cadre de créature quand même. Non, je fais rien, moi. Non, mais je pense pas. Ah, si, je fais des jetons. Par contre, t'as juste 5-1 pour te défendre. Oui, voilà, c'est ça, t'as des petits jetons quand même. Et ils sont où les jetons? Bon, tu les mets. Ouais, à moi? À toi. Ah, oui, c'est vrai que j'ai des petites merdes pour me protéger. Qui? Donc je sais exactement ce que je vais piocher, bien évidemment. Tac. Et c'est absolument parfait parce que en fait je vais jouer la marée dévastatrice. T'as lui aussi là, envie de faire un truc? Ouais, marée dévastatrice que je joue en miracle parce que je viens de la piocher grâce à Abinatou. Ah, quel talent. Donc en fait vous pouvez mettre au cimetière toutes les cartes qui sont posées sauf vos terrains, les gars. Ok. Voilà. Ça va vite. Ça coûte combien? Ça coûte 2 parce que je l'ai joué en miracle grâce à Abinatou. Donc là tu me tues ça? Ouais, c'est disparu. Et ça aussi? Ouais. Le Planeswalker aussi? Non, Planeswalker non. Planeswalker non. Alors attendez, parce que ça. C'est écrit quoi? Renvoyer tous les permanents non terrain dans les mains de leur propriétaire. Dans les mains. Tout va en main. Les tokens Xari vont dans sa main, donc du coup cesse d'exister parce qu'ils sont ailleurs quand on voilà. Joue. Et eux. Et du coup, non, dans votre main. Dans la main. Dans votre main, ouais. Ok. Quel plaisir, il vient de nous engager. Oh putain. Ah oui, le principe d'un. Mais ça aussi, du coup, mais là, tous voilà. Les enchantements aussi. Ça, c'est vraiment typique. Oui, tous les enchantements aussi, oui. À tout. Tout sauf les terrains. Il y a écrit tout sauf ouais, les terrains. Tous les enchantements retournent en ta main. Ok. Bon, bah, j'ai la chef. Cool. Voilà, on est vraiment sur une game de commandeur classique en mode il peut y avoir des boards qui dégueulent de créatures et sur une carte, bah. C'est à toi. Et donc, non, c'est pas terminé. Ah, mais oui, ça et du coup, je fais ça, et moi je joue mon Planeswalker là. Tac, bah, t'as bien raison. Et oui. Et je le remets. Ah, parce que toi, t'as ramené d'autres dans la main aussi? Je le remets. Ouais, moi aussi, c'est pareil. Hein. Tout est revenu dans ma main. Ah, mais donc, plus. Mais moi, j'avais rien. Moi, j'avais rien. Et donc, ça, je le joue. Et donc, effectivement, je fais quand même le plus 1 là. Comme ça, je check ça. Attends, juste, t'as fait le plus 1 d'Aminatou avant? Non. T'avais pas Aminatou en jeu? Si. J'ai pas le droit de le faire deux fois par tour. C'est pas la même carte. Pas la même carte. T'aurais pu faire plus 1. Ah, j'aurais pu faire. Fais le truc. Ah, ok, bah merde. En fait, non. C'est quand tu l'as pioché, c'est ça? C'est miracle, première... ouais, je l'ai pioché. En raison, tu devais le faire tout de suite. Ah, voilà, on est d'accord. Pas le faire, okay. Allez. Vas-y, de toute façon, joue, ça changera. Vas-y, joue, oui, ça changera rien. C'est bon, je vais aller. Par contre, d'accord que la Minatou, tu l'as reposé depuis ta main. Bien joué. Ouais. What a player. En fait, ça compte pas, en fait, dans le. Dans les faux, tu l'as lancé depuis ta zone de commandement, c'est pour payer 2 de plus. Pour payer 2 de plus, ouais, c'est ce que je me suis dit, donc j'ai payé 3. Là, en fait, vos Planeswalker coûtent le même prix. Ouais, c'est ça. Alors, Montana, bah en fait, non, parce qu'il m'a enlevé tous mes terrains, donc il y a 0 en Montana. J'ai pas pioché un terrain depuis 3 tours, donc je suis dans la chiasse, moi. Max, il a 8 terrains, j'en ai 4. Je suis en mode yes. Ok. Oh
faudrait que je cherche. Xari, ne pèse pas les bras, s'il te plaît, je crois en toi. Oui, mais Xari, pas. Il est mal barré, il est mal en point, il a pas la sortie. C'est clair qu'il a pas la sortie de son Saheli, mais il a voulu jouer le beau jeu et dire on va changer un peu de deck. En vrai, le deck est pas mauvais. D'ailleurs, vous avez vu, coup d'état militaire, ça fait quand même un bon reset. Hein. Ouais, mais c'est bon. Juste que, bon, effectivement, il a une main un peu greedy avec que des plaines. Enfin, avec que des. En fait, j'avais des terrains, mais j'avais pas de plaines ni de. J'avais pas vu qu'il y avait 3. Je rejoue ma merde. Et aucun asset pour son général. Que je mets à 7 évidemment parce que je vais jeter ce terrain et piocher 2 cartes. Ok. Ensuite, je vais jouer un terrain. Paye ton mana, Max. Ouais. Alors attends, il me faut un noir, un vert, un rouge. C'est quand on a le genou à terre, on trouve la force de se relever et de se dépasser, exactement. Attends d'être au fond pour pouvoir remonter. C'est vrai que maintenant, il y a tellement de cartes qui clean le board, c'est insane, hein. Enfin, surtout sous ce format là. Okay. Et en fait, comme c'est justement des parties où t'es censé être à 30-40 points de vie, bah t'es là ensuite, en mode... je joue l'anneau solaire. Joue un truc, bah, oh là là là. Et la game, c'est une aventure, c'est un film. Ah, c'est une quête épique, tu vois, c'est... En vrai, j'avais oublié que c'était un tricolore, je pensais que c'était un bicolore, donc vu que j'avais deux couleurs sur les trois... Et avec les 5 manas qui me restent, sachant que j'ai du noir, du rouge et du random... C'est ça, hein? Ouais. Attends, j'en ai pas 5, j'en ai 4. Non, parce que t'as Solaring qui en donne 2. T'as du rouge, là? Je peux poser ça. Ouais. Qui sont deux trucs avec lieutenant. Alors, tu peux me dire? Bon, il y en a un, c'est l'apprenti loyal, on a compris, c'est juste qu'elle mettait des trucs avec qui okay. Veulent, là. Et l'autre, voilà. C'est quoi? Je vais le mettre maintenant. Et l'autre, vous perdez 3 points de vie. Non, sous mon, s'il te plaît. Ah, pardon, c'est sous fif loyal. Et en gros, mes adversaires perdent 3 points de vie à chaque début de phase de combat. Ah, donc, ouais. En fait, au début du combat, tu mets une 1-1 célérité. Vol, ouais, et ils perdent 3 points de vie chacun. Genre Xari qui est à 9, il a une bonne cloque, quoi. Voilà. Mais attends, mais du coup, au début du combat, même si t'attaques pas, le combat est considéré comme... Oui, bien sûr. Et donc du coup, là, ça veut dire qu'on perd nous 2-3, et en plus de ça, t'as mis Xari ça... Xari est à 6, Ponce est à 23. Oh, c'est infernal, là. Et du coup, tu peux attaquer avec... Je peux attaquer avec ça, je vais... Non, je vais pas attaquer Xari, je vais attaquer Ponce. Bah, en vrai, t'es con. Mais j'ai pas envie. Je veux te laisser. Je veux que oui, tu gros. Sûr. Et en plus, je vais attaquer sa merde là. Non mais en vrai, oui. Ouais. Mais en fait, le truc, c'est que là, si tu m'attaques, au prochain tour, je suis mort. Donc t'as gagné. Enfin. Oui, mais non, il a pas gagné. Non, mais lui, il me tue avec ça. Oui, mais en fait, là. Il a pas gagné. Il est en 1v1, mais du coup. Oui, mais c'est là, ça menace. C'est plus juste mon Ponce. Bah oui, mais alors. Non mais si m'élimine, c'est mieux. Mec, je suis pas en tournoi. Je veux. Ça aussi. Bien sûr, bien sûr. Clairement. Ok. Ponce ou son Planeswalker? Une réponse, non. Non, mais non. Tac. Voilà. Enfin, t'attaques mon plus. Et en vrai, Xari, okay. Si tu le gères pas sa bête, dans 2 tours t'es mort. Donc à la limite, il a pas forcément de raison de t'attaquer non plus. Hein. Ouais. Hop. Ça va être très dur là. Waouh. Ça va être très très dur. J'ai eu les cartes qu'il fallait. Ouais. La carte sous fifre loyal est trop chiante là. En plus, ça a la menace. J'ai pire en main. La menace, ça va... vous inquiétez pas, il y a encore pire qu'elle. La menace, c'est qu'elle peut pas être bloquée par moins de 2 créatures en plus. Donc, Ah putain. J'ai bien utilisé chaque portion de mana. C'est bien quand tu curves. Hein. Ça peut curver. Tu vois, quand, quand mon plan se déroule mieux, sans accro, j'apprécie. En fait, c'est ça qui me. C'est pas que ça me saoule, c'est que je m'énerve quasiment jamais comme ça. Sur Magicka Anna, parce qu'en fait, quand tu peux pas faire un truc, le jeu te le dit. Du coup, t'as pas la surprise de dire ah, maintenant ça marche pas. Le jeu dit fais gaffe, tu pourras pas le faire. Et du coup, tu te fais pas baiser, tu vois. Que là, tu fais, donc le mec il voit ta carte et t'es en mode eh bah super, je peux pas le faire et t'as vu ma carte, énorme. Donc voilà, c'est un peu, c'est l'avantage du jeu vidéo quoi. En vrai, si vous êtes pas un amoureux de jeu de cartes physique et que vous avez pas de potes vraiment jouer à Arena quoi. C'est... Ah, c'est, bah, dur, c'est hein. Quand même bien. Enfin, si, ouais, en vrai, si vous avez des potes, c'est quand même mieux. Mais disons qu'Arena vous coûtera moins cher et vous pourrez jouer tout le temps. De toute façon, l'un n'empêche pas l'autre, quoi qu'il arrive, dans les deux sens. À toi, Max. Si vous jouez en physique depuis longtemps, vous pouvez très bien faire un peu d'Arena de temps en temps. Non, c'est et, juste ça, et inversement. C'est du pognon de jouer en physique. Quoi. À toi, Max. C'est top. Après, sur Arena, personnellement, j'ai mis plus de pognon là, depuis que c'est sorti que. Oui, mais parce que t'en as mis moins dans le physique. Certes. Donc, l'un dans l'autre. Ok. Je pioche. Il y a moins d'entre vous là. La carte de l'annonce, ouais, elle est sur Twitter. Plus 2. Je vais essayer de la recruter. Je
protège un terrain. Je pioche deux cartes. Il est où le stream ? Je pose un terrain. Et ensuite, je joue pour un. Oh, je peux faire plus drôle. Oh, je peux faire plus drôle. Je peux faire plus drôle. Je peux faire plus violent, en fait. Ah, c'est sur le, comme destruction. Le Twitter de le stream. Non, vas-y, je vais faire ça tout de suite. Je vais poser ça. Alors, son pignon, s'il te plaît. Une sorte de carcasse. Je vais poser ça pour 6. J'en peux plus. Tac, tac. Alors, la force et l'endurance 3, de carcasse de Garavois sont 4, chacune 5. Égales au nombre de terrains que vous contrôlez. Ah, mais mec. Oh putain, il en reste combien là ? Alors, on a un axe qui est au sommet. Donc, c'est de cette 11. Parfait. Voilà. Ça va se gérer sans souci. Bah, tu. Tout à l'heure, Xarie, elle a posé une carte, ça a tout détruit. Après, et ça comptait pas le nombre de points de vie de la carte. Hein. Elle piétine pas, ceci dit. Elle ne piétine pas. Par contre, elle bloque par bien. Par contre, quoi, du coup. si je dépense 3 non. de mana au, non. au prochain tour, non. je non. peux la défoncer. Non. Voilà. Coup de sang, c'est quoi ? C'est en fait à la place de la jouer, tu aurais pu booster. D'accord. Bah, non, c'est bon. T'es là pour avoir une 11-11, y'a pas de soucis. Bah, si, ça c'est bien. Quand le coup de sang en mode j'attaque, l'autre je suis à 15, laisse passer. Tu fais plus 11 plus 11. Vole, ouais. Ouais, effectivement. Bah, t'as un truc qui vole, c'est pour ça. Mal au cul, quoi. Ah ouais, je pouvais en faire une 12-12 vol. Ouais. Mais pour un tour. Pour one shot. Ah, que pour un tour. Ouais, ouais, mais pour finir un mec, quoi. Ah, pour finir. Ah ouais, la ponce, je pouvais le mettre trop mal. Ouais, après. Bon, de toute façon, non, vas-y. C'est joué, c'est mon erreur, j'apprends. C'est mon erreur, il est en train de nous piétiner. Écoute, j'accepte mon erreur, mec, y'a pas de problème. Ça arrive à tous de faire des faux pas, c'est pas grave. Mais c'est bien aussi. On continue, on avance, on baisse pas les bras. C'est parti, ponce. Clairement, c'était pas ton tour. Je pense que la prochaine fois. J'espère que ce sera rapidement. On va quand même poser ça. Va montrer à quel point. Et pour. Aminatou. Mais je vais arrêter ce deck. On va poser ça. Voilà. C'est quoi ? Allez hop, on va rajouter du mana. Ça, c'est un rituel qui dit chercher dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes terrain de base. Il y en a une que tu mets sur le champ de bataille engagé, l'autre dans ta main. Ah oh bah, t'aurais oui, faire j'aurais avant, pu ça, le faire avant, mais en fait, j'étais plus sûr que j'avais assez. J'ai chié ça de faire un que ça. C'est pareil, c'est. Ah, mais oui, j'avoue. C'est tout le temps. Hein. Ça, c'est, tout le temps. C'est non exhaustif. Plus il rajoute. C'est huge en vrai. Bien. Bon, là, je vois exactement comment gérer ça. Bah, moi, je prends déjà 3 parce qu'il attaque. De base, oui. Avec ça, là. Bah, moi aussi, du coup. Là, je peux... Ouais, mais là, moi, je suis mort, hein, techniquement. 3, bah après, il libre à lui de te terminer okay. ou pas, quoi. Je vais évidemment tout mettre dans ponce, en fait. C'est les cartes que j'ai en main, ça ? Bah, oui. Ah, oui, je. T'as un mana. Ah, j'ai et... tout joué, quoi. Un mana et une carte que je viens de choper, donc j'ai. D'accord. Il y a deux doigts de se plaindre parce qu'il n'y a pas de carte en main. Non, on est bon. On est bon et du coup. Du coup, je vais prendre trois tous les deux. Du coup, avant toute chose. Elle a pas célérité. Donc j'ai deux vols célérité. Ma maison, une troisième. Non, je viens d'avoir. Non, on vient de la mettre. Ok, et donc du coup, je vous mets à 3 moins. Ouais. Zary, t'as 3 points de vie. Ouais, yes. Ponce est à 20. Avec mes deux vols, je vais attaquer le Planeswalker de Ponce. Et avec tout le reste, je vais mettre 5. Ah attends, elle a 5 d'attaque. Ah ouais, tu m'en mens-tu. Non, j'ai pas vu ce que t'avais joué, Ponce, c'est laquelle c'est la 5-3 là de c'est la 5-3, ouais, c'est le golem de Géode, ouais. Ça sert à rien d'attaquer. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Bah, je l'ai tué Xari, je suis désolé. Mais non, gros ça sert à rien. Si, ta bête a la menace. Donc il peut pas te bloquer. En fait, je peux pas bloquer ta bête. Vu, ça... Ah bah oui, bah... Du coup, tu me mets 3. Voilà, mais avec lui, j'attaque pas. Ok. Ponce, tu as pris combien ? Sans compter les 3 blessures qui étaient changées. J'ai oublié, 3, 4, 5. 5. 5 ? Oui. Xari est à... Ponce, pardon, est à 15. On se fait ratatiner, quoi. Enfin, j'avoue que Xari, là, si t'as rien pour récupérer des PV... J'ai rien pour récupérer des PV dans le deck. Moi, je te transfère 2 PV. Ou aussi, tu peux tuer cette créature. Tu peux tuer la bête, tu peux aussi gérer le Planeswalker et espérer qu'il le rejoue pas. Non, mais gros, il y a ça derrière. Enfin, genre, moi, si j'ai une carte à gérer, je préfère gérer ça là. Non, mais c'est juste que Xari, là, s'il ne fait. Même s'il joue pas, il fait rien, bah il meurt juste à cause d'elle. C'est Xari ou pas ? Oui, c'est vrai. Mais... C'est Xari, oui, c'est Xari. La carte. Oh, j'ai toujours pas de terrain. Du coup, pour. Le piétinement, mais le piétinement, il marche que si j'attaque. Ouais, c'est qu'un attaque. De toute façon, j'ai pas bloqué, donc. Comme ça. Allez, Xari va peut-être nous jouer un petit dernier sursaut. Moi je vais jouer ça, je vais détruire toutes les créatures. Alors tu peux me donner le nom s'il te plaît. Ah, tu vois, voilà. Ouais, bah oui, voilà, oui. Tu vois. Après t'as du mana, t'as des oui, planeswalkers. Bon, on le connaît l'Exari, on le connaît. Est-ce que tu peux me donner le nom s'il te plaît, d'accord. Vent de rage. Vent de quel rage. Quel bâtard, il fait genre il est au bord mais gros, du coup. Mais gros, j'ai aucun heal dans mon deck, j'ai 3 HP. Ouais mais là t'as tué tout le monde. Oui mais ça sert à rien. J'ai plus de mana, j'ai oui, plus rien. Oui mais moi tu sais très bien que si je vais attaquer quelqu'un, ce sera pas toi, ce sera Max. Tu vois ce que je veux dire. D'accord, mais donc en même temps... Bah non mais gros, si tu veux à un moment me tuer, d'accord, toutes mes cartes sont dead.
cimetière. Ouais, tout va au cimetière. Hein. Tout elle est. Bah voilà. Existé. T'as combien Au moins, ça joue, tu vois. T'as pas un. Putain. Un enchantement qui pourrait faire piocher, genre. Ça met yambe. Si, ouais. Ah, mais attends, mais moi aussi, du coup, elle meurt celle-là. Ouais. Putain. Ça met yambe. Ça, je suis. Ça met yambe. Alors attends, Xari, tu joues un enchantement, du coup, tu pioches. Oh. Je gagne un point de vie. Oh là là, il passe à 4. Yes. Voilà. Insane. Toujours pas de bleu, par contre. Non, non, toujours pas de bleu. T'as plus d'enchantement, t'as plus rien. Ah oui, ton Planeswalker, il reste. Hein. C'était les créatures, mec, qui étaient détruites. Par contre. Ah, cool. Oui. Bah, j'étais à 9. Attends, ouais, il était assez huge, ouais, effectivement. Par contre, est-ce que vous m'autorisez à juste faire ça plutôt? Ah non, je suis obligé de faire ça. Tu gères, franchement, non, comme tu veux. Bon. À moi? Ouais, je peux en faire d'autres. Et en plus, c'est un truc pour te défendre. Bah non, parce que je peux pas le faire. Ah oui. Bah ouais. Ah, donc là, faut qu'il y ait une bête célérité. Bon. T'as 4 points de vie, quand même. Là, j'ai une strat. À chaque tour, je reprends ce terrain et je le rejoue pour gagner 1. Gros, fais ça. Hein. Non, mais bah, tu peux pas. La montagne, je sais pas, mais en tout cas, il s'offre du temps. Parce que c'est vrai que là, sinon, il était juste décédé. Quoi. Alors, ouais, mais ça peut te tuer ce que je suis en train de faire. Bah, baisse-moi, mais gros. En fait, je vais mettre 4 blessures à toutes les. En fait, le truc, c'est que j'ai pas eu de bleu et le bleu là. Bah, le bleu m'aurait mis pas dégueu, mais. Te fait défaut. Il fait quoi là? Organiser mes terrains, parce que j'aime pas quand c'est le bordel. Il fait quoi déjà ton ulti, Max? Mon ulti, je peux détruire jusqu'à 6 permanents non-terrains. Ok. Et je crée 6 jetons 2-2. Voilà. Si, en vrai, ça va être fun. On se met plutôt bien. Je sors le voyant de manteau brune. C'est une 4-4 vol. Au début de votre entretien, donc ce sera... Chut, on a le temps, hein. Chaque joueur... On a le temps. La gérez pas, on a le temps, les gars. Non, mais regarde, tiens, ça va être drôle. Chaque joueur révèle la carte du dessus de sa bibliothèque et perd un nombre de points de vie égal au coût converti de mana de cette carte, puis la met dans sa main. Ah oui, c'est vrai que Xari va jouer un peu avec le feu. Ouais. Faut voir. Tiens. Mais c'est débarre. Ouais, c'est débarre. J'ai une grosse carte. Non, sérieux. J'ai un deck de gros tons, donc je pense que je suis bien mort. Non, mais en vrai, si t'es ouais, c'est marrant. Oui, c'est marrant. Mais c'est marrant, mais je suis... Bah, ça m'arrange, mais... Mais lui, il aime bien. Mais du coup... Chaque joueur, même toi. Ah oui, moi aussi, bien sûr. C'est drôle. Vas-y, à toi. Ouais, on a tous envie de savoir si on arrive au-dessus de son deck. Et on le verra tout à l'heure. Voilà. De toute façon, c'est révélé, c'est ça? Après, si c'est un terrain, ça me fait zéro. Révèle. Donc de toute façon, on fera révéler un par un. C'est ça, bien sûr. Et on verra si... Moi en premier, Xari en dernier. Par contre, si je pioche là un terrain... Une île. C'est insane. Bien déçu, quoi. Bah non, c'est insane. Tu perds zéro. Non, parce que... Non, c'est si je pioche, je le dis. Ah oui, putain. Je suis au fond, quoi. Parce que... Non, c'est au début de l'entretien. Oui, mais c'est mon entretien. Donc c'est lui quand il va jouer, il pioche un terrain. Sachant que moi en plus. Oh, j'ai trop hâte, ça va être énorme. Je vais pas te mentir que là, je te jure que j'ai que des cartes qui coûtent 4. Hein, vraiment, elles sont toutes énormes. Et t'as combien de 4 Oui. Faut que Xari pioche un land. Bah non, justement, faut pas que je pioche un land. Il faut que je pioche un land dans. Après quoi. Après, ouais. Quand on va révéler. Parce que là, sinon, je suis dans la chiassesse. J'ai trop envie de voir combien je vais perdre. Il y a des enchantements, des trucs comme ça qui sont posés là? Non. Oui. Il dit là-bas, il y a 2 enchantements. D'accord. Ah, parce qu'il a le truc qui casse tout là, je pense. Ouais. Alors, c'est quoi? Alors, c'est voué à la poussière. Détruisez n'importe quel nombre d'artefacts et ou enchantements ciblés. T'as le mec, lui, refuse. Lui tu ça, du coup, je suppose. Mm-hmm. Alors, par contre, ça coûte 3 et ce sort coûte 3 de plus à 6, lancer quoi. Pour chaque cible après la première. Donc, en gros, ça va me coûter 6. Oui. Donc ça va me coûter 2 comme ça et 4 random. 1, 2. Attends. Ah oui. Bah voilà. C'est bon, ça fait 4. Tac. Ensuite, pour 1, 2, 3, 4. 5. Je vais jouer cette créature. Comment s'appelle? C'est un dragon. Alors c'est la dragonne nidifiante. Je dis à l'envers, désolé. C'est une 5-4 vol, touche terre. À chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, crée un jeton de créature 0-2 rouge, dragon et œuf avec le défenseur. Donc défenseur, c'est ne peut que bloquer. Et qui a... Quand cette créature meurt, crée un jeton de créature 2 de rouge dragon avec le vol. Okay. Ensuite, c'est insane. Pour un vert et un noir, je vais poser cet éphémère. Oui, je sais, je peux le jouer quand je veux, mais quand même. N'importe quoi. Révélez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez mettre une carte de créature ou de terrain parmi elles dans votre main, le reste dans votre cimetière. Pour l'instant, on est d'accord que tu n'as pas mis de terrain. 4, 5.
Si j'ai mis un terrain. Ah, donc oui, il aurait fallu le faire après. C'est pas grave, c'est pas grave. Je joue mal, mais c'est pas grave, j'essaie de jouer vite surtout. Okay. Okay. Moi ça va rien changer, donc c'est à moi je suppose. Hein. Je peux mettre une carte de créature ou de terrain. Attends, parce qu'il n'a pas encore fait son Planeswalker et tout. Si, il vient de le faire. Bah attends, il a... Si, il est à 11 gros. Si, il vient de si, il l'a fait. Ah, il l'a fait. Ouais, il était à 9 et il est passé à 11. C'est à moi. Sûr. Ouais, je l'ai fait. 100%. Pff, pas heureusement que j'ai pioché ça, ça valait 7. Je l'ai fait discrètement. Mais heureusement que j'ai pioché ça valait 7. Xari a esquivé le 7 damage. Moi j'espère juste que Max il va se prendre genre, je sais pas, 8, un truc sale. Pas impossible. Hein. Ce serait sale. Il y a quand même des grosses cartes puisqu'il a, il a un deck qui justement accélère énormément. Enfin, met tu vas chercher vite un mana mais des gros, ouais. Mais des gros trucs. J'espère. Chambre. Moi je pense hein, qu'il y a pas de justice et qu'il prend un terrain. Ce serait insane mec. Je pense. Genre ce serait bien que Xari prenne 0, moi je prends, tu vois, on va dire 2-3 max. Et genre max il pioche un truc, genre ça coûte, je sais pas, genre 27. Je peux regarder là. Non bah non, ouais, non, attends, non, attends, Xari, on va non, arriver au fur et à mesure, on va essayer de faire une sorte de bon, pression. Bon, je crois que je suis mort, donc dans mon dernier sursaut de bonté, vu que Ponce m'a aidé, je vais mettre ça sur sa créature. Quoi mais non. Quoi t'es sérieux? Ça fait des alliances. Mec c'est adorable. C'est mais plus 3 mais tu peux ça pas m'attaquer. Ça fait des alliances claniques. Alors, ah c'est insane. Attendez, à savoir un truc. Quand quelqu'un quitte la partie, ça part. Il reprend tout. Ah ouais. Imaginez un mec qui a son train. Il se barre, il dit pas bah tiens tu me rendras mon enchantement tout à l'heure. Ah ouais. C'est pas drôle. Ça va marcher, mais dès que Xari est mort, l'enchantement. Parce que là en gros je prends un +3/+3. Alors comment ça s'appelle? Donc ça fait une 7/7, c'est vœu de la sauvagerie. C'est donc Xari me met un +3/+3 sur ma créa. Par contre je ne peux pas attaquer Xari. Ah bah oui non, en plus c'est cool. Non mais en plus c'est fait exprès pour mettre justement sur les bêtes. Ah oui. Ça c'est typique le genre de carte excellent en ODH multijoueur. Puisque le but c'est de booster une bête adverse qui en plus pourra pas t'attaquer toi. Donc c'est vraiment pour foutre la merde. Mais du coup en vrai c'est pas mal. Mais j'espère juste qu'il va pas mourir au prochain tour Xari. Et je vais jouer ça. Oh la licorne gros, je l'ai aussi dans la main. Putain, faut que je montre ce que j'ai pris apparemment. Quoi? Dans la carte qui m'a fait piocher 5 oui. Machin, j'ai pris ça. Ok. Piétinement, et c'est bon, quoi? Je vous le dis en gros, c'est une créature 5-5 piétinement, sauf qu'elle a, elle gagne +10/+10 quand vous contrôlez au moins 10 terrains. Spoiler. Spoiler alert. Spoiler alert. Xari, tu peux me dire le nom de la licorne s'il te plaît? Licorne loyale. À toi. J'ai vraiment des cartes. Okay. Donc d'abord on commence. Alors déjà moi je pioche avant non? Ou alors non, au début de mon entretien non, c'est maintenant. Non, c'est avant la pioche. Donc tu dégages. Ok, donc je dégage et attention. Et attention avant la pioche. On a d'abord Ponce, je vais perdre révèle la main mais là au milieu. Je vais perdre le nombre de PV. Vas-y. Zéro. Rien. Quelle chatte. Et je la prends du coup parce que je vais piocher. Enfin. Non mais quoi qu'il arrive vous les mettez en votre main. Ah ouais exact. Vous les piochez en fait. Ah, donc on pioche tous une carte de plus. Oui. Bah, c'est enfin, non, c'est parce que moi c'est mon tour. Mais là, oui, vous allez piocher. Oui, bah, c'est quand même une carte de plus. Oui, c'est vrai. Ok, Max. Max. Ah, mais non. Mais attends, moi j'ai pas joué. Là c'est en gros, là, on fait les trucs, on met tous les points de vie. Voilà, c'est ça. Attention. Révèle. Max, le karma, mon pote. Non. 5. Ah, 5 points de vie. Et bah, c'est les premiers points de vie. Le jeu éphémère qui bolosse tout. Pour n'importe quel nombre d'adversaires, détruisez un permanent non terrain. Ok, tu fais. Tu vas bien. Ok, et donc là, spoiler alert, Xari. Allez, 3. 3. J'ai 3 terrains. Oh, il est encore là. Mais voilà. T'inquiète, c'est free win. Je suis à 1. Oh là. T'es à 1. Ouais, mec, un PV, ça suffit pour gagner. Là, je vais bourrer Max. Bah bon, Max. Alors, toi, on a ton entretien. Du coup, effectivement. Étape de pioche. Maintenant, je pioche. Voilà. J'ai 1. Ouais, je vais payer 5 et vous allez perdre vos créatures. Bah oui. Eh oui. Est-ce que j'ai assez pour payer 5/5? Bah oui. Mais là, Max, je suis bien. T'es à 2 contre 1. Mais t'es bien. C'est vrai, je suis pas mal. Bah, il est pas à 2 contre 1, j'ai 1 point de vie. J'ai aucune créature. Je vais pas te mytho qu'elle vole et que si elle est là au temps suivant, on va finir Xari parce qu'il commence à me faire peur. Donc. Mais je peux rien faire, hein, vraiment. J'ai pas de bleu, donc du coup, je peux pas jouer mon deck. Depuis tout à l'heure, t'as pas de bleu? J'ai pas de mana en fait. Ah, il a dû relancer. Il pensait qu'il était bicolore. En vrai, c'était pas mal. J'avais tous les terrains qu'il me fallait, mais je pensais pas qu'il fallait absolument du bleu pour vraiment faire tourner. Alors, je t'attaque avec et ma. Du coup, bah, je peux pas jouer avec. Je t'attaque avec ma 7/7. Ouais. Sur toi. Mais il faut péter ça, non? Il va faire son ulti. C'est quoi déjà son ulti? Je détruis 6 cartes non terrain et je pose 6 jetons de 2. Ouais, sur le Prince Walker, ouais. T'affiches combien? 4? 7. Allez, c'est une +3/+3. Elle est boostée. Tu peux bloquer. Tu peux bloquer. Ouais. En vrai, tu fais le. Mais en vrai. Attends. Elle a le piétinement, si. La bête? Elle a pas le piétinement. Le +3/+3 lui file pas le piétinement? Piétinement.
Ferme ta gueule toi. Bah oui mais bon c'est les jeux. Je suis là pour ça les gars. Effectivement. Ah, est-ce que tu bloques ou pas? Parce que bon, vous, vous avez pas bah, j'ai détruit deux fois le board gros. C'est, je peux c'est pas. Mais moi aussi j'ai détruit une fois. 5-4. 5-4. Donc si jamais tu bloques, tu te prends 3. Tu prends 3 dans le truc. Est-ce que ça vaut le coup? C'est chiant parce que du coup je peux plus faire l'ulti. Donc quitte à plus faire l'ulti, vas-y, je vais garder ma créa. T'as 100% raison Max. Du coup je prends 7, j'ai 11, il me reste 4. Ouais, dommage, j'étais à ça hein, de faire l'ulti. Enfin, après, c'est dur. Hein, après, l'ulti dans un board comme ça, en c'est gros, rien ouais, qui détruit une bête. C'est ouais, comme si j'avais 6 cartes de 2, gros. Oui, c'est vrai. Ah non, 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 parce que c'est pour chaque truc, non? Non, non, non. Puis, ah, t'as 6 ça, jetons oui. de créatures de 2. Tu veux tuer un truc, t'as quand même ta bande de chats qui arrive là. Non, je tue 2 trucs. Ouais. Non, mais même en plus, il a... en fait, tu les vois pas depuis tout à l'heure, mais il a des enchantements aussi dans ses terrains. Alors, ce que je fais aussi, juste. Ah oui. Je joue. Alors, j'ai une question. Une miracle éphémère. Un est-ce miracle que éphémère. Ouais, par exemple là je viens de piocher une carte. Oui. Elle a miracle. Tu peux le faire tout de suite. Le miracle, je peux le faire quand je veux? Oui. Non, tu peux le faire que au moment où tu pioches. Ah genre là je peux plus le faire le miracle. Tu l'as pioché quand ta carte? Là, ce tour là, c'est la seule carte que et j'ai piochée. T'as rien fait d'autre? Bah j'ai attaqué quoi. Bon bah mettons que t'as pas attaqué, tu fais ta carte si tu veux. Ah d'accord, donc c'était ça ma question. Miracle, okay. c'est, le miracle hop, c'est vraiment voilà, c'est ça. Si tu veux le jouer hop, hop. Si tu veux jouer pour ton coup de miracle, c'est insta quand tu pioches. C'est le pouvoir de l'amitié. Du coup mec, si jamais t'as un éphémère qui te fait piocher et que tu dis, je sais pas, autour de Max, je pioche, et que c'est une carte miracle, même si c'est un rituel, tu peux du coup le jouer direct. Ah, ça je savais pas. Mais là ok, mais bon, du coup, là c'était pas tout à fait ça, mais du coup je la joue en miracle, donc ça coûte plus qu'un, et en gros... Avant d'attaquer du coup. Oui. Bah oui, en gros avant d'attaquer, vas-y. Mais du coup bah, ça met ça en dessous de ta bibliothèque. Ah oui. Non, tu peux pas, c'est avant d'attaquer. Effectivement, ouais. Tu peux me rappeler le nom de la carte, s'il te plaît? Pardon, oui, frappe de bannissement. En plus, vraiment, je crois que j'ai lu mon deck, je crois que j'ai rien qui me heal. Hein. Mais si j'avais pas posé mon terrain. T'étais mort. J'étais mort. Oui, déjà. Si j'avais pas posé mon terrain, j'étais mort. Donc, le 1 life. Et ensuite, je. Parce que moi. Putain, Xari est toujours là. Est-ce qu'elle a fin? Est-ce qu'elle a toute fin, Xari gagne quand même? En miracle. Ah, mais je jouais avec les autres, étaient déjà engagés. Non, 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 bah je les ai engagés parce qu'en fait, du coup, j'ai vu miracle. C'est pas de bleu. Et en gros, elle coûte 1 en miracle. Et là, donc, il me reste 5 de mana. Et avec ces 5 de mana. Pourtant, là, t'as du mana. Ouais, mais j'ai des cartes de merde, je vais pas te mentir. Eh bien, j'ai ça qui pue, c'est mort. À toi. Ça qui pue, c'est mort. Ça, j'ai pas de bleu. Ça, j'ai pas de bleu. Ça, j'ai pas de bleu. Bon, faites pas chier. Alors, tu vas piocher. On va voir, ouais, c'est ça. Il y a une petite île qui va arriver là, je la sens là. Je sens la marée. Bon. Ah ouais, c'est pas mal ça. De quoi? Zéré qui s'accroche, exactement. J'ai une carte qui est bien, mais il me faut deux bleus. Ah oui. Et t'en as 0? J'en ai 0, donc de toute façon je pourrais pas la jouer. Ah, okay. Hop, elle va ici. Mais tu sais que moi j'ai qu'une plaine, je galère aussi depuis tout à l'heure. Moins 3. Ah, c'est le problème du jeu tricolore. T'as fait quoi, moins 3? On va chercher des terrains. Combien? 2. Renvoyer sur le champ de bataille jusqu'à 2 cartes terrain ciblées depuis votre cimetière. Et j'en avais pas assez, le gars. Ça arrive engagé ou pas? Non, non. Okay. Enfin, sauf s'il y a marqué dessus que ça arrive engagé. En l'occurrence, c'est quelqu'un. C'est pas mal, hein, c'est le seigneur machin des vents. Mais Nico, tu gagnes la game. En vrai, j'ai aucun heal. Dans un EDH qui te laisse le temps, bah là, le mec, il est à 14 terrains, enfin, au bout d'un moment. Oui, après, s'il avait affronté Shahil, la talentueuse, qui a 11 mana au 4ème tour. N'importe quoi, ça. Bah, j'avais vraiment 11 mana tout à l'heure. Oui, et en mettant plus, hein, c'est un scandale. Scandaleux. La prochaine fois qu'on fait une émission, on va essayer de faire un. Où Xari sera à sa pleine puissance. Xari. En vrai, le deck là, il avait l'air cool. Hyper instinct. Quand je l'ai lu, il avait l'air cool. Mais il est cool. Quand t'as du mana, il est cool. Mais quand t'as pas de bleu, personne ne sait même le commandant que je joue tellement. J'avoue, j'en ai jamais vu. T'es sans commandant en fait. C'est Estrid. C'est Estrid en fait, c'est un collègue à moi. Il passe des fois. Et 8 autres mana. On a parlé 2 minutes et le board est plein de moi aussi. Je vous ai regardé 7, là, il a 10 cartes en jeu. Voilà. Hop. Alors, j'ai joué le mana que je devais jouer. Ok. Du dans l'ordre que le mec il a. Il me reste encore 4 mana. Et il a une pile de land. J'ai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai 15 de mana. Du coup, lui, ça devient une 15-15. Hein? Parce que quand à partir du moment où j'ai 10 ou plus de mana, il est plus difficile. Tu peux juste donner les blasts des trucs compliqués. Les viewers, Déferlante de Scarabée Rhinocéros. Ok. Déferlante de Scarabée Rhinocéros. Je joue également cet éphémère qui tue du coup vos deux créas, Xari l'a fait. Donc il a ça qui effectivement est 5-5 piétinement, mais qui donc du coup est maintenant 15-15 piétinement, super. Et ensuite je joue cet enchantement qui dit l'expédition de cœur. Ah oui, de ça Kali. Ça va, on s'en fiche. C'est quoi l'autre carte? Chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille, sur le contrôle, vous pouvez non, mais mettre c'est, un marqueur, quête. Ouais, j'aurais dû jouer d'abord ça avant de faire, mais tant pis, vas-y. Ok. OSF.
À moi du coup. On apprend à jouer le deck. Alors, ouais. Xari, une île. Xari qui tient. La, 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 la. Pas du tout. Insane. Ceci dit, c'est un peu. Je vais jouer ça. Et du coup. Ça y est. J'ai une île. Il a du bleu, putain. Non, sérieux. Enfin, j'enchante un terrain, je peux faire une île si je veux. Le nom, s'il te plaît. Terrain fertile. Trop bien. Encore en vrai, faut le finir, Xari, parce qu'il a rajouté un peu d'engrais. Il va nous casser les couilles. Il a rajouté un peu d'engrais sur son terrain. Il y a des abeilles qui viennent butiner, on peut le voir. Je peux rien faire. Au moment, c'est toi qui casses les couilles, Max. Je fais rien. Hein. Bah, on claque toutes les scènes. Mec, il a une 15-15 piètes. Je fais rien. Ah non, mais parce que tu fais rien parce qu'on claque toutes nos cartes contre toi. J'avais un board de 73 cartes. Deux fois, vous m'avez tout enlevé. Ah ouais, mais en même temps, gros, t'as une 15-15 piétinement. On va encore devoir faire un truc pour toi. J'ai plus de cartes. Oui, mais tu mais t'as une 15-15 piétinement quand même. C'est-à-dire que là, 15-15 piétinement, genre là, tu peux dire bon, je t'attaque, ponce et je meurs. Enfin, tu vois, genre. C'est... Ouais. Bah voilà, donc forcément, on est obligé, mec. Ouais, mais ça me sert à rien en fait de faire du bleu là. 1, 2, 3, 4. Merde, ça pour ça. Le public 8. Est tellement déçu. Là, on veut que maintenant que t'as ton bleu, tu gagnes la partie, quoi. Ouais, bah non. Hein. Parce que je te signale qu'au prochain tour, il y a révélation de cartes. Et il y a peut-être bon instantané de Xerxes. Ah non, mais moi, c'est fini. Hein. C'est terminé. Là, il essaye de voir comment il peut aider. Ça fait 5 tours que. Non, non, mais je peux aider personne. Faut pas non plus déconner. Déjà, pour qu'il cède. Tu peux pas te filer exproof à toi-même, non? Tu sais quoi? Il fait quoi ton Planeswalker là? Peut-être au moins joue-le comme ça. Ah oui. Oh, ah oui. Ah, c'est un Planeswalker. Comment il s'appelle cette. Insane. Ça veut dire à chier. Ça sert à rien. C'est Ingrid, comment elle s'appelle? Non, Ingrid, c'est pas Ingrid. C'est Estrid, mais elle pue sa mère. Ingrid, sœur de Colette. Bichon Ingrid. Elle fait quoi? Elle dégage échec permanent enchanté que vous contrôlez. Comment ça s'écrit Street bordel? Il y a un H qui part. Bah en gros, il récupère du mana, mais c'est un peu tard quoi. Non, mais pas que, tu vois, même tu peux garder pour bloquer, ouais, c'est pas immonde ouais, en vrai. Ça. En gros, il pose des trucs, il les enchante et après il réattaque. Ouais, en vrai, pourquoi c'est pas immonde. En vrai, c'est pas mal, c'est quoi, setup quoi. Estrid, avec E-S. E-S-T-R-I-D. Putain, 1, 2. Ok, je l'ai. Ok. Alors attends, j'ai un play là, insane. Je joue Estrid, la femme au masque. Elle arrive avec 3 compteurs. Je fais son plus 2. Donc je passe à 5 et je dégage tout. Mec, c'est huge ça. Insane. En vrai, c'est fort. Bah oui, en c'est vrai. C'est ah, les fort. Femmes chauves là, c'est. Et du coup, j'ai combien de mana? C'est réduitoire. 1, 2, 3. Ah bah non. 4, c'est 5, c'est interdit. Hein. 6, bon. 7, 8, 9, 10. J'ai 10 mana. Oh mec, en vrai, c'est huge. J'ai 10 mana, frère. Et en plus, t'as mis plus 2 sur Ingrid. Ouais, mec, t'es sûr, t'as plus tout d'étape? Bah oui. Bah c'est écrit, mec. Hein. Dégager chaque permanent à enchanter. Enchanté, gros. Tout était un les 3 ils sont enchantés. Oui, bah pas. Ils sont pas enchantés. Ah, tu l'as mis avec ça c'est, là, j'ai fait d'accord, ça. D'accord. Les 3 ah, serins qui sont pas, qui sont pas enchantés, ils tu sont... les as pas d'étape. Tu les as bah pas non, d'étape. Non, ils les ont pas d'étape. Je croyais qu'ils les avaient d'étape. Effectivement, c'est ma faute. Ça fait une plaine, un bleu. Ça fait une plaine, 2 verts. Donc du coup, ça fait 2 verts plus une. Bah, en fait, j'avais juste à taper ça et ça, et ça faisait 5. Et d'ailleurs, du coup, tu peux, si tu veux, engager avant de faire son effet. Ta plaine qui est enchantée là, pour avoir 2 mana de plus. Là en vrai, t'as 12 mana gros. Ok, ouais, c'est ça. Bon, j'ai 12 mana, ça me sert à rien. J'ai 12 mana, yes, je suis vraiment le boss. Est-ce que c'est là où il remonte ou pas? Ah, tout le monde a envie d'y croire. Je vous assure que tout le monde. J'attends juste de voir les cartes que je vais avoir parce que du coup, comme je sais que je peux tout jouer, je vais juste être en mode. À partir de maintenant. Mais ça dépend si elles sont bien ou pas. Fais gaffe en vrai, ouais, à pas les sortir forcément. Tu sais, des fois, il vaut mieux garder un peu pour faire une grosse sorte. N'écoute pas, écoute pas, gros. Mets tout dans la bouche. Plutôt que vomir ses cartes, tu vois. Vraiment viser les âges. Ça bon, alors très... pour deux. Alors. Il est plus... 17h, les gars, il faut qu'on finisse. Je vais jouer. Faut que vous finisse. Terrain de prolifération. Donc 2 ouais. Plus 3, 4, 5, 6. Oh, j'arrive à faire du 1v2, 7, je pense, quand même. 8. Du coup, je mets ça ici. Je fais ça, et du coup je fais une 5-5. Tu crées une 5-5, ouais. Insane. Bon, on va mettre ça parce que j'ai la full flemme. 5-5, et j'ai 3 de mana. 3 de mana, et ça va me permettre... ça va être assez insane. On va dire que j'ai mis des jeux de tape et les bons. Mais non, t'as pas 3 de mana, parce que tu l'as déjà... engagé. Ouais, ok, j'ai pas 3 de mana, allez, à toi. Attention, révélation, voilà, je suis mort. Allez, out. Pourquoi? Goodbye. Mais non, il subit 4, c'est fini. Non, mais non, mais pourquoi il a plus la créature, en fait, j'ai oublié. Ah, sa bête, putain, j'avais zappé. Sa bête, Xari est encore là. Mais en vrai, Xari, t'avais 3 mana de plus, hein. Oui, mais... Parce que t'avais engagé le truc ici, j'ai dit. Engagé, c'est un terrain. Bah, mais là, mais là. Et là, bah, moi, j'ai pas trop le choix de faire... Ça change rien, t'as pété de mort, tu one-shot. Non. Vite, dépêche-toi, ouais, peut-être. Ouais. 17h, les gars, go. Peut-être, là-dessus, le joueur français, qu'est-ce qu'il va faire? Allez, blitz. J'engage pour Max, faire t'as pris ta carte, l'échange au berceau sur sa machin. Ouais, t'exiles. En fait, j'exile la créature ciblée.
Et ça fait un 1-1. Et en fait, ça devient une 1-1. Vas-y, laisse-lui faire okay. ce truc là. Tiens. Tac. Bon, elle est exilée. C'est même pas. Dégage. Et t'as fait une 1 à la place. Peut-être que tu peux faire un truc vite. Dégage. Stop. Ah, mais non, putain, il y a plein de trucs. Il a plus sa putain de carte. Il ne l'a plus. Je sais pas pourquoi ça fait 3 fois que je suis en mode. Mais au pire, de toute façon. Mais non, mais Xari est mort en fait. Non, pas du tout. Et pour la, on finit pour la VOD en mode tranquille. Au pire, mais c'est ici l'émission d'après, je crois. Ah ouais. Ouais. Yes, allez. C'est terminé pour le joueur FR là-dessus. Non. Bah attends, mais gros. Si, j'ai qu'une plaine. Donc je suis bloqué avec ça. Donc à toi. Tous les joueurs perdent 25 points de vie. C'est genre il meurt aussi. Donc ça c'est une 1-1, on est d'accord. Ouais. Ah bah il va la booster. Quoi ? Détruisez. Chaque... Je joue regard de granit. J'en peux plus. Détruisez chaque permanent, non terrain, et un coup de converti de mana inférieur égal ou à X. Ok, donc on tue détruit tout. Et non. Du coup t'as fait X égale combien ? Attends, mais ça c'est plus... Je sais pas trop. C'est 0, c'était quoi le maximum sur le terrain ? 3. Bah, X égale 3, donc non, j'ai joué pour 6. C'était 5 le max. C'était 5, oui. Bon, t'as bah 5, 6, 7. Ah bah non, parce que 5, si tu le fais pour 5, du coup. Ah bah non, t'as plus ta bête de toute façon. Donc oui, donc fais-le pour 5 et puis tout le monde meurt. En fait, en vrai, vous savez quoi ? Ah non, c'est 8 le max. Ça, c'est 8. Ah oui, il y a un truc à 8. Ouais, mais il peut payer 8. Mais je peux payer. Oui, non, mais c'est juste. Voilà. Bah, le truc, c'est que je vais. Ah bah non, je peux rien sacrifier. En vrai, en fait, il y a match nul, les gars. Parce qu'il est genre 17h03. En fait, là, si vous deviez finir, je pense qu'il y a un. Ah, mais ça, non, mais parce que moi en faisant ça, il a plus rien, du coup je fais 1 et je non, parce que ah, non, toi bon, aussi, mec. Ça se détruit aussi. Mec, oh, tout. Jeu de merde, bon, bah go. Vas-y. Ah écoutez, je. En vrai, là, en faisant ça, c'est quoi jamais, c'est pas. Bah si, nos points de vue ont baissé. Non, mais c'est normal. C'est le but d'un commandeur multijoueur, c'est de pouvoir être normalement posé, de pas avoir un. Non. Non, 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 c'était gagné. Par le joueur français. Avec Lila Soupi, 12-12. Un Kraken. Moi j'avais quoi? Bon lolo. La forge des héros, un terrain. En vrai, là, non, mais en vrai, ouais, quel somme c'est Max, parce que tous les jours il aurait dû gagner normalement. Bah après, oui, mais j'ai pris mon temps. En et vrai, en dans fait, la... je pensais pas que ça allait durer 1000 ans. Là, en quoi. Vrai, dans la situation, s'il sacrifie tout, vu qu'il a plus rien en main et plus rien sur le terrain, il est quand même dans la merde face à Ponce, hein, en vrai. Oui. Parce que là, non, parce que il a... non, mais si j'avais été en tournoi, je t'aurais annihilé direct. Mais je parle pas de ça. Je parle là. En faisant le move que t'as fait, t'as plus rien du coup. Parce que t'as plus de main et t'as plus de terrain. Mais si, parce qu'il pouvait jouer son plein de cartes. Moi, ça, j'ai plus de terrain. Oui, mais en vrai. Bah non, il a utilisé tous ses manas. Oh, non, il m'en restait. Mais en gros, pour être. J'avais 16 des terrains. Non, mais des terrains, oui. Mais t'as plus. T'as plus de cartes en main. T'as plus de cartes en main. Tu peux pas jouer. Mais j'en avais déjà plus avant. Oui, ça fait deux tours. Oui, ça fait deux tours. Oui, mais t'avais quand même un peu de board, tu vois. Là, t'as enlevé tout ton board, technique. Oui, oui. Écoutez, bon, en tout cas, ce sera que partie remise. Juste, si je veux bien préciser un truc, genre, moi, je suis chaud pour qu'on refasse ça. Par contre, ouais, faut bien avoir en tête que de toute façon, ce genre de partie, ça peut durer 3 heures, tu vois, une partie comme ça, de toute façon. Bah, c'est le but, c'est que c'est des decks un peu marrants. C'est ça, du coup, ça reset, on reprend. Ouais, c'est ça. Pendant des soirées Magic. En vrai, c'est fun, hein. Justement, le format a été fait pour que justement ça dure longtemps. Maintenant, on l'a fait en pensant qu'une heure ça suffisait. Déjà, heureusement qu'on n'est pas allé à 40 points de vie. On fait tout ça, hein. J'avoue. Et en vrai, une heure ça aurait pu suffire, hein. Bon, juste, en vrai, oui, on met du temps à jouer aussi, hein. Ce qui se passe en tout ça, si jamais il devait y avoir une élimination, c'est à la mort subite. La mort subite, c'est celui qui a le plus de points de vie. Je déclare donc Max vainqueur. Bien merci. Bah, j'avais un. Merci. Ouais, c'était close, c'est vrai. Voilà. C'était close, en tout cas, j'ai beaucoup joué de créatures. En vrai, t'as passé une bonne game. Hein, Moi, je trouve vraiment ce format cool. Hein, pour, c'est entre oui, potes le format et tout, cool, mais disons qu'au bout d'un moment, t'es en mode. Bon, les gars, j'ai quasiment gagné et genre, ça survit. Bah, ça survit, je suis en mode. Les gars, vous étiez que 3. Hein. Imagine quand t'es parti à 5 à la base. Mais je ne joue pas dans ces cas. Après, le truc, c'est aussi le but, c'est que bon, là, j'étais vraiment dans la merde, mais le but, c'est qu'avec. Enfin, les points de vie, c'est une des ressources, donc même avec 3 points de vie, je peux remonter, tu vois. Ah, de ouf. J'ai 2 clean, t'as plus rien, imagine je mets une 12-12 et je te tape deux fois ta mort, tu vois. Non, mais complètement, mais c'est pour ça que je t'ai pas tué, c'est que j'étais en mode, mais bon. Je veux que tu joues. Ouais, ça joue. Après, bon, j'avoue, j'avais vraiment la pire main à FR. Mais moi, je serais chaud pour qu'on refasse ça, et même les trolls à deux têtes, on a fait qu'une fois, c'est pas mal. Les gars, il est 17h05, et dans quelques instants, c'est les Worlds de Fortnite qui vont arriver. Restez sur le stream.fr et suivez ça avec nous, évidemment. On vous fait des bisous, merci Olivier, en tout cas, de nous avoir accompagnés pour cette émission. On espère que la carte qu'on vous a révélée vous a plu, et à très bientôt pour une prochaine émission. Attends, c'est pas les Worlds. Ah bon, pas les Worlds, c'est quoi? Oui, mais c'est pour les Worlds. C'est pour les Worlds. C'est le pré-show des Worlds. C'est le pré-show des Worlds. Bon anniversaire à Chloé. Joyeux anniversaire Chloé.